Je vais regarder ça. Hello. Hello. Alors, voyons ça. Bon, vous allez bien? Oui. Pas de Covid en vue. Ah ben ça c'est bien parce que ces derniers temps j'ai l'impression d'être cerné quoi. Mais donc c'est quand c'est mardi que je fais ma troisième piqûre. Bleh. Quelle horreur. Ouais mais en fait moi aussi je déteste les piqûres mais bon ça fait c'est gérable. Enfin moi en général je tombe dans les pommes. Ça. Il y a quand même une fois, je passais un scanner pour des problèmes d'oreille, donc d'ouïe, et il y a un produit de contraste. L'infirmière me dit, bon, elle me colle l'aiguille dans la veine, elle me donne. Ouais, mais là, c'est pas dans la veine, c'est pas des intraveineuses. Voilà, c'est ça. Elle me donne le sac et elle me dit, allez vous mettre là, le temps qu'on prépare le scanner. Oui, oui. J'y suis allé, et je suis tombé toute ma longueur. Bah, moi, c'était du ramassage militaire, tu t'as fait une batterie de vaccin. Oui, je confirme, on me l'a fait deux fois. Donc, on était allé à la section en marchant de notre cantonnement jusqu'à l'infirmerie. Bon, au retour, ils sont partis sans moi, hein. Moi, je suis resté assis, j'ai pas bougé, hein. Ils m'ont dit, tu prendras le prochain wagon, hein. Ouais, mais ils étaient pas fins hein, au service militaire. Et pourtant, c'était que des vaccins pareils, tu sais, des sous-cutanés, c'est pas des intraveineuses. Ouais. Non mais en fait moi c'est simple, il faut qu'on me dise quand on pique, parce que sinon je saute. Et donc une fois qu'ils ont compris, ça va vachement mieux quoi. Ah mais moi c'est pas le même problème, moi il faut surtout pas que je vois la seringue. Ouais, moi je suis comme Pierre Rennes, mais c'est parce que je me suis fait 5000 piqûres quand j'étais jeune aussi, donc ça, 5000 dans le sens. Voilà, ça aide beaucoup aussi, mon neveu c'est pareil. Hein. Mais ouais, non moi voir la piqûre, non j'aime pas, hein. Honnêtement j'aime pas, mais je peux. Les prises de sang, je l'ai fait, mais pareil, j'aime pas ça quoi. Mais je l'ai fait. Moi aussi je le fais, mais j'aime pas ça quoi, c'est... Oui. Après oui, je saoule l'infirmier quand je lui raconte comme il y a dedans dans son plafond. Oui, non mais moi je respire, moi je fais par le contrôle de la respiration, comme au yoga, Tu prends une respiration, tu comptes un peu, tu souffles. Pendant la piqûre ou au moment de la. Ou pendant toute la durée ? Pendant toute la durée, à partir du moment où j'arrive dans le laboratoire, oui. Et après je meurs. Non, juste pendant la piqûre. Et en fait, il faut se concentrer sur autre chose. Moi, je lève la jambe. Moi, je leur dis la plupart du temps, c'est-à-dire que la jambe opposée de l'endroit où tu me piques, en fait, je vais lever la jambe au moment où tu. Tu sais, parce que je sais que je vais sursauter. Et en fait je lève la jambe au moment où ils vont piquer, en fait je lève la jambe. Et en fait bon tu sens la douleur, on est d'accord, mais en fait comme tu es concentré à lever la jambe, en fait tu sursautes moins. Oui c'est souvent ça. Bon après faut être honnête, hein. Moi on m'a fait les deux piqûres, j'ai rien senti. C'est après que l'idée qu'on me mette un vaccin, ça m'a fait flipper, mais voilà quoi, c'est pas. Non, honnêtement, c'est vrai que c'est super gentil, quoi. Non, non, il est mignon. C'est une aiguille noire, donc elle fait partie des moins épaisses. Hein. Ah non, moi je surtout pas que je vois l'aiguille. C'est plutôt la couleur de l'aiguille parce que je les connais, les couleurs d'aiguille. J'en ai eu des beaucoup plus grosses, des intramusculaires dans le cul où le produit est toutes les 30, il se consolide en 30 secondes, donc ça certifie que. Mais bon, voilà, c'était un traitement de choc aussi. C'était oui, ça où je faisais une tête de moins, donc t'inquiète pas, on a vite choisi. Hein. Oui, mon neveu, c'est pareil, il a fait des piqûres tous les jours d'hormones de croissance. Ah, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Et moi, donc, on m'a fait à la croissance du ralentissement d'âge osseux. Yo. Parce que je grandissais, j'avais les os qui grandissaient trop vite, et en fait, à partir d'un certain âge des os, c'est beaucoup moins efficace le traitement, donc en fait, ils te ralentissent. La puberté, qu'à le dire, hein, le grandissement des os,
pour permettre aux produits de continuer à te filer des hormones. Hein. On parle d'autre chose ? Ouais, on parle d'autre chose. Ouais. Parce que là, je vais mourir. Oh, là. Ils sont morts ou pas, les ronins ? J'ai perdu l'idée. Ils sont pas morts. On sait pas. On l'a pas senti. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'ils soient morts. C'est ça. Voilà. Après, il y a peut-être la distance. C'est ça, ouais. Non, mais j'avais peur qu'ils soient morts dans le combat et qu'on les ait pas vus. Ah non. Oui. Non, la distance, ça m'étonnerait, puisque, à mon avis, Soshi-sama, il était avec eux. Ah, voilà, ils ont pas réussi à s'harmoniser, donc on sait pas qu'ils sont morts. C'est ça. Aussi, c'est possible. Si, c'était harmonisé. Ah ouais? Soshi-sama, oui, mais j'avais pas fait avec les autres. Mais si, puisqu'ils se sont réveillés avec nous en haut. Bah oui, évidemment, ça veut dire ça, évidemment. Oui. Évidemment. Bah oui. Les Kami sont. Les voix des Kami sont un. Sont impénétrables. Ouais. Impénétrables, merci. Surtout pour un Kami de la Terre. Hein. C'est pas une image que vous avez posée, c'est la perle. Hein. Hey. Écoute, on avait un bail. On n'a pas payé le loyer, de gage. À foutre un beau bordel ce qu'on a fait quand même. Non. Pourquoi non. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est Soshi-sama qui prend tout sur lui. Oui. Ça, c'est bien ça. Bon, enfin, lui, il a une explication logique. Hein. Il y a un chef de village qui a essayé de le tuer, c'est vite réglé. C'est une bonne raison, en plus. Hein. Il n'a fait que se défendre, le pauvre. Il était en plus en infériorité numérique. C'est ça. Voilà. Qui a dit donc à vous et de Ronin, vous avez pris tout le village, le chef, les 20 gardes. Oh non, il a parlé de vous. C'est la base. Vous avez pas dans le temps de la grue. Non, mais non, vous avez oublié ça. Mais c'est pour le j'aime beaucoup. Vous avez oublié sa gouvernante. Ah putain, la gouvernante, elle a tout fait. Elle a tout fait. Le ninja oui. Caché. Je le savais. On l'a pas vu toute la soirée. Soit elle dormait parce qu'elle est vieille, soit c'était un ninja. Maintenant il a parlé de nous, donc maintenant on est connus, et on a quand même aidé un cartographe de l'Empire, enfin voilà. Les gens qui parlent de nous meurent aussi. Ouais, et Yazuki Bayuri a bien compris que c'est vous qui avez tué son village. Voilà. Non, c'est Soshi-sama. Ouais. On a vous irez lui expliquer, Idaranda, je vous fais confiance, vous êtes du même clan. Ouais, le jour où tu le fais, préviens-moi, je serai pas là. Nous on s'occupe de la paire de l'eau, à la prochaine c'est fois. Ça. Je pense que vous préféreriez aller discuter avec Yazuki Sama. Ça se vaut peut-être, hein. Que d'aller sur un bateau. Je préfère le bateau. Ah ouais, quand même. Et pourtant le bateau, c'est un bateau quoi. Et en plus c'est un bateau, on va peut-être pas voir les côtes en plus, hein. Putain, c'est quoi ce pays de merde. Ah non, ça je pense que vous allez pas voir les côtes. Hein. Allez. On parle pas du bateau, ah bon, je parle pas de piqûres. Je suis pas très fort en eau, moi. Les gens. Ça tient bien le feu. Hello. Ouais. Bon, mais y a tout le monde alors. C'est beau. Pas loin. Bah oui, parce que Jérémy il a dit qu'il est non. Oui, parce que Jérémy il est jamais. Non, mais il a prévenu bien avant là quand même. Bah, il reviendra quand même. Oui, il vaut mieux qu'il nous prévienne quand il vienne quand même. Il reviendra quand on jouera chez Bank en IRL. Ouais, ou le jeudi, ou autre chose, ou en IRL. Et quand il aura pas le Covid et je sais pas quoi, parce qu'ils ont enchaîné. Oui, il a le Covid ? Non, là, ça va, mais il l'a chopé. La petite, hein. Il l'a chopé le jour de Noël. Enfin, le jour de Noël, il était positif. Et puis après, je crois que c'est Hélène qui l'a chopé. Bon, puis Jérémy, de toute façon, il est toujours malade. De toute façon, il a toujours un truc. Et du coup, il les enchaîne. Et puis elle, comme elle est prof, elle déguste comme c'est pas possible avec le Covid. Oui, donc. Bon, ça va, c'était asymptomatique ou. Apparemment, ils ont eu un coup de pompe tous les deux. Ah, quand même. Et puis, comme la petite, elle, c'est un peu énergique à cet âge-là, tu te reposes pas, quoi. Mais oui. Tu sais, le Valium en huile essentielle, ça marche, hein. Ah ouais. Le problème, c'est que si tu te fais une huile essentielle, c'est que toute la maison en prend, quoi. Sur un sucre. Oui. On fait un canard. Il y en a qui le faisaient avant. Putain, qui mettaient l'alcool sur le sucre, je crois, c'est pas un truc. Oui. C'est un canard. Non, mais l'absinthe. Canard. Avec l'absinthe, tu.
Non, mais non, avec un café, tu vas la faire. Moi, c'est mes parents, café, ouais. Avec, après le café, tu prenais un sucre avec du cognac ou de l'armagnac. Ah, ou, ouais. Et puis ça doit être bien. Ah non, moi je faisais le canard, mais dans, moi je faisais le canard, mais dans le café. Bah, c'est pas un canard. Le canard, c'est du sucre, c'est le sucre que tu trempes dans le café qui absorbe par porosité. Ah oui. Pas d'alcool. Ah non, si, non, moi je parlais de l'alcool dans le sucre. Le café, je m'en foutais. Non, non, mais tu mets de l'alcool dans le sucre, effectivement, c'est un canard. Ah, bon. Ah ouais, là aussi, je crois que c'était comme le café. Moi, le canard, j'appelais ça le canard, c'était pour le sucre et le café. Sinon, t'as la solution, tu mets du rhum, du café et un peu de sucre. Voilà, un truc léger aussi. Moi, tu rhum, ouais, mais le sucre, ça me fait grossir, le café, j'ai mal au ventre après. Ouais, tu mets que du... Non, mais ensemble, ça se neutralise. Ça se neutralise. Bon, allez, je vais essayer. Ouais, au bout de 3 litres, c'est tout neutralisé. Bon, la caméra fonctionne ou pas? Parce que... Moi, je vois personne. Enfin, c'est sur quoi? Sur Roll20 ou sur Discord? Pardon, Roll20. Ah, non, sur Roll20. Vous filmer le chat. Moi j'ai coupé la caméra depuis que personne ne la mettait. Oui, ouais. C'est pareil. Non, en fait, Chris il dit ça, mais c'est pour pas qu'on le voit dormir sur son fauteuil. Voilà, il dort pas. Réveillez-le pour le combat. Il médite, pardon, c'est vrai, il médite. Voilà. En parlant de ça, fais-moi un petit jeu de méditation. Je suis là, comment. Ouais, c'est agressivité. Ouais, c'est petit. Bon, 20, c'est déjà... Ça va. 20, c'est bien. 20, c'est bien. C'est linéaire. 4 x 5. Ouais. T'as un bonus pour le carré. Ouais. En parlant de ça, quand on est en posture dos, on ajoute bien son score de défense plus ton rang. C'est pas la terre. L'eau, c'est défense, donc... La défense. La défense, non. Pas l'esquive. Bonus de rang plus de défense. En gros, quand t'as pas eu l'initiative, t'es considéré comme en défense, c'est ce que tu dis à chaque fois. Oui. D'accord. Et donc c'est bien. T'ajoutes ton anneau d'air. Plus la défense. Plus ta défense. Ta défense. D'accord, putain, je me niquais à chaque fois quoi. Quand je te disais que j'avais 30, bah... en fait j'avais pas 30. Ah, j'étais rarement vu en défense quand même. Non, mais si. Si, quand il a pas encore joué. Bah, quand j'ai pas agi. Ah oui, tu vois. Parce que Chris, t'as 37 en air. Oui, mais quand tu me demandais combien j'avais, moi je regardais sur la feuille de Roll20, et en fait ils ont pas fait les distinctions de défense. Quel dommage, sur ma feuille Excel, ça y est. Moi je te disais ouais. 30. Je te disais ND actuel, tu me demandais, je te disais 30. Bon, ouais, maintenant tu le sais. Maintenant je sais. Voilà. C'est beau. Et il a survécu jusqu'à son j'aime beaucoup. L'esquive, ouais. Ça vaut pas le coup, non? Défense, enfin. L5R est un jeu où l'attaque passe sur la défense. Donc il vaut mieux être super offensif que super défensif. Et défense, ça sert pas à un samouraï. Par contre, pour un Shukenja, défense, c'est vraiment fabuleux. Oui, parce que t'es en air tout le temps. Toi, tu te mets toujours. Tu peux toujours te mettre en eau. Pas en eau, pardon, en air. T'es toujours en air. Oui, ça t'empêche pas de lancer des sorts. Tout à fait. Non mais l'air c'est la posture normale l'air. Non, la posture normale. La posture normale. Enfin, il y a toutes les postures sont normales. Alors, oui, non, mais alors on va traduire. Dudu, écoute-moi. Est-ce que tu entends le son de ma voix? Oui. Ok. Quand tu attaques, c'est l'eau. Voilà, c'est ça. Quand tu te concentres, c'est le vide. Ok. Oui. Quand tu fais aucune action offensive, que tu incantes des sorts, que tu te déplaces, que tu ouvres une porte, tu ramasses une torche, c'est de l'air. Ok. Ah, incanté un sort, c'est pas une attaque, c'est pas non, une non, c'est pas du tout. Non, c'est ah bon. Bien. Non, c'est pas agressif. C'est vrai que la. Ok, d'accord, Dudu. C'est vrai que. Ok, ouais, je note pour la prochaine fois. Quand tu attaques comme un bourrin, c'est le feu. J'ai compris. Et quand tu es en full défense sans rien faire d'autre que te. C'est la terre. Tu te passes pas, c'est la terre. Et effectivement, les Shukenja sont avantagés parce qu'ils peuvent balancer des boules de feu et être en air. Voilà, c'est ça que je ne savais pas. C'est ça que je ne savais pas. Dans ma campagne, tu l'as vu pourtant, c'est dommage. Putain, t'imagines. Oui. Tu te rappelais pas que les mecs n'arrivaient jamais à me toucher. N'oublions pas que les crabes sont orange. Oui, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, j'ai un éventail qui est orange. Bah, c'est vrai. Les rares fois où les méchants touchaient Magus, tu l'entendis hurler. Ah oui, parce que j'avais tout mis en air et pas en eau et pas en terre. Non, par contre, tu dis que la défense ça sert pas beaucoup, mais quand tu te mets en terre quand même.
Non, mais même moi, ben, le problème, c'est que quand un samouraï Bushi se met en terre, il ne fait rien à part se défendre. Ouais. Donc oui. Ça peut tenir longtemps, mais un jour ou l'autre, ses adversaires vont le toucher et lui il touchera jamais personne. Oui, non, mais là. Pour avoir 7 en terre, hein, t'es gentil, pour pouvoir faire une action simple. Hein. Non, mais j'ai fait le test. Parce que j'ai... Ouais. C'est bien. J'ai fait le test par rapport à la défense. Et si t'es tout seul, effectivement, c'est nul. Mais si t'as tes potes à côté, en gros, toi, tu tankes pendant que les autres attaquent. Si tu ouais, mais c'est un... possible. Peut-être que ça fonctionnera. Alors, la compétence défense, une compétence, ça sert pour l'air et la terre. Donc, faire des sorts, ouvrir des portes et te défendre complètement. Si tu es en full défense, c'est généralement que tu es dans le caca. C'est-à-dire que tu es à moitié mort. Oui. Quand tu as des jets de blessures, okay, tu as des malus pour tout ce que tu fais, sauf pour te défendre. Donc, quand tu te mets en full défense, c'est généralement que tu comptes sur les potes pour te sauver la mise. Ou ah, alors, tu es quelqu'un défendre. De très honorable et tu meurs. Sauf pour te défendre. Les malus, tu les as pas à la défense. Voilà. Ah ouais, t'as pas le moins 40 sur le jet de défense. Mais non. Mais non. Oh, c'est bien foutu. Ah oui, mais il y a quand même des solutions, on peut pas mourir connement. Quoi. Mais il faut que les copains soient pas aussi à moins 40, sinon on se retrouve à 5 poteaux et au bout d'un moment on crève. Quoi. Le jeu lance un petit voile pudique en disant voilà, c'était sympa, à la prochaine. Ça nous a fait plaisir. Voilà, le problème c'est que la défense pour un samouraï, quand il commence à user de la défense, c'est que c'est le début de la fin pour lui. Oui. Alors que pour un Shukenja, c'est le début du début. Quand le construit qui t'a attaqué. Je pense qu'au moment t'en as pas voulu, je crois que t'es passé un tour en défense, je crois qu'on t'a pas voulu, hein. Quand t'as vu les plombs qu'il mettait. Mais ok, non mais c'est par rapport à... au rang 6 et... Le 7 oui. Alors, non, c'est une règle. Tu parles pas du rang défense, tu parles du rang de crabe, comme a envoyé Xavier. Ah mais c'est autre chose. Par rapport à ce qu'il demande, avec les prérequis, il demande d'avoir de la défense, mais si... Enfin, c'est bizarre parce qu'il te demande d'avoir de la défense. Alors, les écoles sont roleplay, les joueurs non. C'est thématique, quoi. Oui, tout à fait. Comment ça, faut être complet. J'entends des claquements, vous entendez des claquements, vous aussi? Un petit peu, des fois. Mais c'est des monstres. Ouais. Non, j'ai rangé tous les squelettes. Là, j'en ai plus. Moi non plus. Ouais. Bon, ça va. Et ça. Ah, si, là, oui. Ça. Oui. Oui, ça. Ah, mais ça, c'est mon micro, quoi. Je l'éteins, je le relève. Ah. Et comme je mange, bah, je l'éteins pour pas vous embêter. Oh, c'est d'accord, parce que je me demandais ce que c'était si j'avais des problèmes électriques à la maison en fait. Et c'est des crabes oranges, c'est des passes des crabes oranges. D'accord. Ah, t'as un bel écho, oui. Par contre, t'as un écho. Ouais. Ouais, putain. Faut que je fasse péter sur gueule. Tes enceintes qui sont trop loin, trop près ou trop loin de. Non, c'est parce que je crois que j'ai activé sur. Non, il a les enceintes allumées surtout. Tu peux laisser répondre. Donc la question du début qui nous a expliqué à la fin, c'est qu'il fallait un rang d'école X en défense pour atteindre un certain niveau de compétence dans autre chose, c'est ça? Par rapport pour un... Ouais, et tu trouvais que défense 6, ça servait à rien. Voilà. Mais en fait, dans le mur, comme c'est des mecs qui se battent ensemble contre des monstres immondes, bah défense oui. Sert. Oui, c'est pour ça que je pensais aussi l'utiliser, même en combat avec entre nous. Oui. Ce que je pensais, c'est moi tanker pendant un temps, avant que je m'énerve, par exemple. Tant que j'ai pas coup de coup, j'ai pas besoin de m'énerver, je tank. Et après, l'avantage aussi, c'est qu'Iruma, tant qu'il touche, il va monter sa défense, enfin son dé. Une fois qu'il sera bien monté, ben là je peux me mettre à attaquer et lui tank. Ida Sama, vous êtes quand même pas en train de nous expliquer que vous ne souhaitez pas mettre en valeur tout ce que vous a appris votre sensei et que vous êtes attentiste. Et tu peux répondre oui, parce que c'est l'école crabe. J'allais dire, je ne comprendrai jamais ce truc. J'allais dire justement, Kakita-san, vous avez l'habitude d'attaquer pour rompre, nous avons l'habitude de rompre avant d'attaquer, pardon. De tenir le combat le temps qu'il faut pour sauver les autres. Alors, Dudu, vu comment t'es gaulé, tu vas tout le temps attaquer. Quand tu vas prendre des coups, tu vas sourire, parce que t'as maintenant beaucoup en terre. Mais il y aura toujours des situations où le mec va dire je te maudis, quand t'attaques tu meurs. Ah c'est ballot ça. Tu vois, et, ouais. Et pendant ce temps il va t'attaquer en même temps. Tu vas dire bah je me mets en défense alors, allez. Non, c'était juste une question par rapport à la défense, c'est vrai. Bah si vous voulez on va commencer. Eh oui. Ouais. Ouais. Donc on s'était quitté. T'as pas modifié les fiches Roll20? Ah non, mon Roll20 vous le faites maintenant. Okay. Hein. D'accord. D'ailleurs, Deadpool, tu veux dépenser des pecs ou tu les gardes? Je garde. D'accord. J'avais pas d'idée particulière.
Donc, vous avez quitté le village des piliers de pierre. Vous avez cheminé un petit moment avec Soshi Naoshige. Et après, bon, vous marchez plus vite que leur caravane et vous êtes arrivé à Sunde Musamura. Vous avez fait votre rapport à Kuni Shurunai. Et ben vous vous apprêtez pour aller chercher la prochaine perle. Donc vous étudiez les sacoches que vous avez piquées sur les cornus. Les ogres cornus. Et donc dans ces sacoches, pour la perle de l'eau, il parlait d'une certaine carte que possédait un certain pirate. Yasuki Fumaki. Et d'après la sacoche, la perle serait liée à cette île. De l'île de la... mentionnée dans la carte. Bon, après, c'était un pirate fameux, mais d'un temps très ancien. Donc, où est cette carte, ainsi de suite, on sait pas trop quoi. Est-ce qu'avec des compétences de savoir, on pourrait éventuellement savoir soit où il a été enterré, si ça a été vrai, si c'est vraiment très ancien, ou carrément où il est mort. Ah non, mais c'est une légende, Yasuki Fumaki. C'est si le fou, il est toujours vivant, quoi. Ici, on a toujours les mers. À mon avis, on est parti pour aller voir là, encore à Yasuki. Bah... Est-ce que ma nouvelle connaissance fumée, j'ai le droit de faire un test Sachant que ta nouvelle compétence fumée parle de la menthe, et là, on parle de Yasuki. Mais fallait pas le dire. L'histoire, non. Ah, tu peux faire un jeu d'histoire, parce que c'est un personnage légendaire, mais historique. Art de la guerre aussi. Non, quoi que si, ça fait... Ouais, mais... Ouais, t'es crabe, je t'emmerde de la... Est-ce qu'on peut mettre un point de void ouais. Vous pouvez, vous pouvez. Mais un jeu de clan du crabe, ça marche aussi. Ouais, vu que c'est Yasuki Fumaki, c'est... Ah, Yasuki Fumaki, c'est un crabe, ouais. C'est vrai. Il est orange, hein. Ouais. Alors... Mais est-ce qu'il était crabe au moment où il est né? Parce que... On sait pas, mais oh ah, quelle horreur. Non, il était crabe. Il était crabe. Il est né crabe? Bon, il est né crabe, ouais. En battle, j'ai fait 21 et en... Là, c'est marqué, normalement. Il y a que les crabes alors... qui peuvent faire l'art de la bataille, hein, on est bien d'accord? Oui. D'accord. Et donc, vous pouvez dire plein de faits sur le fameux Yasuki Fumaki. En particulier, il a pas mal embêté la flotte de la grue. D'ailleurs, c'est un héros crabe, je tiens à le dire. Qu'est-ce qu'il est bien. Autant les autres clans disent que c'est un pirate, autant le clan du crabe, c'est un héros. C'est un corsaire. Ah, d'accord. Ah oui, non, c'est un héros, ouais. C'est l'argent qu'il prenait au la grue, il le redistribuait au crabe. C'est un corsaire. Bien. Oui, c'était l'équivalent d'un corsaire. D'ailleurs, je tiens à féliciter Izawa-san qui se remet au niveau du crabe. Il est bien imprégné de l'honneur du crabe. Enfoiré. Je pensais que t'avais une mauvaise influence sur les gens, mais là, ça devient grave. Hein. De quoi c'est... Je saisis pas l'allusion, pardon. L'honneur. C'est l'honneur. Je dis que Izawa-san s'est bien imprégné de la... Ah, il s'est acclimaté à la ville, hein. Ah, oui. De l'honneur crabe. Je pense que c'est celui qui s'est le mieux s'adapté. Ouais, je pense aussi. À l'inverse, moi je suis en train de me perdre. Ouais, je retrouve sauf toi, apparemment. Ouais. Faut arrêter de m'écouter, Hiruma-san, hein. Toi, tu vas immigrer chez les grues, hein. Tu vas immigrer chez les grues. En même temps, peut-être qu'on y mange mieux quand même, ça c'est possible. Oh, tu vas manger que du riz. On vous propose un contrat, c'est un mercato. On vous donne Izawa, mais on prend Hiruma. Vendu. Ça se discute. Vous y gagnez. Vendu. Non, mais moi je roule que pour le clan Phoenix. Attends, c'est un maître de la terre, Izawa-san, c'est un maître de la terre. Avec tout ce qu'on découvre, je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver des trucs qui ont des ailes chez eux. Bon. Ouais, mais la terre, c'est très crabe. Oui, ouais, aussi. C'est vrai. C'est vrai. Bon, sur ce. Et donc. Oui, en apprenez.
Donc aussi, il y avait un document qui parlait un peu de Yasuki Fumaki dans la bourse des oiseaux cornus. Alors comme c'est du vieil Rokugane, c'est difficilement traduisible parce que y a des mots qui ont évolué. Enfin, ça disait quand même que Yasuki Fumaki, il était célèbre, mais aussi il avait un équipage franchement nickel. Quoi. Enfin, c'est comme ça que vous le traduisez. Peut-être. Ça s'appelle nickel. Ben, fabuleux. Enfin, c'est... A priori, celui qui traduit, il a traduit ça comme il avait un équipage fabuleux. Vraiment très performant. Ah oui, d'accord. Oui, bon, il était compétent, voilà. Après, peut-être compétent. Des jets de calligraphie énorme pourraient affiner l'explication. Est-ce que c'est ça, le problème. Après c'est Kuni Shiranai qui nous en a parlé. Enfin, elle avait eu tous les documents ou pas elle... C'est les documents, c'est vous qui les avez eus. Elle les a étudiés avec vous, mais elle est, oui, voilà, elle est pas spécialiste en Rokugane comme pas plus que vous, et elle est pas spécialiste de Yasuki Fumaki. Par contre, si vous les discutez autrement, elle peut tenir la conversation. Ouais. Ah ben, je voudrais que je discute avec elle parce que j'ai des choses à apprendre. Si vous les discutez Mao, pourquoi pas. Non, ça m'a voilà. Plus tard. Mais enfin, excusez-moi, vas-y, ouais, je t'écoute. Dans les descriptifs des documents là, enfin dans la traduction qu'on en comprend, est-ce que dans les différentes batailles qui sont peut-être décrites, dans les différentes indications, je peux arriver à retrouver un lieu sur la mer de par la description des vents et ce genre de choses? Non, parce que là, vous, sur les documents, il y a pas de lieu de bataille. Ça parle juste de l'histoire de la carte et de son équipage. Calligraphie, c'est 23 le mieux. Ouais, moi j'ai pas fait terrible. Et après, tout ce que vous a rapporté vos savoirs en clan ou en art de la bataille, c'est où c'est que Yasuki Fumaki a frappé, les flottes grues qu'il a décimées. Il a décimé aussi des flottes phoenix, parce qu'il faut pas déconner non plus. Ouais, mais bon, c'est... Mais c'est un héros, c'est un héros, ça a jamais été un pirate. Ils sont arrivés trop au sud, ils sont trompés. Crétin, au nord. Voilà, donc, et après, chaque fois, lui, il avait un bateau, les grues ou les phoenix, ils avaient 10 bateaux, et ils a ridiculisé, et que... Et si on en parlait à notre ami le capitaine Mante, il en saurait peut-être quelque chose. C'est possible. Oui, c'était l'idée suivante. Oui, hein. Ah, t'es mouillé. Alors, pour les calligraphies plus de 20, quand vous reprenez le texte original, et par rapport au texte traduit par ceux qui avaient travaillé dessus, qui avaient dit que c'était un équipage fabuleux, vous diriez plutôt exactement c'est un équipage au poil. Mais c'est bizarre, ce genre d'argot dans un texte au Rokugane de l'époque. Ça a été retouché plus tard. Tu sais pas, ou alors c'est. Enfin, c'est. Toi, tu. Tu sais, c'est comme on fait du latin. Quand tu traduis du latin, des fois, c'est. Je vais lancer ce sort qui permet de savoir les émotions qu'il y a sur les objets. Waouh. Mouillé. Ouais. Non, mais est-ce que. Non. Attention, la dernière fois, t'as fait des cauchemars. Hein. Est-ce qu'il y a une région, Xavier, ou un village du coin, ou là où il aurait sévi, qui s'appellerait un truc au poil ou en référence à deux poils? Ça peut être un jeu de mots débile. Hein. Bah là, non. Fais-moi un jeu de connaissance du clan du crabe. Est-ce que le bateau aurait pas été produit... Alors, excuse-moi, je te termine. Je te laisse terminer, excuse-moi. Donc là, tac, augmentation, on je s'en fout. Je te laisse répondre, hein, Xavier. Oh putain. C'est quoi ça? Mais c'est le G pour savoir les sentiments d'un objet. Mais il n'y a pas de race. C'est sa psychométrie. Voilà. Y a pas de race. C'est pas le dernier mec d'ailleurs. Ça peut être quelque chose d'important. Bah en fait, ça a quand même été pas mal pollué par tous les gens qui ont tenu ça. Alors ça fait un peu trop longtemps. Je sens pas une aura de fourberie ou de tromperie ou quelque chose non, comme ça. C'est pas ce que tu ressens, non. Et je vais faire un truc idiot. Je vais lancer Lumière de la Lune, qui permet de trouver des choses cachées. Peut-être qu'il y a quelque chose de caché sur ce parchemin.
Oups là. Étage. C'est réussi. Y a-t-il quelque chose, un sens caché? Non, c'est un texte. Quelque chose d'écrit sous les textes, sous les lettres. Non, c'est un truc plutôt normal. Bon. Faut pas tirer le texte à la flamme. Non, je vous garantis. Allez, t'as le sort qui va bien. Ouais, mais le problème, s'il passe le parchemin à la flamme, il risque d'y avoir des dégâts collatéraux, quoi. Oui. Ouais. Faut s'en aller. Ouais, quitter la pièce. Oui. Enfin, ou alors ce serait plus simple qu'il quitte la ville pour faire ça. Oui. Ah, quand même. Oui, on n'est pas apprécié pour ça. Parce que les villes sont en bois et en paille et en papier. Ça, c'est sûr que c'est un peu le problème. Pour Banque, il a réussi à trouver quelque chose? Sauf chez nous. Il a fait quoi, Banque 19. Il a fait. Non, il n'y a aucune ville qui lui. Au niveau des. Donc, je mettais au niveau des. Un bateau qui a fait tant de piraterie. Enfin, pardon. Tant de combats en mer qu'il a gagné. Ouais. Au bout d'un moment, il ne peut pas revenir intact. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver un endroit où le bateau se faisait réparer? Donc je pensais notamment à l'île du Sud. Quelle île du Sud? Là où il y a tous les crafters, tous les artisans, artisans crabes. Ah, le petit village au sud de Sundemusemura. Bah disons qu'il est discret, il est, on peut y faire des choses sans être vu par les gens, donc c'est pas trop déshonorant de passer par là et pas revenir par la capitale, tu vois. Ouais. C'est pas visible. Parce qu'il avait des petits coins lui quoi. Voilà. Dans les légendes, c'est pas marqué, ça. Il n'y a pas ce genre de détails. Dans les légendes, est-ce qu'il y a des endroits qui attaquaient plus souvent que d'autres? Alors, il adorait les côtes du clan de la grue. Allez, me faire foutre. Est-ce qu'il a attaqué le clan de la tortue? Est-ce qu'il a sévi avant la bataille de la licorne? Le cerf blanc. Non, c'est après. C'est marin qui a vécu après cette bataille. Ouais. Donc le clan de la tortue existait et il n'y a pas mention de rivalité entre les deux. D'accord. Éventuellement, si on retourne à Sundemusemura, j'irai poser quelques questions à notre ami. Non, mais là vous y êtes à Sundemusemura. Il n'y est pas? Si, vous y êtes. Hein. Vous êtes arrivé avant. Avant Sushi. Et vous êtes en train avec Kunishiranai d'essayer de préparer votre prochaine expédition, quoi. D'accord. Alors attends, où est-ce qu'elle est, cette brave autorité? Est-ce qu'on sait que Yasuki Funaki, il avait Shukandomo ou pas? Bien sûr que non. Non, t'as absolument rien de ça. Ok, d'accord. Il l'a peut-être même jamais eu. Il se pourrait même qu'il ait jamais eu. Vous aviez à changer l'histoire pour nous perturber. Non, c'était pas l'histoire du tout. Non, mais déjà, c'est pour les ventes, je dis ça. Non, c'était... C'est dit qu'il a changé l'histoire. Non, c'était Kasuga Oshiba, la samouraï code. Mais normalement, t'as tous les personnages, je les ai mis sur Roll20. C'est ce que je regarde, justement. Et Kasuga, je pense que c'est Kasuga, ouais. La tortue, Kasuga. C'est Kasuga, ouais. La tortue, oui. C'est bien Kasuga Oshiba. Oshiba, ouais. C'est quand même bien. Oui, moi. C'est vrai touché. Que tu lui as rendu service. Tu lui as ramené des bateaux. Avec des gens qui avaient des fusils. Trucs à jean. Oui. C'est clair que c'était. Enfin, c'est mon devoir. Et si le devoir peut aller avec le plaisir, pourquoi se priver? Donc voilà, le souci, c'est ça. Et savoir où est cette fameuse île de la brume qui est mentionnée sur la carte, d'après ce que disent les légendes de Yasuki Fumoki. Avec connaissance crabe et tout ça, l'île de la brume, ça me dit rien. Ah non. Bon, je pense que... Mais ça dit rien à personne, en fait. C'est une île légendaire, on sait même pas si elle a existé, quoi. Et... Je pense qu'effectivement, aller rendre une petite visite à Yoritomo Atemori, ça serait pas mal. Parce qu'il a peut-être, vu qu'il sillonne des mers, eu envie d'aller voir l'île de la brume. Peut-être des légendes sur un kami très puissant, qui habiterait une certaine région peut-être, et que le pirate aurait été dans la même région aussi. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi je vois pas.
Un endroit où pourrait y avoir la Terre de l'eau. Un lieu de pouvoir. Et dans une oreille. Je peux poser une question idiote. On est allé voir la Kuni pour lui faire un état de ce qu'on avait découvert. Vous êtes avec elle, vous avez fait un rapport et. D'accord, voilà, non, pour qu'on refasse pas deux fois les mêmes bêtises. Elle est insignifiante en fait, elle est là depuis le début. Ah, mais c'est le premier truc qu'on a fait, on a dit on va voir, on fait le rapport avec une. Il me semblait bien, mais j'en étais pas sûr à 100%. Mais vaut mieux te dire bonjour, vous êtes bien la vraie. Kazuki, Fumoki. Et il n'y aurait pas dans les légendes le fait qu'il s'est posé à terre, qu'il aurait fait famille, qu'il aurait. Ben en fait, autant il y a plein de légendes sur sa vie, oui. Mais il n'y a rien sur quand il a arrêté d'être pirate ou s'il a arrêté d'être pirate, a priori. On parle jamais de sa mort. Il y a un endroit dans les mers qui est réputé où il y a beaucoup de serpents. Pardon. Est-ce qu'il y a un endroit dans les mers qui est réputé où il y a beaucoup de roshis, les serpents de mer? Déjà, il y en a un à Sunde Musemura. Oui, c'est un calme, même. Parce que moi, j'ai pris dans mes notes que les ninjos, les esprits de l'eau de l'époque, là, ils ont dégénéré et ils ont été pourchassés et tués, par, comme tout le monde. Hein. Mais ils sont protégés maintenant par les serpents de mer, les orochis. Moi, à ma connaissance, j'ai jamais dit ça, mais... Ah mais moi j'écris, moi je crée quoi. D'accord. Ah ouais, t'as une excellente imagination, je t'aurais cru, moi je te crois. Mais non mais je vais pas, écoute, comment j'ai noté ça quoi, ça allait sinon. Je vais regarder dans le résumé parce que... Non mais la drogue c'est bien. C'est quand non c'était l'entretien qu'on a non, eu. Non parce qu'à un moment donné il y avait Pierre qui avait rajouté des trucs qu'il avait récupéré sur les sites. Je pense que c'est ça oui. Non, ça c'est mes notes à moi. C'est pendant les... ce que j'ai noté de l'autre entretien qu'on a vu avec le Kenku. Voilà. Quoi qu'il s'appelait. La... Ah, bah alors j'ai dû le dire, pardon. Alors, bon, voilà. Moi, mais dans après, le résumé... j'ai pu me foirer aussi. Mais... Dans non, le résumé, il y a Ningyo, les ou sirènes, étaient liés à l'élément eau. Ils furent combattus par les Rokugani et ne durent leur salut qu'aux Orochi, les serpents géants. Bon, pardon, donc effectivement, je l'ai dit. C'était dans la mer du Nigendo. Non, c'est pas très connu, donc vous savez, un des trucs. Ouais, mais c'est le Kenku qui nous l'a dit, quoi. C'est Kozue qui nous l'a dit. Quand on est allé chercher la perte de l'air. Le chemin nous a été montré par un petit farceur qui est passé par la mer. Oui. Enfin, oui. Il a sauté dans les vagues. Ouais. La réponse est donc oui. Donc il y a un lien entre ce monde et l'océan. Et comment il s'appelle Est-ce que vous pourriez discuter, je sais pas, avec... si on trouvait un Orochi ou une statue ou quelque chose Oui, tout est possible. Hein. Si nous trouvons un Kami de l'eau suffisamment important, peut-être pourrait-il nous guider, effectivement. Je pense que si on se met près de la côte de Sunde Musemura, on devrait trouver ça. Oui. Et Kanomura, j'ai bien aimé l'idée de Kakita-san aussi. Le navire du marin de Yasuki Fumoki, c'est un Kutetsukan. Bien sûr. Et il s'appelle l'Immortel. Si c'est un Oni, je vous défonce. Et le Kutetsukan, en fait, c'est un bateau assez spécial parce que c'est issu des industries crabes. Et c'est un bateau relativement costaud. Enfin, ça fait partie des bateaux blindés des crabes. Ouais. Ils en seraient peut-être quelque chose aux arsenaux. Il y a des chances quand même, hein. C'est peut-être possible, enfin je sais pas, voilà. Il y a sûrement des pistes où des gens peut-être qui savent, mais... Parce qu'on a cailloux, on connaît des cailloux qui... Oui, cailloux Utsuan. On connaît, oui. Mm-hmm. Cailloux Utsuan. Oui. Par exemple. Après, si on demande à un kami s'il a croisé l'immortel, c'est-à-dire le Kutetsukan appelé l'immortel, ça peut être une piste, effectivement. Ça peut aider à le toucher.
Ouais. Bonne chance. Ouais. Et on sait s'il a coulé ce navire ou pas ou... Non, ouais, c'est franchement, c'est... il y a plein de légendes sur Yasuki Fumoki. Mais pas sur sa fin, quoi. Et ce qu'il est devenu, non, pour tout le monde ici, on a encore les mers, quoi. Il est allé. Mortel, là, c'est ça. C'était quand même il y a combien de temps? Oh, 5 ou 6 siècles. Ah, quand même. C'était contre les guerres Yasuki, c'est ça? Ah, c'est. Les guerres Yasuki. C'est après. Juste après, quoi. Ouais, c'est bon, là, ça serait un fantôme, là, quand même, au bout d'un moment. Bah, avec non, les Kami qui ont le droit d'être immortels. Hein. Non. Sauf Yasuki Fumoki, parce que c'est un héros qu'il a bien œuvré dans sa vie. Ouais. Il était récompensé. Voilà. Si le mec s'est transformé en... Putain. Je vais vous pourrir. Non, mais il paraît que quand tu pilles suffisamment de bateaux grues... Les crever. Ça donne plus de points. Par sac d'or, tu gagnes un an. Les bateaux grues, ça donne des points. Donc, vous avez passé plusieurs jours à discuter avec Kunishiruna, à réfléchir entre vous... Comment on fait pour trouver cette carte? Donc allez voir. Pardon? L'Otomo est toujours présent, Seigneur Otomo? Oui, il est toujours là, ouais. Il continue de pourrir la vie des crabes. Très bonne chose. Pourrir la vie de tout le monde. Et il faut que la mienne se pourrisse un peu, il faut que j'aille voir ma fiancée quand même. Et a priori, si vous voulez, vous pouvez faire un petit arrêt dans vos réflexions. Parce qu'il va y avoir l'incinération de Soshin Aoshige. Oui. Qui, vous aviez senti sa mort et qui avait été retrouvé matin, mort, lardé de par des lames, sûrement tombé sous les coups de voleurs et de larrons sans vergogne. Ben moi, c'est vrai que s'il y a moyen d'y aller, j'aimerais bien avoir l'opportunité de discuter avec les deux Ronin. Ouais. Ce qui est arrivé. Si, ils sont là. Oui. Ils sont donc, nous arrivons au moment de... du rite. Est-ce qu'un grand chevalier déjà comme Izawa-san pourrait avoir accès au corps avant l'incinération ou pas? Et tu veux faire quoi? Non, pas plus que ça. Le manipuler. Non, pas le manipuler. Voir si les lames sont bien des lames. Non, parce que vous êtes dans ça, Izawa-san? Non, mais tout va bien pour moi. le respect des morts. Il ne faut pas nous confondre. Vous en êtes? Non. Je veux bien participer. Enfin, ce serait un honneur si je pouvais participer au rituel. D'incinération, mais bon, voilà, enfin, c'est quelqu'un d'honorable, il faut commémorer sa mémoire. Oui, bah, il cherche un mec. Est-ce que tu fais des demandes en ce sens? Je fais effectivement une demande en ce sens. Si ce serait un grand honneur pour moi, si l'on m'autorisait à aider au rituel d'incinération du noble samouraï. T'adresses ta requête à qui? Otomo, normalement. D'accord. Il me semble. Ben, c'est un petit jeu de calligraphie et d'étiquette. On va faire un petit jet de calligraphie. Essaye de faire un jet. Oui, on va essayer de faire un. Bon, je suppose que vous prenez le plus beau papier que vous puissiez trouver. Ouais. Calligraphie. Pardon. Hop, compétences, calligraphie 3, poum, on va mettre un point de vide. Hop. Et wow. Et alors? C'est beau. Ça. C'est pas mal. Ah non, je vois rien. 31. Non, le premier t'as fait 31, non, allez. Ah non, pardon, je l'avais pas vu. Tant pis, t'as fait un second G, c'est 26, il fallait faire 30, c'est raté. C'est dur. Mais non, mais j'étais en dessous d'un... C'est ballot. Que c'est ballot, ouais. Bande de chien. Donc c'est le dernier G qu'on garde. Ok, je note. C'est à l'appréciation du maître et comment ça l'arrange sur le moment.
Bravo. Belle mentalité. Et donc, grâce à ta jolie lettre, effectivement, tu vas participer au... Tu vas officier. Oui. Tu vas assister Sumata. L'abbé des... qui est venu avec Otomo Nobusama. D'accord. Et à vous deux, le Shukenja et le moine, d'abord, vous allez participer à la dernière cérémonie, la cérémonie du départ, pour le retour dans la roue de Soshin Aoshige Sama, au fonctionnaire impérial et, ayant passé toute sa vie au service de l'empereur. Et pour l'occasion, eh bien, tous les notables de la ville sont là. Et à la place principale, il y a Otomo Nobu. Derrière, celle que Kakita ne quitte pas des yeux. Kujaku Izeki Sama. Et l'Otomo, il est là ou pas? Non, il est pas là, c'est toi qu'elle. En fait, il y a qu'elle. Je le vois pas. Putain, on est seul aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, Kunishurama, alors là, tu ne vois plus du tout. Quoi. Ouais, mais est-ce qu'elle le regarde? Ça, c'est une bonne question, ça. Oui. Moi, j'en suis Kakita persuadé, te répond, cas. Kakita le sait, oui. Elle le regarde. Voilà. Ah, mais je lui ai pas posé la question. Mais moi, je le sais. Le monde entier, Kakita. Voilà. Non, nous, on cherche les Ronin. Donc ça se passe dans la partie noble de Sunde Musemura, pas loin du palais qu'a investi Otomo Nobu. Il a été fait un énorme chez, enfin c'est des draperies blanches de marque de deuil ont été mises un peu partout dans le quartier. Et un petit jet de religion, enfin de connaissances. Avant, je vais quand même faire mon sort d'influence de Benten. Enfin, quand je saurai que le truc démarre. Oui, mais c'est. T'auras fait ça et tu peux faire ton petit jet de théologie. D'accord. Théologie. Encore une fois. 22. Bon, c'est moyen. Enfin, ça fait 5 partout. Le thé au fruit rouge, le thé au jasmin. Non, mais 22. Ça fait une moyenne de 5. Mm. Pour 4D, c'est pas mal. Donc, c'est une belle cérémonie où tout le monde est vraiment triste et. Même Yasuki Bayuri est vraiment éploré. Et Yuri, c'est lequel? C'est celui qui possède la mine, c'est ça? Ouais. Oui. Non, il est vraiment touché? Ah oui. En même temps, il nous avait vraiment tous convaincus, quand même, la première fois. Oui. Et donc, la cérémonie se passe, puis les gens sont en train de s'éparpiller. Et il y a un seppun qui va aller vers chacun d'entre vous. Expliquant que Otomo Nobusama aurait un très grand plaisir à vous accueillir ce soir chez lui. Ah merde. Merde. C'est comme si tu dis ah merde. C'est un honneur. Je vais donc faire une crise cardiaque. Bon, en fait, vous vous sentez bien que c'est une requête, mais que cette requête n'est pas refusable. Évidemment. C'est clair, parce que je pense qu'il y en a un ici qui l'a pensé. Ah bon ? Non, je préfère préciser. Ah mais je peux pas parce que... Je suis qu'à contact. On peut dire qu'on est malade. Ouais, tu peux. On a touché une perle il y a pas longtemps, on est qu'à contact. Voilà. On a combien de temps pour se préparer? Bah là, quelques heures à peine. 2 ou 3. Alors moi, j'aurais un petit truc à faire. Je l'explique. Largement plus bien. Comment? Moi, j'aurais un petit truc à faire, mais je vous laisse commencer. Bah ouais. Vas-y, un peu, oui. T'es content, tu sais ce que tu veux faire. Je vais essayer de m'entretenir, enfin, de discuter. Donc nous quitter. Oui, tout à fait. Très bien. Samurai-san. Nous avons eu de nombreuses épreuves.
des difficiles, des mortels, mais ce n'est rien comparé à ce soir. Préparez-vous et ne vous dispersez pas. Mettez vos plus beaux atours, ornez-vous de vos plus beaux compliments et préparez un cadeau de circonstance. Voilà. Vous avez une merci du conseil, Hide-san. J'en tiendrai compte. Oui. Vous allez où du coup, Kakita-san? Je vais profiter peut-être des derniers moments qu'il me reste. Vous nous condamnez donc, Hide-san. Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma phrase et vous comprendrez que je vais joindre l'utile à l'agréable. Je vais m'entretenir avec sa Yorimbo afin de peut-être avoir quelques idées sur la raison de qui le pousse à nous à requérir notre présence. Mais nous le afin savons d'être mieux préparé. Nous le savons déjà, Kaita-san. J'ai aussi une bonne idée. Je pense que ce qui vient de se produire devant nous, la disparition de Shoshi-sama et la raison de notre présence chez lui, je préférais m'enquérir qu'il n'y avait pas une autre raison cachée, et notamment peut-être liée à un mariage. Non, je pensais aux perles. Alors, bien joué. Il y a deux possibilités ce soir. Soit nous reprenons le flambeau de son premier envoyé, soit il nous juge incompétents et nous mourrons tous. Vous ne semblez pas saisir la gravité de la situation. Non. Eh bien, vous devriez. Mais... il y a des batailles où l'on sait qu'on va mourir. Il y a des batailles où l'on sait qu'on peut gagner. On peut gagner, mais il ne faut pas se disperser. C'est pas le moment d'aller chercher les plaisirs, Kakita-san. Il faut se préparer tous pour ce soir. Ce n'est pas nos vies qui comptent. C'est toute notre lignée. Si nous le fâchons, toutes nos familles seront punies. Toutes. Mais je le comprends, Hide-san. Je pensais que acquérir quelques renseignements qui auraient pu nous avoir échappé auraient pu être utiles pour ce soir. Je ne vais pas vous vexer, Hide-san. Et je vais faire confiance à notre esprit de groupe. Et nous allons donc nous préparer, nous mettre nos plus beaux atours, préparer nos plus beaux arguments, nos plus beaux cadeaux, et faire honneur à nos familles en présence d'un seigneur Otto. Du seigneur Otto. Kakita-san. Dans toute la troupe, vous êtes le seul en qui j'ai confiance pour bien vous apprêter. Si vous pensez faire les deux, je vous fais confiance. Eh bien, si je peux être de conseil pour d'autres. Alors, mes yeux ne tournent pas, mais mon esprit est déjà en train de regarder Hide-san. Je peux apporter peut-être un petit peu de la beauté grue sur les habits de certains. Samurai-san, regardez comme il a vu à travers le paravent de Médir. Il est prêt pour ce soir. Et vous? Bon allez, je me casse. C'est fini, con. Là, moi, j'avoue que je là il part, pour le cadeau, ça prouve qu'en fait, il avait rien compris. On est tous morts. Je vous suis, Hide-san. Je vous suis. Écrivez tous des IQ pour ce soir. Et quel cadeau on peut faire à un envoyé impérial? Ah, très bonne question. Alors, ce n'est pas un cadeau de valeur, mais un cadeau de situation. Peut-être que nous pourrions évoquer les quatre paires dans notre cadeau pour lui signifier que nous comprenons pourquoi il nous convoque. Et en même temps, s'il n'en parle pas, ça voudra dire qu'il n'est pas intéressé par ça. Le cadeau, il l'ouvrira après. Le cadeau, il ne l'ouvre pas en notre présence. Oui, mais même, il l'ouvre après. Parce que c'est son métier quand même, hein. Vous avez pas peur de, même sans en dire, de trop en dire quoi? On n'a pas le choix. Ah, mais ça c'est... Vous êtes sûr que c'est lié au père? Alors, cette entrevue. Hiruma-san, il y a peu, on m'a demandé, moi,
courtisan idée de la lignée de Shinjo, qui a passé plusieurs siècles en dehors du territoire, qui a vu des peuplées étranges et merveilleuses, qui a su négocier la paix et la guerre sur 8 générations. Moi qui suis l'élève de 3 sensei, on m'a demandé d'aller discuter avec des états. Ce soir, c'est mon soir. Les Kami seront avec vous. Oui, mais enfin, c'est toujours pas ma question. Vous êtes sûr, ma question, est-ce que vous pensez, et qu'est-ce qui vous fait penser que l'entrevue qu'il a, enfin que la convocation en fait, a trait à notre mission et au père. Mais c'est évident. C'est évident. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas... Mais pour quelle autre raison il faudrait nous parler? Je ne sais pas, je ne sais pas. Soshi Noshige était sur la piste des perles. Il nous l'a dit lui-même. Pour une mission impériale. Ah, honnêtement, qui cela peut-il bien être que ce curieux émissaire impérial qui arrive à céder Mizumura, excusez-moi pour la prononciation, soi-disant pour régler les affaires du clan Crabe, en réalité pour faire cette mission impériale. Sachant que la première escouade est morte, les premières escouades qu'on a trouvées étaient envoyées par les familles impériales. Oui, je sais ça. C'est soit l'investigateur, soit le dignitaire d'investigateur. Il est lié en fait. Je pense que c'est lui qui... Ah mais il n'est pas venu dans cette ville pour regarder les comptes. Hein. Non, vous pouvez faire un jet d'intelligence pure. Oui. Là, wow. Arrêtez d'hurler pendant la cérémonie du défunt. Non. D'accord. Intelligence pure. C'est un quartier où on n'acceptait pas trop les ronins. Quoi. Ouf. Un jet d'intelligence pure. Ouais. Ouais, bah là tu t'attaques nos forces là. Oh. Ouais. C'est chaud quoi. Quand même. Pourtant j'étais merde quoi. T'étais chaud quoi. Voilà. Fort plus c'est tout beau. Voilà. Une équipe de choc. Mais pourquoi Kakita est parti? Voilà, on est foutu maintenant. Non, vous pensez que c'est lui qui supervise l'opération des les toutes premières opérations, les Sepoun qui sont concentrés dans les terres sur la ville sûrement. Hiruma Kaeda, tu te souviens que Sepoun Sama avait dit que personne ne savait l'ordre de mission qui avait été envoyé pour la première équipe, celle qui était morte dans les terres. Oui, c'est celle-là que je faisais référence. Ouais, ben il y avait pas eu d'ordre de mission, personne ne sait pourquoi ils étaient partis. Ouais, je vous le rappelle ça, mais je vois encore le. Bah c'était pas une mission officielle en tout cas. Oui, ça oui, ça oui. Peut-être qu'il n'y a pas du tout de mission officielle. Après, peut-être que Soshi Sama nous a mitonné, hein. Non mais la mission ne peut pas être officielle. C'est pour ça qu'il nous convoque ce soir, pour nous utiliser pour remplir cette mission. Peut-être. Alors, on peut très bien faire une chose, c'est dire que, enfin, sans mentir, bien sûr, parce que c'est pas notre genre, minimiser notre action pour faire rehausser Soshi-sama, ce qui serait une bonne chose pour son âme, et dire qu'effectivement, nous, on s'est occupé des Ronins, et que Soshi-sama est revenu. Attention. Alors, d'accord, mais attention, parce que à passer pour des plus discrets que nous sommes, ou moins importants, ou trop modestes, tout ce que vous voulez. Il est possible que son choix, au final, ce soit de nous raser, et parce qu'au final, on en a trop vu. Et que cette mission, elle est secrète. Il ne faut pas qu'on passe comme lui pour des incompétents ou des trop... Voilà. Oui, mais il faut le laisser venir, si tu veux, quelque part. Je suis d'accord, mais honnêtement, moi, toutes ces réceptions, ça m'évoque des petits fours et des jolies sauces et des jolies dames et tout. Dès qu'il va falloir parler, il va nous emmerder de son côté. Quoi. Il paraît qu'il y a des petites boules dorées aussi. Oui, voilà. Alors, autant Soshi-sama, ne semblait pas être surpris de ce qu'on avait découvert, autant il n'avait pas l'air de savoir trop où c'était, puisqu'il n'avait pas prévu de visiter les mines. Il avait prévu d'aller au village, machin, peut-être chercher autour, mais il savait pas que c'était dans les mines. Son visage était pas vieux. Alors. Pour le peu qu'on l'a croisé, il était plus habile à vous tirer les verres du nez que l'inverse. Donc son visage impassible est resté du début à la fin. Oui. C'est pour ça. Oui, donc il est possible qu'il ait été surpris et qu'il n'ait pas dit aussi.
Oui, bon. Dans tous les cas, vous l'auriez pas vu. Non, parce qu'à part la mine, ce petit village a quand même pas beaucoup d'intérêt, quoi. Voilà, on est d'accord. Donc qu'il aille au village sans vouloir visiter la mine, ouais. Il aurait mieux été à la plage. Hein. Et... Donc... Non, je sais pas. Moi faire venir... Après, je vous fais confiance, hein, je vous laisse faire. Hein. Mais s'il faut mener ou arriver à se faire mener, pas trop dans la discussion pour arriver à nos fins, ouais. Ouais, c'est pas ma branche. Ça, on a des atouts. On a d'abord... On est polyvalent. On a Iden Touya qui est un courtisan hors pair. Je suis pas non plus complètement le dernier des crétins en termes de comment dire, de ce qui est mystique. Et quant à vous, non, mais vous évidemment, êtes, je ne veux pas qu'on est incompétent, évidemment, sinon je serais pas là. Mais donc, on peut pas se passer pour se faire passer aussi pour moins que nous sommes. Quoi. Surtout pas. C'est ça que je veux dire. Oui. Mais justement, il faut. Vous dites, il faut le laisser faire venir. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même aussi lui faire valoir que s'il cherche une équipe, il faut lui montrer qu'on est les hommes de la, on est les hommes de la situation. Là, et c'est la réalité. Voilà. Jusqu'à présent, voilà. c'est la réalité. Il faut se vanter. Il faut se vanter, les gars. Il faut se vanter. Soit on est des hommes de la situation et on a un nouveau protecteur qui est dans la lignée de l'ancien, enfin espérons-le du moins. Soit on est des gêneurs. Et donc comme c'est pas officiel, il pourra pas nous punir. Mais on sera puni. Hein. Ah oui, on verra plus jamais. Parce qu'on aura fait une faute de pas dans le jardin, quoi. Oui. En même temps, on sait qu'on marche sur un fil depuis. Depuis qu'on est à Sindam Zumur. Ah là, le fil va être tenu. C'est un automo. Est-ce que vous pensez... Par contre, vous... a-t-il le choix, lui? Est-ce que vous pensez que si jamais on arrive, entre guillemets, à se faire embaucher, engager, comme vous voulez, est-ce que vous pensez qu'on pourrait lui demander de ne pas envoyer d'autres équipes, quoi? Parce que, honnêtement, ça nous dessert et ça dessert le propos, ça dessert le but ultime. Oh non, il ne faut pas dire ça. Est-ce que ça nous dessert vraiment? C'est-à-dire, parce que comment il s'appelle, le cartographe, maintenant il est mort. Et maintenant, il y a des ogres cornus qui ont récupéré aussi la perle. Oui, mais comme ils ont fait avec Sipun Sama. Oui, et ben voilà. Moi, il y en a qui sont au courant. Moi, il y en a qui seront butés. Donc déjà, c'est bien pour eux. Et moi, les Tsuno, ou les, enfin, ceux qui cherchent la perle, les autres, trouveront les perles. Ou alors, il faut qu'ils viennent la chercher chez nous. L'avantage quand même, c'est que à la fin du fin, quand on sera... à la cité de la nuit, on aura enfin des adversaires à notre mesure. Sinon, honnêtement, pour l'instant, c'est quand même un peu calme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, je comprends pas ce que vous dites. Hein ? Je comprends pas. D'accord. Il commence à se vanter. Ah, d'accord. Il commence à se vanter. Si j'ai bien compris, c'est quand même une course. C'est quand même une course à la perle. C'est nous qui la trouvons ou des personnes qui faut vraiment pas. Qu'elle les ait parce qu'elle va en faire des choses affreuses. Alors après, c'est une course, mais en même temps, j'ai l'impression que la course, il nous laisse bien devant pour justement. Évidemment. Voilà. Si on trouve les trucs et surtout si il y a d'autres personnes qui trouvent et qu'ils n'ont plus qu'à les buter facilement, c'est pour ça que je dis il faut limiter les personnes qui sont au courant et qui cherchent à perdre. Ce raisonnement est dangereux. Je sais pas. Trois pas en arrière, deux pas en avant. Et ne pensez-vous pas que, comme, peut-être que c'est une capacité que nous avons, que les Camus nous ont donnée, que nous ne savons pas pourquoi, on est capable de s'harmoniser avec les perles et de surtout les sentir les personnes qui sont harmonisées et qui ne le sont plus. Si ce n'est pas une capacité donnée par les Camus, pour un dessin particulier, est-ce que Otomo Sama-sama n'aurait pas senti ce que nous sentons sur les autres? J'ai perdu le début, désolé. Non, moi je comprends tout, non, pour l'instant. Et donc c'est que nous sommes les hommes de la situation, et c'est pour ça qu'il veut bien parler. Alors je vais traduire le Hidasan. Nous avons été mis sur le chemin de la perle parce que nous étions capables d'en absorber les essences. Ouais. Cette faculté, nous sommes peut-être les seuls à l'avoir, ou seuls certains élus l'ont. Ouais. Si Otomo a senti, ou en ayant discuté avec Soshi, sait que nous avons cette capacité, il ne pourra pas se passer de nos services. Ouais. Ouais. Nous font partie des seuls élus capables
de servir l'Empire, pardon, l'Empereur, pardon, de servir l'Empereur et donc de mener à bien cette mission et en qui peut avoir confiance. Après, nous savons que Soshisama et Sepun-sama avaient réussi à s'harmoniser avec la Perle aussi. Voilà. Alors, oui. Donc, est-ce que c'est parce que nous étions là ou est-ce que parce que... Je crois pas que Sushi ait eu le temps de faire son rapport à Otomo, à mon avis, il est mort avant, hein. J'ai bien compris. Nous, on arrive à ce moment-là, personne ne sait qu'on est intervenu là-bas. Non, il est arrivé. Je sais pas, Xavier. Je crois qu'il est arrivé, hein. Ouais, je suis là. Là, il nous laisse parler, en fait, il sait que ça va durer longtemps. Est-ce que Soshi-sama est arrivé à Tsunamizumura et est mort après, ou alors il est mort juste au moment où il est arrivé, c'est-à-dire est-ce qu'il a eu le temps de faire son rapport à Otomo-sama, a priori? Il a été retrouvé de nuit dans les rues de Sunday Museum. Ah d'accord. Bah c'est oui, bon, il a fait son rapport donc. Il a fait son rapport. Il est rentré, il a fait son rapport, il a pas fait disons comme ça nous, serait il est pas allé faire la fête et puis après il est allé faire le rapport. Il est pas comme nous. C'est pas le genre. Ah non. C'est bien ça, alors. Par contre, il y a un sujet que vous parlez depuis le début, que Otomo Sama-sama va nous parler de ce sujet, qu'il va peut-être nous engager, etc. Mais je vous rappelle qu'on va quand même discuter avec l'une des personnes les plus importantes d'une des familles impériales de choses qu'un édit impérial a décidé que ça n'existait pas. Oui, il faut en faire gaffe. Et alors? Ouais. Alors le et alors, je vais vous laisser aborder le sujet alors. Hein. Oui, alors, oui. Ben non. Et alors c'est à lui d'aborder le sujet. C'est une bonne idée. C'est lui qui l'aborde. Alors. Nous, c'est pas pour qu'il nous invite a priori. Alors, il nous convoque. On se met la tête face contre terre et on attend. Hein. Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est évident. On laisse venir. Et ça va venir. Je peux dire. Non, mais bien sûr. De toute manière, honnêtement, si tu te mets à sa place, qui il a intérêt à recruter? Nous. Soshi-sama a dû lui dire qu'effectivement on s'était harmonisé avec la perle. Il sait même pas à combien de rangs on est harmonisé. Non, c'est nous qui sommes intéressants. Faut pas non plus psychoter. Non, mais ça m'embête quand même. Hein. Je suis désolé, on est quand même depuis le début à aller contre un édit impérial. Je suis désolé, les paroles de l'empereur, ça ne se remet pas en cause. Mais on ne les a jamais remis en cause. On n'a jamais remis en cause. On parle de créatures qui ne sont pas censées exister quand même. Hein. On n'a jamais remis en cause Lady Imperial. Rien ne prouve que c'est celle dont parlait l'empereur. Oui. C'est peut-être pas les mêmes. Peut-être que ce sont d'autres. Oui. Non. Lady Imperial dit qu'il n'y a pas de race non humaine. Il n'y a pas de race non humaine, sans déconner, les gars. Il y a quand même des Ida. Ça veut dire ouais, c'est pas humain ces trucs. Non, pardon. Attends. T'as au fait, Magus a gagné un PEX. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est parce que Sambra vient de m'amener vers de rhum que Magus m'avait offert. C'est bien. C'est... Ah bon? J'avais offert du rhum, moi, sans déconner. Banane, cacao. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Alors, tu diras s'il est bon. Oui, il est très bon. Et ma glace, il en reste? Non, il reste plus, ouais, tant pis. T'auras pas de PEX. T'as perdu un PEX. Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé. J'ai perdu. Non, Lady Imperial dit. Pardon, excuse-moi. Lady Imperial dit qu'il n'y a pas d'autres races intelligentes que les Rokugane. D'accord? Non, que les humains. Ok. Et on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment intelligents. Hein. Honnêtement, ils répètent une chanson. C'est un peu des perroquets évolués. Dites ça, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Non, mais. Sincèrement, enfin, ils sont intelligents. Le temps passe et à force de discuter, vous ne serez pas habillé pour alors du rendez-vous. Hein. Kakita-san, qu'est-ce que vous faites encore là? Allez, on va se laver et puis on va aller pour notre cul. Et le cadeau, parce que à la base, c'était la première question. Hein. Qu'est-ce qu'on offre comme cadeau en mettant comme ça? Est-ce qu'on offre un cadeau collectif ou chacun doit offrir un cadeau? Collectif, c'est bien. Hein. Moi, j'aime bien le collectif. Moi. Non. C'est un cadeau. C'est comment vous voyez la personne. C'est ce que vous voulez montrer comme faire passer comme sentiment. Ça ne peut pas être collectif. Je suis désolé. Bon, si tu veux pas le faire en collectif, tu le fais pas collectif. Mais peut-être chez les crabes, si vous voulez, mais pas chez moi. Est-ce que Hidesan, il est possible de faire un cadeau collectif? Oui. Sans que ce soit par une clan. Collectif par clan. Donc. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Est-ce que vous savez jouer la comédie, Hiruma-san? Non, mais moi, il y a des perles d'huître, et moi, je vais trouver une perle de crabe, et puis voilà, c'est bon.
Il y a un gars qui se démène pour préparer vos tenues, que les tenues soient le plus fabuleux possible. C'est ça. Vous avez de la chance, il y a Kenwoo qui arrive pour vous aider. Putain, lui il est toujours là. Pour vous donner des bons conseils. S'il a une idée pour le cadeau. Conseils sur les cadeaux. De quoi? Un cerf-volant? Ah ouais, un cerf-volant, pas con. Comme ça, Kakisa, il s'énerve. Non. Il en a déjà un. Je le sais, il en a déjà un. Non, mais t'es pas là, toi. T'es pas là, t'es parti faire ton cadeau. Un IQ? Un bel IQ? On peut le faire. Ouais, mais je sais pas écrire, moi. Moi, je peux jouer, là. Je peux faire du kabuki, mais ça va être long. C'est le seul cadeau. T'as qu'à lui écrire une thèse de kabuki. Oui, en une heure, bien sûr. Ah, écoute, il y en a qui ont fait en mieux. Hein. Bon, parlons peu, parlons bien. Si quelqu'un veut, je peux essayer de m'essayer à lui à calligraphier un bel IQ pour moi et pour lui. Enfin, par clan, bien sûr. Alors ça, je sais pas, Hidesan, si... Ah, si. Que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est pas la première fois qu'on joue Hidesan le fait, vous savez. Il y a un moment, faut reconnaître son compétence. Bah, généralement, quand t'offres un cadeau, par exemple, si t'offres une poterie à quelqu'un, c'est pas toi qui a fait la poterie. Hein. Ah. Par contre, pour Naiku, il faudra le dire avec conviction quand même. Oui, ça, je non, sais mais non, mais les cadeaux. Ah, c'est vrai, oui, par écrit. Pour l'écrit, il faut l'écrire. Voilà. Oui. Influence de Benten, ça marche sur ce genre de choses? Sur un écrit, non. Non. C'est. Ouais, là, oui. Il faut que le papier soit vivant. Oui, non, mais non, le Camille murmure à l'oreille des autres, donc non, effectivement, ce serait vraiment très compliqué. D'accord, ok. Eh bien, comment je fais? Un jet d'IQ et un jet de poésie et un jet de calligraphie? On peut s'y mettre à plusieurs ou pas? Oui, vous pouvez. Ça marche comment ça? Moi, je peux. Est-ce qu'on peut juger si le. J'ai besoin d'un jet de poésie et un jet de calligraphie. D'accord. Et ça fait quoi si on se met à plusieurs si on aide? Mais par contre, ce que tu peux dire, c'est ta poésie, c'est de la merde. Si c'est vraiment de la merde. Tu peux juger. Il y aura une augmentation au meilleur G par G réussi des autres. Ah, c'est le G de. Le G de quoi ça? De poésie. Poésie, d'accord. Waouh. Et la calligraphie, attention, 24 en calligraphie. Bon, c'est un peu moins bien. Moi, je fais mon jet de poésie avec un point de vide. Ok, bien. Non mais c'est réussi, c'est plus de 20, c'est... C'est pour oui, on veut pas réussir, on veut briller, quoi. T'as permis de donner une augmentation en plus au 33 de 10 avoir. Ça fait 38, ce qui est pas mal. Bon, vous avez au parchemin, le Kakita, il a quoi, lui? Le Kakita, mais il va rester dans ce qu'il sait faire, parce que c'est là où il trouve... Où il est le mieux. Sèche. Faut que ça sèche. Mais en fait, je le travaille assez régulièrement, mais en effet, c'est sur la finition, c'est sur la touche finale, c'est sur le bec, sur la manière de tenir, en faire les choses. Et je vais viser loin, tu vas voir. En fait, j'ai appris dernièrement quelques nouveaux doigtés de flûte, et j'aimerais avoir une théière, en fait, où quand tu verses l'eau, en fait, la vapeur d'eau, tout simplement, hein, en fait, provoque un son apaisant. C'est quelque chose, un genre de truc zen. C'est juste, tu sais, c'est une note, hein, mais qu'elle soit pure. Je crois que c'est clair. Ouais, c'est bah, en gros, c'est, tu rajoutes en fait un sort d'un son de flûte, en fait, quand tu avec la vapeur d'eau. Enfin, c'est concept, hein, on est bien d'accord, mais. Ouais, mais t'es peut-être flûtiste, t'es peut-être potier, mais je vois pas en quoi ça. Comment ces deux compétences peuvent te permettre de faire des trucs aussi fabuleux. Mais parce que je suis Kakita. Mais si ouais, c'est toi, ouais, voilà, ouais, non, ouais, non, mais je comprends. Même ça, c'est vrai que c'est un bon argument. Oui, c'est un bon argument, je valide. Voilà. Ben non, écoute, moi je. J'avoue que. Ouais, là, si tu veux faire ça, c'est du minimum du 35 OG. Ah oui, c'est impossible. Et une vie. J'ai combien en honneur? T'as 6, si je dis. Hein ah non, il a baissé, il a vachement baissé. Ouais, il je sais, j'ai baissé. Ta. Non, je suis à 6. Hein. Ah oui, tiens, j'ai pas mis mon honneur. Moi, j'ai un jour. Hein. Non, mais j'ai 6, hein, je sais. Faut que je mette à jour. Ouais, non, 35 quand même, ça pique un peu. Hein. Bah, sur un jet d'honneur, c'est réalisable. Si c'est raté, c'est dommage.
Alors je vais faire quelque chose d'un peu plus simple alors, hein, on est bien d'accord. Pareil, je vais donc le. Je vais essayer de faire une tasse de très bonne qualité. Ça va pas être ça qui va être important. Mais je vais écrire sur la tasse en fait. Attends, pardon, excuse-moi, c'est. En 3 heures, tu n'auras jamais le temps de faire un truc en poterie. Hein. Ah oui, il faut que ça sèche. Donc je vais. Ben, en fait, tu sais, je travaille régulièrement sur des. Projets. Sur des tasses de bonne qualité, tu sais, c'est, voilà, ça fait l'entraînement. Il y a toujours peut-être une ou deux qui sortent un peu du lot. Fais-moi un jet sans vide. Allez, un jet sans vide. Où qu'il est le Kitsukin 20. Bah, t'as une tasse qui est franchement mieux que ce qui se fait classiquement. Et je voudrais juste écrire donc sur le côté, en fait, une. Je vais pas dire un poème, mais on va dire une réflexion de Bushido. Ouais. Sur en fait les 7 Bushido. Et en fait, par ordre de préférence pour moi, donc en effet, c'est l'honneur, la loyauté chez moi qui est le plus important. Juste au-dessus, il y a la compassion. Et en effet, le écrire un. Ouais, voilà, I love New York, exactement. Et en fait, écrire un, si j'ai la place, un petit. C'est pas un IQ, mais un texte de Bushido sur le rebord de la tasse. Donc c'est les 7 valeurs du Bushido ? Oui, tout à fait. Juste, tu mets les 7 valeurs ou tu rajoutes des commentaires ? Alors en fait, pour moi l'orientation, en fait, la manière dont elles apparaissent, bon, j'ai pas pu faire un truc trop gros quand même, mais en fait je mets un texte plus long sur les valeurs du Bushido, de la loyauté et de la compassion, et peut-être un peu moins sur les autres. Donc je vais exagérer. Ok, donc l'idéogramme Shugi est plus fort que et plus volumineux que les autres. Oui. D'accord. Tu veux un géant quoi en Bushido ? Calligraphie. Calligraphie ? Bah t'écris sur une. Ah ouais, mais le texte est important quand même. Oui, mais la façon dont c'est. Tu sais, quand tu fais un truc artistique, la présentation ça compte beaucoup aussi. Oui, ok. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Ça te va ? Ça me va. Tu vas me chercher, monsieur, hein. Tu vas me chercher, hein. Ouais, c'est les Kakitas, ça, ils sont pénibles. Je vous emmerde, putain. Bah, vous allez voir le G37, là, de tout à l'heure. Prenez tous exemple sur lui. Et Hidesan, il a dit que j'étais fort, hein. Donc moi, il faut que je respecte ce qu'a dit Hidesan, là. C'est bien, Kakita. Voilà. Allez. Donc, avec tous vos cadeaux, tous vos parchemins et votre tasse... Ida, t'as accepté que je te prête une parure grue ? Hein que je mettais. Pas oui, alors, déjà rien que proposer ça, c'est assez bizarre. Hein. Oui. Mais c'est de la compassion. Ouais, mais enfin, normalement sur tes parures, sur tes parures grues, t'as tes mondes. En fait, je considérais. Ah oui, sur toutes tes tenues, t'as tes mondes. Je considérais que c'était une blague et que c'était toi qui Magus qui l'avait écrit et pas Kakita, parce que sinon je le recevrais mal peut-être. Moi, ça veut dire que tu insultes mon clan, tu es capable de dire que mon clan n'a pas des parures assez bien pour recevoir... Non, mais déjà, t'insultes aussi ton clan, quoi. Enfin, tu donnes pas à quelqu'un d'autre ton monde. J'ai dit prêter, déjà. Ah, je pensais pas que c'était sur les parures, non. Je pensais que sur les parures, En gros, c'est tu donnes à quelqu'un ton blason. Non, mais c'était sur les bijoux. T'as pas un poinçon de clan sur chaque bijou, chaque... Ah, quand t'as dit parure, je pensais vêtements, donc... T'avais dit robe... Pardon. Quand t'avais dit robe, je voyais l'autre habillé en bleu ciel avec un héros sur... Non, c'était parce qu'il n'est pas habitué à être en société, il n'a pas l'argent pour, il ne va peut-être pas vouloir le demander, donc c'était de la compassion. C'est pour ça que je suis compatissant en bas pour bien montrer que c'était... D'accord, donc c'est sur des bijoux et des trucs comme ça, ok. Oui, alors pour moi une parure c'était un bijou, désolé. C'était un collier ou une bague ou un bracelet. J'ai une idée. Après, si t'as... Voilà, c'est une proposition, vraiment, tu t'en fais ce que tu veux. Voilà. Ah mais tu m'as vraiment fait la proposition. Oui. Parce qu'en fait depuis la dernière fois en fait tu es tout le temps en armure. Pour moi il y a quand même une influence de l'ensemble du groupe sur le groupe. C'est pour ça que Hidesan a dit habillez-vous bien, ça va être compliqué, ne faites pas d'impair, on sert aussi l'empereur, etc. Donc il faut aussi prendre sur toi. Tu m'as déjà vu quand même autrement qu'en armure et avec des habits bien. Non. Si, il faut aller enfin, ce qu'on t'appelle bien et ce qu'appelle le ID ou le Kakita, t'as dit Kokuparan, toi. Oui.
Ouais, donc non, c'est pas le même bien. Toi, t'as que deux coucous par an et. Pas du tout les mêmes tissus. Je suis rendu un peu plus que 10. Hein. Tu bois beaucoup de saké. Non, mais c'est pas le même bien, je suis d'accord. Mais je veux dire, je suis pas toujours en armure lourde. Non, non, je suis d'accord, mais quand tu dis. En gros, t'as pas d'habit de dimanche pour le Kakita. C'est voilà. Pour le Kakita, mais sinon c'est un habit du dimanche pour les crabes. Justement, c'est ce que disait. Donc est-ce que c'est une ça pourrait être une offense pour nous crabes de se voir proposer un truc qui n'est pas de chez nous. C'est la question. Je pense que lui ne le fera pas parce qu'avec l'honneur qu'il a. Alors déjà, s'il y a des trucs avec des couleurs grues, il va pas te les passer. S'il te passe des choses, c'est neutre. Et oui, ça évidemment les couleurs, mais après. Si jamais tu as des bijoux, alors ces bijoux c'est peut-être une valeur symbolique, qui sont grues mais qu'on voit pas que c'est trop grues, mais qu'on comprend que c'est grues, ça veut dire qu'il y a une grande amitié entre vous. Je suis quand même ton sensei quand même, hein. Donc tes actions m'influencent après, un peu. Je le dis le pas seul truc ça, qui me gêne, c'est la question de prêt. Alors, soit il te l'offre, soit c'est la question de je te le prête pour l'occasion. Là, il te prend vraiment pour un pauvre. C'est une erreur de moi. Non, c'est une erreur de moi parce que. Non, donner, c'était dans le sens que ça pouvait laisser penser que son seigneur n'était pas capable de lui apporter tout ce qu'il faut et que donc le fait que je lui donne était une insulte à son seigneur. D'où le prêt. Mais c'est peut-être moi qui l'ai mal compris. Hein. Ouais, à ce moment-là, tu fais un cadeau. Oui, mais dans ce cas, tu me le donnes pas. Tu me le donnes pas, tu me fais un cadeau. Oui, tu dois refuser. Toi, tu dois refuser. Et que je l'ai refusé trois fois. Voilà, le plus simple, c'est de faire un cadeau, des trucs comme ça, quoi. Écoute, je vous ai pas remercié. Enfin, c'était. Vous m'avez sauvé la vie dans le village des piliers de pierre. Je ne sais comment vous remercier de cela. Et Je vais donc, en effet, Ida-san, vos actions et sur l'île Crabe du Sud et le pilier de pierre. Votre mise en avant pour l'équipe, le fait que vous ayez accepté de suivre mon enseignement m'apporte beaucoup de choses aussi en retour. Et en tant que sensei, je me dois aussi de voir que vous avez fait un effort, que vous avez progressé. Vous devez le sentir aussi. Et il m'a été donné lors de mon départ du village par un ami d'enfance, une pierre blanche. Attends, blanc c'est les mères de blanc, c'est l'impérial, non, attendez. Excusez-moi. C'est un peu le deuil, enfin, mais c'est... Ouais, c'est pardon, excuse-moi. Une pierre transparente. Une pierre noire. Non, une pierre transparente, mais qui reflète le soleil et l'ensemble des couleurs. Elle est, de ma vision, mais de mon sentiment, un exemple parfait que la nature... En Rokugan suit une harmonie entre tous les clans. Et je serais honoré que vous veuillez bien accepter ce cadeau et le porter ce soir. Akita-san, je n'ai fait que mon devoir en protégeant l'escadron Coquelicot et en le menant à sa réussite. Akita-san, pardon, vas-y, je peux avoir. Cadeau en remerciement. Ida-san, vous avez mis votre vie en danger à plusieurs reprises. Vous avez accepté l'enseignement de quelqu'un d'extérieur à votre clan, avec tout ce que cela implique et tout la droiture que je sais des crabes. Accepter ce symbole de l'union entre tous les clans. Mmh. Akita-san. Ah, pardon. J'étais endormi. Le symbole de l'union est représenté par l'escadron Coquelicot et cela suffit à mon cœur pour t'aider tous en tant qu'ami. Je n'ai point besoin de matériel pour représenter cela. Comme l'a dit si justement Ida-san, nous allons peut-être
faire face à un grand danger. Et nous sommes ici pour cette quête de perles. Et vous avez été le responsable dirigeant de l'équipe de l'escadron Coquelicot à notre arrivée. Et nous sommes toujours là, tous, sans exception. Cela peut être aussi un clin d'œil fait à Otomo Sama-sama. Ne lui faites que pas nous sommes des porteurs de perles. Ne lui faites pas de cadeau. J'ai dit quoi pendant le symbole? Ne lui faites pas le clin d'œil à Otomo Sama. Ah oui, pardon. Oui. J'assiste. Donc voilà. C'est peut-être façon, aussi, c'est avec honneur que je prends cette perle et qui représente tout l'escadron Coquelicot dont je suis sergent. Caporal. J'ai pris du grade. C'est vrai que tu tous étaient supérieurs, c'est vrai. C'est vrai. C'est une méthode. Eh bien, maintenant que nous sommes bien affrétés. Et je me ferai un honneur de le porter ce soir. Vous, mon oh, je suis tout ému. Je suis content d'avoir été là ce soir. Oui. Rassurez-moi, vous venez avec nous ou pas? Ah ben, je viens si vous m'invitez. Quel dommage. Avec plaisir. L'invitation n'était pas à votre nom. Quel c'est dommage. C'est qui ça? Kenrou. Kenrou, qui tu veux que ce soit? Quelle idée. Ah ben, je suis prêt. C'est qui ça? Ça fait 30 secondes. Ça y est, merde, putain, Kenrou arrive. C'est le moine du cerf-volant. Oui. Ah. Non, je le veux. Ouais. Ça pourrait faire ça sensation, entendu, mais... Ça s'est entendu, Didier. Un moine. Voilà. Sinon, moi, Idesan, je veux bien des conseils en relooking et en coaching, si jamais. Mais, vous voyez ce qui s'est passé dans mon beau yeux ébahis. Hein. Ouais. Allez. Alors, oui. N'oubliez pas votre éventail ce soir. Et observez surtout le mien. Ah, j'en ai pas. Quelqu'un peut. Il n'y en a pas quelqu'un. Ça marche avec un cerf-volant, mais non, toujours pas. Mais je suis en train de me demander si j'ai un éventail. Tu vois. Si on en avait tous acheté. Vous avez tous récupéré. Oui, à un moment donné, il y a eu un épisode où effectivement tout le monde avait eu un éventail. D'accord. Kenrou. Mon petit Kenrou. Le Otomo Sama-sama nous a demandé à nous seulement, et je sais que vous auriez apporté beaucoup ce soir, mais. C'est Otomo Sama-sama quand même. Oh, d'accord. Mais je sais que vous avez apporté beaucoup. Bon, d'accord. Je vous accompagne pas, mais il faut pas que vous partiez le ventre vide. Vous voulez pas que je vous prépare un petit repas pour vous caler avant de partir? Hi, hi. Pas. C'est vrai qu'il a pas parlé repas, Otomo Sama. Il a toujours de bonnes idées, Kenrou. Non, et moi c'est pas. Ira. Allez. Vous avez peur de votre estomac. C'est vrai que les dernières nouilles, et moi, elles m'étaient restées sur le ventre. Mais j'ai trouvé une nouvelle recette. Ah. Au marché, j'ai eu des nouvelles épices, je connais pas. Elles avaient un bon arôme. Il faut le tester. C'est justement ce que je voulais dire. Vous allez tester ce soir. Essayez différentes variantes que vous allez goûter. Et vous nous en ferez un rapport. Le mieux, voilà, on goûtera ça demain ou après-demain. Ce que vous ferez de mieux. D'accord, mais je vais préparer ça. Je vous attends. Voilà. Ah, si voilà. Si on revient pas, c'est qu'on est mort. C'est qu'on voulait pas manger les nouilles. Oh, non, vous pouvez pas mourir sans avoir goûté mes nouilles. D'accord. Kakita-san. Prenons, si nous avons le temps, hein. Je le propose aussi à vous, hein, de nous préparer psychologiquement pour notre entrevue, en faisant le vide en nous et... Là, c'est dommage, vous avez perdu beaucoup de temps et vous n'allez pas avoir le temps de méditer. Pourriture communiste. Ou alors vous arrivez en retard. Ça va. Ah ouais, non, on arrive en retard, ouais. Il faut savoir se faire désirer. Hein. Bon, allez, on y va. Bah, moi, je me fais beau avec les conseils d'idées de machin. Samouraï, vous êtes allé dans le royaume des ancêtres et vous avez fait honneur à vos familles. Je ne m'inquiète pas pour ce soir. Hop, exo.
Je vais donc me tenir aux côtés de Hide-san dans la marche. Ouais, c'est quand même la grue qui est la plus proche de la famille impériale. Ouais. Il faut rester en deuxième position. Ouais. Et ensuite, la routine après. Enfin, c'est moi qui suis en deuxième. Hein. Mais je te vois bien en deuxième parce que l'impératrice, c'est une grue toujours, non, il me semble. Oui. Ça peut être pas mal. Ouais. Puis après, bon, par ordre de compétences, hein, Izawa. Oui, Izawa. Et Execo à l'arrière. Et après, non, quand même, je mettrai Yuget avant Hiruma et Ida. Qui ça qui Mais il vient pas, lui. Il nous accompagne jusqu'à la porte. Il va jouer au domino avec Enru. Il est obligé de l'accompagner, sinon on peut pas se déplacer. Hors de la ville. Ah, dans Non, là, il y a Juliette et Kenru, ils vont jouer au domino. Voilà, mieux. Ouais, non, mais ils veulent pas un troisième joueur. Moi, je suis à l'arrière, à ma vraie place, c'est très bien. Moi, je suis à côté d'Izawa-san. Bon, vous traversez la ville. Voir un petit peu devant, parce que je suis quand même le sergent de Coquille. Vous montez l'escalier qui mène au quartier noble. Bizarrement, les samouraïs Nambunaga ne vous pose aucun problème pour rentrer. Il y a juste un truc que je rajoute avant qu'on parte. Je dis, j'ai été surpris de ne pas voir Oiseau Fulgurant ni Lame Éclair aux funérailles. Peut-être n'ont-ils pas eu l'autorisation d'être présents. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé et ça serait bien d'essayer de les retrouver dans la ville si on peut. Zerosan qui avait été dans la procession, peut-être. Non, pas vu non plus. Et je pense pas que ce soit autorisé au Ronin. Non, mais peut-être dans l'entourage, vous avez appris comment il était mort et peut-être a-t-il été fait mention de ses Yorimbo ou ses gardes du corps. Ce n'est pas vraiment l'endroit où l'on discute des. On essaie plutôt de recueillir l'âme et de la mener vers les royaumes. Très bien. C'est plutôt vers ça qu'on tend en général dans ce genre de situation. C'est très instructif, merci. Je vous en prie. Donc vous poursuivez dans l'allée jusqu'au palais qui a été alloué au l'émissaire Otomo. Ouais. Un peu avant, je vais quand même jeter discrètement deux sorts. Oui. Il est presque perdu. Discrètement, carrément. Oui. L'influence de Benten, ouais. Une sur moi et une sur Idé. Ouais, surtout sur l'influence du crabe. Voilà, bon, sans difficulté. Il n'y a pas besoin de. Oui, non, c'est bon. Il est où le Tomo dans la liste là? Je le vois pas. Et il est en bas. Petite question. Non, ça c'est pour le joueur. Ceux qui ont communiqué avec la perle qui sont morts, donc il y avait le Sepoun. Et le scorpion, il n'y avait pas de troisième? Non, que deux. La première perle, on était garanté que. Ah, c'est ça, il n'y avait pas de. Ok, c'est bon. Le moine au cerf-volant, je me demande si on n'aurait pas dû le prendre avec nous. Je pense qu'il cache des trucs. Enfin, il n'était pas invité. Pardon, le Sepoun est mort alors qu'il allait faire son rapport à. Alors qu'il retournait sur ses terres à Sepoun. Oui. Voilà. Pourquoi faire? Magistrat impérial. Mais non, ouais. C'est parce qu'il avait récupéré ce qu'il voulait. L'harmonie, le rubis, l'école du rubis. Le kata du rubis. Ouais. Non, c'était la deuxième fois. La première fois, il est parti pour amener le kata du rubis. Il était revenu, il avait récupéré l'harmonisation et il repartait. Voilà. Voilà. Mais il n'avait pas vraiment de bonnes raisons de récupérer l'harmonisation. Enfin, on voyait pas pourquoi. Oui, il nous avait pas dit. Sauf s'il était en mission. Sauf s'il était en mission, effectivement. Il nous avait rien dit. Je maintenant qu'on marche là un tout petit peu quand même, fait, qu'on en discute, je me pose vraiment la question si il n'est pas possible de transmettre cette harmonie une fois qu'on Le Sepoun, une fois qu'il avait trouvé le, c'est lui qui a fait pour qu'on retrouve le Kenku. Hein. C'est lui qui voulait retrouver le. Oui. Ah oui, les ancêtres. Non, pas les ancêtres, le. Dans le manuscrit, il y avait une note qui parlait d'un être célèbre. Il voulait le retrouver. Allez. Oui, exact. La troupe. Oui, la troupe. Le sac à malice. Le sac à malice, voilà. Lui, il voulait retrouver le sac à malice. Hein. Oui, quoi, il s'est quand même bien orienté, quand même. Hein.
Et après, vous voulez retrouver Kenku qui était un être mystique. Donc lui, c'était son objectif. Il était totalement con. Non, mais le fait de transmettre derrière, je... Non, pardon, l'harmonie, c'était, il n'était pas forcément au courant. Il cherchait Kenku. Une fois qu'on l'a trouvé, il a gagné l'harmonie, mais il n'était peut-être pas au courant de ce qu'on gagnait à trouver Kenku. Non, d'accord, mais il était au courant de... S'il était au courant de Kenku, il était au courant des races... Pas forcément. Autre chose, ouais. Non. Non, ça, il n'avait pas l'air très très au courant que... Non, le Kenku, ça a été une... Oui, il pensait à un être humain. Il pensait à Camille ou à... Ah oui, d'accord, il pensait à... Oui, non, il cherchait Kozue parce que c'était lui qui avait enseigné le... Oui, le kata. Le kata du rugby, ouais, c'est pour ça. L'origine du kata. Voilà, c'est ça. Et il espérait apprendre d'autres choses de lui. En fait, kata, tout ça, voilà, tout ça venait du kata. Parce qu'il avait appris, parce que Kozue avait appris à le kata du rugby, il avait appris d'autres choses aussi à beaucoup d'autres. Bah, il était celui qui avait appris l'escrime à tout le monde, surtout. Et il avait appris l'escrime à Deidoji. Donc en fait, on est tombé dessus par inadvertance. Et on a eu cette mission par inadvertance, quand même, quelque part. Bon. Ok. Et donc, au bout d'un moment, les Bushi Nobunaga sont remplacés par des Bushi Seppun. Vous arrivez dans le palais. Le palais est fait de bois laqué. Certaines parties sont recouvertes de cire rouge. Il y a des lampions qui éclairent l'ensemble. On vous guide jusqu'aux étages supérieurs. Dans les étages supérieurs, ce sont des Bushi Kujaku. Quoi ça? Du clan du Pan, de la famille du Pan, que celle dont Kujaku Izeki et le Yoshimbo d'Otomo. Jusqu'à arriver dans la pièce où se trouve Otomo Nobu, qui est assis sur un petit piédestal avec une petite table à pied bas devant lui. Il a Kujaku Izeki derrière lui, et il y a Sumata, l'abbé des quatre temples, qui est aussi dans la pièce. Et là, je vous conseille de faire un jet d'étiquette très élevé. Alors, en arrivant, j'ai posé mon Fukeziyashi à l'entrée avec fermeté. Ton quoi ? Je fais pareil. Wakizashi. Ouais, je n'ai pas d'arme. J'avais pas entendu. Alors, j'ai supposé qu'aucun de vous n'avait d'armure. Hein. Oui. Vous êtes tous en kimono. Je n'ai pas d'armure et je suis qu'avec le Deisho. Donc, Izawa, Ide pose son Wakizashi. Même chose, bien sûr. Oui. Pareil, attention, j'ai rien du tout. Moi, je pose mon Wakizashi et mon katana, donc le Deisho. Là, vous posez le Deisho. Enfin, quand un Bushi me dit qu'il pose son Wakizashi, j'ai supposé qu'il ait posé le katana aussi. Et le Tetsubo. Maintenant, tu peux poser qu'un. Du coup, je t'ai gardé avec moi. Okay. Donc, j'ai du 36, 39. Qui c'est qui a pas fait son jet d'étiquette? Ah, pardon. Moi, j'ai pas fait. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce jet de merde? Ah, mais c'est pas dit. 24, ça va. Alors, attends. 21, 24. J'arrive, l'étiquette, pardon. Il est temps de mettre point de vide, c'est ça? Ouais, c'est une idée. 27, c'est bien. Oh, c'est bon, on va pas mettre de points, ça devrait passer quand même. Tiens, 20 avec 5D, c'est pas terrible. Waouh! Non mais, Ida Honda, il est fait pour ça. Ide Entuya, tu as plus 4, hein, je te rappelle. Ouh! Ah, 1D plus 4. Ah oui, c'est vrai, c'est 1D plus 4. Oui, par contre, enfin, c'est juste, t'as mis Benten sur les personnes les plus compétentes. Oui. Celles qui vont parler. On est bien d'accord. Oui. Pas de commentaires, merci. Voilà. Oui. La réponse est oui. Tout le monde en fait son G. Ça fera 40. Ouais. Jida, JIT, Chikakita, Jizawa, Jiroma. Ok, j'ai tout le monde. Bon, mais vous avez haussé votre niveau pour saluer à un niveau d'Otozan Yoshi, la capitale impériale. Et a priori, vous avez bien fait. Kujaku Izeki vous fait signe que vous pouvez approcher. Mais comme vous avez réussi
votre jet d'étiquette, vous savez qu'il y a une distance minimale à ne pas franchir. Et donc vous restez à une dizaine de pas d'Otomo Nobu. Très bien, très bien. Donc Hide Intuya s'arrête avant d'arriver au piédestal. Et commence à s'agenouiller et à saluer, donc bien avant d'être arrivé. Donc, avec Akita sur le côté, ensuite Izawa légèrement derrière, et après les deux ex-echo, comme ils veulent. Je trouve que le sol est de magnifique qualité, je le regarde avec profondeur. Oui. Quand c'est pas son regard, il va vous tuer. Vous entendez le bruit d'un éventail qui s'ouvre. Signal que vous pouvez vous redresser. Et Otomo Nobu vous scrute de son regard. Alors c'est un être, il est petit quand même. Hein. C'est vraiment un petit Rokugane. Mais qui en impose vraiment. À côté de lui, les gens paraissent tout petits. Il a vraiment une aura qui écrase tout le monde. Et pourtant, il a un aspect plutôt commun, voire insignifiant. Alors, où c'est qu'il est sur le... Ah. Ouais, tu peux cliquer dessus ou pinguer. Il est en bas, au milieu. En bas. Dernière ligne. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est ces trois-là qui sont présents. Un petit jet. Pardon, excuse-moi, juste chez toi, même si on s'attend à avoir une pression au même niveau que celle qu'il avait faite pendant la réception de l'ambassadeur, je vais dire comme ça, le fait de se préparer psychologiquement à ça, ça n'apporte rien. On est des samouraïs, on est prêt à tout. Tu fais quoi pour te préparer? Ben en fait, je sais quel est le sentiment qui va m'habiter. Et en fait, je me prépare à réfréner ce sentiment qui me faisait sortir de ma nature normale, nature profonde. Je sais ce que je vais combattre, en fait. Donc, si tu veux, tu peux essayer de faire de la méditation pour te concentrer sur toi-même. Mm-hmm. Mais si tu fais ça, je donnerai des malus à tes jets d'étiquette et de relations avec les gens. D'accord, bon, c'est bon à savoir pour la suite. C'est un bon gambit. Ok. Donc pour l'instant, tu le fais pas ? Non, pour l'instant, je ne le fais pas, parce que je ne suis pas agressé, je pense pas que je vais être agressé. Ah, mais une fois que t'es agressé, ça sera trop tard. Hein. Oui, je sais, je sais. Mais après, voilà, je pense qu'il... Je veux dire, c'est préventif comme attitude, hein. C'est pas en réaction. Hein. Mais le malus, il est de combien ? C'est de 1 G0, c'est 3, c'est 5, c'est 10, c'est 25 Ah, c'est pas du G0. Hein. Ouais, c'est du... ouais, non, mais vas-y, fais-toi mal, hein. Fais-moi mal. Hein. J'aime souffrir. D'accord. Il a un verre de saké à côté de lui. Bon, vous avez noté qu'au bout, il n'y a aucune boisson qui a été prévue pour vous. Hein. Vous pouvez faire un petit jet d'enquête. Observation. Ah. Quand je dis petit, c'est pas franchement petit. Hein. Le sentinelle, c'est... Oh, mais je merde tous mes jets, moi. Mais non. Moi, j'ai des fois, c'est bien de pas y voir. Hein. Benton, c'est quand tu es actif sur du relationnel. C'est relationnel, ça n'a rien à voir avec la perception, d'accord. Non. Okay, je me remets dans le bain. Ah, mais je me suis trompé en plus. Non, je me suis pas trompé. Alors... si. Attends, c'est perception. Est-ce que c'est un jet d'opposition, cette perception? Cette non, enquête? Non. Okay. Non. Tu n'as pas plus 5. Non, je n'ai pas plus 5. Mais en a-t-on vraiment besoin? Il n'y a pas besoin. Non, franchement, non. Pas. Alors, pour les 20 plus, bon, il y a des gens qu'on voit pas parce que franchement, ils sont insignifiants. C'est tous les aimins, tout ça, qui font le service et qui sont là sans que jamais personne les voit. Mais là, en fait, vous êtes que tous les 8. Il n'y a vraiment aucun aimin. Même pas une petite vieille. Même pas une petite vieille. Surtout pas une petite vieille. Et ce qui est quand même
assez rare, surtout dans les palais où il y a toujours une effervescence et... Ouais, on sent qu'il va y avoir des sujets assez marrants. Intéressant, intéressant. Ok. Dans les autres, font abstraction de... Okay. Les 20 moins, faites abstraction de ce que je viens de dire. Non, moi, il n'y a que Kayaku Izeki, hein. Oui, c'est vrai, il y a qu'elle. C'est vrai, il y a qu'elle. Les autres, c'est que des radars. C'est quand qu'il arrive, l'Otomo? Bon. Pardon. On aurait peut-être pas dû le mettre deuxième. Non, si, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Figue. Izawa Tatsuhiko-san, je vous remercie de l'émotion que vous avez transmise durant la cérémonie d'adieu à Soshi Naoshige-san. Je m'incline, je suppose, si... Hein. Il faut s'incliner en général quand on est remercié, non? Bah c'est, tu peux faire l'humilité et juste t'incliner, tu peux dire des choses, c'est toi qui assume. Nous avons rencontré Soshi Naoshige-sama et j'ai été marqué par sa bonté, son sens du Bushido et sa grande intelligence. C'est un honneur. Et ce fut un déchirement de participer à cette cérémonie. Je vous remercie, Seigneur, de m'y avoir autorisé. Tu peux faire un petit jeu d'étiquette. Oui, excusez-moi. Nous, oui, mais c'est plutôt lui qui va peut-être pas t'excuser. Attends, pardon, excusez-moi, je me trompe pas. Non, il faut pas. Ah non, tu vois, c'est très bien. Il faut pas se tromper. Ouais, et un point de moins. Soshi Naoshige San était un samouraï singulier. Il est vrai que avoir parcouru un moment de vie avec lui était un avantage. Je m'incline pour approuver ses paroles. Enfin, modestement, hein, toujours. Pouvez-vous me parler de lui? Et là, son regard englobe vous cinq. Hein, c'est pas spécifiquement Izawa Tatsuhiko-san qui regarde. Je ressens pas des fourmillements derrière moi qui veulent prendre la parole. Si, ou... justement. Ah, toi ? Non, pas sur ça, pas sur prendre la parole. Hiruma, tout ça, Honda, c'est bon ? Pour l'instant, non, t'inquiète. Je te ferai savoir. Hop ! Pour l'instant, il n'y a aucun éventail derrière toi qui s'agite. Ah, oui. Hop. C'est ça. Je relève les yeux, mais mon regard est toujours en dessous du sien. D'accord. Je sors un truc de mon kimono, c'est une sorte de soie pliée, et je la pose à mes pieds et je la déplie, et dedans il y a 5 fleurs de coquelicot. Oh, attends, je l'ai noté, attends, j'en parle. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Il y a cinq fleurs de coquelicot, il y a un chrysanthème, il y a une feuille de pavot et une herbe grise. Oh. Et je sors la fleur de pavot, je la pose sur le côté, et je dis... J'ai eu... de mauvais rapports avec Shoshi-sama à ma première rencontre. Mais lorsque nous avons croisé le fer côte à côte, j'ai vu tout de suite sa valeur. Et maintenant, je le regrette. Hop. Et je referme ma soie en laissant le pavot de côté. Il avait un grand amour de l'empereur. Je l'ai senti. Pendant que tu parles, lui, il a son éventail ouvert. Il est en train de boire son saké, le regard perdu sur sa boisson. Mais tu sens qu'en fait, il perd rien de ce que tu es en train de raconter. Oui. Vas-y, il est fort. Je...
J'ai appris à le connaître en un instant, dans l'éclair du combat. Et sa pensée était très vive. Et un grand sens de l'observation. Il a aimé aussi ses compagnons, car il s'est battu pour ses deux serviteurs qui l'accompagnaient. Et quand je dis serviteur, je laisse traîner le mot pour sous-entendre autre chose, mais je veux pas dire le mot Ronin. Donc il avait beaucoup de compassion aussi. Mais je pleure pas. Mais est-ce que ça te heurte à toi ? C'est déjà qu'il fallait pas parler aux États, est-ce que les Ronins, c'est des trucs qui étaient... Ouais, est-ce que le fait d'aider les Ronins, ça te heurte ? Ça m'a touché. Mais je pleure pas, par contre. J'avais pas beaucoup d'émotions, mais ça m'a quand même fait quelque chose. Parce que, par exemple, t'avais l'État, les mines qui se faisaient violer, ça m'avait touché quand même. Je vais pas leur parler, mais voilà. Il y a un ordre. Et le fait qu'il aille faire les boulis pour un de ces Ronins, ça m'a touché quand même. Ça m'a touché. Mais pas au point de pleurer, quand même. Hop, et j'ai refermé ma petite soie. Mais je laisse mon paquet de soie par terre, refermé, avec la feuille de pavot sur le côté. Tes paroles se meurent, et un silence commence à s'installer, alors que Otomo Nobu est toujours les yeux perdus sur sa boisson. Je vais... défroisser un tout petit peu mon éventail. Attendre le signal. Je te fais signe que tu peux y aller discrètement. Non. J'ai perdu tout. J'ai perdu mes notes. Oh, c'est pas grave. Nous, comme l'a dit Hide-san, nous avons rencontré ce serviteur de l'Empire grâce au Kami, grâce à l'orientation que les Kami avaient bien voulu que nous prenions. Nous avons discuté, il s'est intéressé à nous. Il a montré toutes les valeurs du Bushido qu'un samouraï doit avoir. Et toutes les personnes qui l'ont approché ont ressenti cela et se sont retrouvées grandies. Sa disparition dans cette ville, j'ai fait exprès de faire une pause, cette ville, est un drame qui touche l'Empire. J'ai l'Empereur, pardon. Vous pouvez faire un jet d'enquête. Au faire gros. Observant. Je puise dans mon énergie interne, je sens bien. Quand même. C'est pas mal. Je referai le jeu. Non, c'est assez. Est-ce que je suis unoccupied by the physical activity of social... Ouais. Ouais, il me semblait, ouais. C'est un peu trop loin, hein, ça parlait. C'est pas l'orage. Ouais, pardon, c'est nous. Et attends, il a médité toute la journée, merde. Alors, pardon. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit un MP. Il fait un jet de perception avec un malus parce qu'il se fait chier. Ça se voit ! Mais putain, ça se voit ! Tout ça pour ça. Il est impressionnant. Ouais. Ouais, quand est-ce qu'on baise ? Donc il a... T'as noté que... Enfin, Hide Antuya a noté qu'Otomo Nobu s'est fait un petit masque avec son regard flou, l'air d'être absent... Hide Antuya a bien percé ce masque. Et il a vu que quand Kakita Musashi a parlé de la mort dans cette ville, il y a eu le regard d'Otomo Nobu qui s'est fait beaucoup plus acéré. Oh, bien joué. Et étonnamment, c'est pas
à la mention de... Enfin, c'est pas que à la, à la mention de la mort de Soshin Oshige, c'est aussi à la mention dans cette cité. Déjà, son regard, les fentes, son regard, ses yeux s'étaient fendus au moment où il parlait de la mort de Soshin Oshige. Mais qu'il a dit dans cette ville, qu'il a rajouté ça, il y a encore plus les yeux qui sont devenus... Bon, pardon, Kakita, je t'ai coupé, tu peux continuer. Non, non, mais, non, mais je suis content d'être coupé pour ce genre de choses, hein. Vraiment. Hein. Qui a osé éternuer ? Qui a osé éternuer devant tout le monde ? C'est moi, je suis désolé. Bah, c'est un randonneur de perdu. Hein. Ah oui, c'est un minimum, merde. Parce qu'il est gentil. Hein. Tu t'en sors bien. Non, bon. J'avais dit que je devais retourner à ma place. Donc ça... La prochaine fois, je prendrai du porc. Ouais. C'est ça. On va faire des randonneurs à tout le monde. Je te rappelle que c'est ce qui nous avait été piégé chez Did. Hein. Bon. Donc la mort de Soshi Naosige. Dans cette ville est d'une tristesse et d'un impact à plusieurs niveaux. Elle nous touche tous et elle pourrait même nous toucher tout l'Empire tellement il était honorable. Alors à chaque fois il y a des petites, alors je pense que tu l'as compris, mais à chaque fois tu sais j'essaie de montrer là, un impact plus grand, Des pics d'intensité ça s'appelle. Voilà, des pics d'intensité sur... C'est évident non enfin, mais fais-moi un petit jet de courtisan. Il paraît. Étonnamment, je vais essayer d'être encore plus compétent que d'habitude. Putain. Ouais, tu penses que t'as pas été assez explicite et qu'il a pas compris, tu devrais appuyer sur ton allusion. C'est la pression aussi. C'est la pression, non, mais c'est pour ça, c'est la pression, tout ça, bon. Mmh. Ouais. Ok. Donc, il était une tristesse à plusieurs niveaux. Nous avions beaucoup discuté, comme je le disais. Et je pense que, en tout cas pour ma part, et je pense celle de mes compagnons, nous suivrons le chemin qu'il nous a... proposé dans sa compréhension du Bushido et des différents éléments des Kami. Vous pouvez tous arranger de courtisans, à part Kakita. Oui, je sais. Courtisans. Qu'est-ce qui se passe ? Ah merde. Là, c'était évident. C'était assez évident, là, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? C'était assez... Non, Mida, ils s'emmerdent, hein. Bof, ouais, 23. Ah, mais quand je suis pas en danger, ça va. Je me lâche pas quand je suis pas en danger. Tu peux pas mettre voilà. En position du feu là, c'est pas possible. Et idée. Là, on a dit que c'était dangereux le premier jet d'étiquette, t'as vu, j'ai réussi, l'autre aussi, et puis là, y'a plus de danger, je suis calme. Idée, t'as fait ton jet ? Il faut faire un jet d'étiquette ? Ouais, de non, courtisan. Courtisan. Ah, courtisan. Par rapport à quoi qui s'est passé encore. Avec discussion, donc je sais pas. Ah mais c'est vrai que je suis sous la puissance de Benten toujours. Non non, t'as pas Benten, t'es pas actif. Comment ça t'es pas actif? Ah c'est il est ressens, pas en train de parler hein. Tu ressens ce qui se passe quoi. Ouais. Non, c'est pas lui qui est en train de ah d'agir. Donc si, alors il faut que j'enlève Benten à moi aussi. Non mais c'est pas grave, toi même avec Benten t'es pas au niveau. Bravo. En fait il pose la question que pour idée hein. Bah, voilà, non enfin c'est voilà, voilà. Non mais bon, c'est bon, on va l'essayer tout seul dorénavant. Ah, mais c'est bon, voilà, vous voyez que Kakita dit des platitudes. Et si je vais me faire interrompre, sinon moi, je continue. Hein. Non, non, en fait, de temps en temps, tu sais, t'as Otomonobu qui, sa façon de tenir son verre de saké, son éventail. Des fois, t'as l'impression que tu perds son attention, donc tu rivalises de prouesses verbales pour essayer de récupérer son attention. Et en fait, au bout d'un moment, il y a Hide et Touya qui se rend compte que Kakita-san est en train de parler de beaucoup de choses, en fait. Il n'est pas en train de dire qu'un truc aussi neutre que ce que ça paraît. Ça tombe bien, j'avais fini. Mais bon. Mais en fait, toi, tu penses avoir dit juste sauver l'Empire et que c'était quelqu'un de fabuleux. Mais en fait, c'est un peu comme la discussion quand dans Le Seigneur des Anneaux, pas le résident, le régent, enfin, c'est plus le régent, c'est
C'est ma fin. De quoi? Non, celui qui... Comme il n'y a plus le roi au Gondor, c'est celui qui a le pouvoir. Je sais plus, c'est l'intendant, pas... L'intendant. Quand il discute avec le Hobbit, et qu'il dit à Gandalf de se la fermer, en discutant avec le Hobbit, il apprend des choses que le Hobbit n'a pas dit. Du style, c'était pas Boromir qui dirigeait la... l'expédition. Que, donc il apprend des choses, même par les non-dits. Alors déjà, il y a les non-dits que Otomo comprend. Et de par sa posture et que Kakita veut vraiment plaire à Otomo et garder son attention, il y a le Kakita qui commence à parler de trucs de sauver l'Empire, enfin de... Plus qu'il devrait. Et là, Hidden Guya, tu es en train de te rendre compte qu'il est en train de commencer à dire des choses vraiment... Il se fait sortir les vers du nez, quoi. Non, en fait, il veut juste plaire à Otomo Nobu, quoi. Il veut vraiment que... C'est pas fait exprès. T'inquiète. Bon, après, en plus, j'étais pas loin d'avoir fini. Mais en fait, t'as pas fini, là. T'es en train de parler. Ah, bon, je suis en train de parler, alors. T'as pas fini. Tu penses que t'as fini. Donc, mais... les éléments des Camille, tout ça... Ouais, c'est... Quand tu regardes par la fenêtre, il fait déjà jour, quoi. Alors, Et... Donc, voilà. Bah, en fait, t'es en train de parler. C'est juste savoir si Deng Puya intervient ou si... J'hésite pour l'instant. Bah si t'hésites trop, ça sera trop tard. Quoi. Ouais, je sais, mais... après, je vois pas quel sujet... J'arrive pas à cerner ce qu'il pourrait comprendre par-dessus. Ou ce qu'il cherche à comprendre. Je vais essayer de lire ses pensées pendant qu'il se concentre sur Kakita. Voilà, je vais le laisser faire, et pendant ce temps, je vais sonder l'Otomo. Bah un petit jet d'enquête, ou... Le double compte... Non, mais technique spéciale. Vas-y. Comme lui, comme technique spéciale tronçonneuse. Ah, pour l'instant, c'est toi qui l'apprends. Alors, Alors, c'est opposé à quoi déjà? Je sais pas trop, attends, je réfléchis. Ah, je parle de ta technique. Les émotions. Alors, les émotions. Comprendre le plan derrière son plan. Ouais. Alors, c'est jet d'opposition sociale, étiquette, intuition contre lui, étiquette, volonté. C'est de qui que tu essayes de sonder, c'est moi ou c'est l'Otomo? Non, c'est l'Otomo. Toi, je m'en fous. Toi, c'est clair. Non, mais parce que t'aurais pu voir où je voulais aller, c'était pour oui, ça. Oui, mais je m'en foutrais quand même. Bah, en fait, on sait pas où tu voulais aller, bon, on sait où tu vas. Voilà. Genre, alors, par contre... Vous avez besoin de nous pour la mission. Ah, t'as tes chances, je fais un jeu pourri. Quoi. Est-ce que... Ah, mais la magie de Bentei... La magie d'Azizavoy, je oui. Ah pense bah que ça devrait marcher là. Ça devrait marcher parce que c'est des relations sociales. Non, t'es toujours passif. Non, c'est quand t'es actif. Ah, c'est vraiment... Quand tu essayes de passer les émotions, quand... il est pas actif. Quand t'es volubile. Non, il s'est Charles, c'est pas quand t'essayes oui, de redonner. Oui, c'est vrai que ben, les Camille parlent à l'oreille, oui, c'est vrai. Ah, d'accord, il te chuchote des conseils. Il chuchote à l'autre des trucs du genre t'as vu comme il est malin, t'as vu comme il a l'air vachement bien ce mec. D'accord. Bon, après, j'ai quand même quelques dés, je vous cache pas. Alors, mais t'as tes chances, j'ai pas fait de 10, j'ai rien fait, quoi. Ouais, alors moi j'ai beaucoup de dés, j'en garde. Et du void, mais du void. J'avais tout, oui, j'y vais. Alors c'est 10. Mais il en a déjà dépensé. 1 pour l'instant. Moi, plus, ouais, mais. Alors si je dépense du point du vide, ça me rapproche que 2 points. Est-ce que c'est vraiment rentable, non? Ah oui, t'es déjà à 10, oui. Ouais, non, mais là c'est la technique spéciale, j'ai tout mis. Alors maintenant c'est 10 G4, donc c'est ça. Et je relance les 1. D'ailleurs, oui. pour info, les personnes qui jettent avec Roll20 et non pas avec slash machin, je sais pas s'il y en a, ça prend pas le plus 2 quand tu dépasses les 10. Ça prend le dé supplémentaire quand tu dépasses de plus 2 dés, mais ça prend pas le plus 2. Ah, je relance, il y a 2-1. Je vais relancer 2-1. Pas mal, hein. Alors... Non, mais c'est bon, t'as déjà gagné quoi. Ah, non, oui, il me veut gagner plus. C'est très décevant. Quand il va largement au-delà, en fait, il a encore plus d'infos. Attention, oui. Parce qu'après il y a il y a une marge de plus c'est gros mieux c'est. Alors on va rajouter 1 point. 5. Ça fait 55. Non. Non, on va rajouter 1 point, je vais remplacer le 8 par un 9, c'est ça? Non, le 7 par un 9, ça ferait 2 points, 43. Et s'il y a une énorme différence, il peut se passer quelque chose, mais. Et c'est quoi? Combien la différence? Bah c'est au moins 10. Attends. Et il se passe quoi? En fait, c'est... Attends, je vais dire ça... Percer le voile... reconnaître les véritables sentiments, essayer d'éviter les ennuis... les véritables émotions en situation sociale... vous avez une idée générale de ces vrais sentiments qui peuvent être utiles... et plus tu es fort, plus tu affines le résultat, quoi.
En fait, son plan derrière le plan, tu vois, s'il nous en veut ou est-ce qu'il veut nous confier une mission. Moi, je voulais savoir si vous voulez qu'on prenne le relais, tu vois. Est-ce que voilà. C'est son intention vraiment ou autre chose en vue, tu vois. Essayez de ressentir ça. D'accord. Bon, au bout d'un moment, Kakita Musashi, ouais. Tu commences à sentir qu'on te tire vraiment les verres du nez, quoi. T'es en train de raconter des trucs que tu voulais. C'était pas prévu que tu racontes. Comme ça, si t'avais un peu trop bu, quoi. Merde. Ouais, c'est franchement comme un genre d'ivresse, et t'es plus trop conscient de ce que tu dis ou fais. Et, Ce qui est fort, c'est qu'il a même pas parlé pour te faire sortir les verres du nez. Non, c'est juste dans son attitude. C'est énorme. C'est ça. Et c'est balèze. Il est fort. Pour le Hidden Tuya, tu vois qu'en fait, il voulait savoir ce qui s'était passé au village. Il a pas l'air d'aimer Sunde Musamura et il voulait trouver des trucs pour accuser les Yasugi. Il se dit qu'il était sympa. Et là, quand Kakita Musashi a parlé de sauver l'Empire et l'Empereur, il a retrouvé quand même son devoir et il s'est dit, c'est quoi cette histoire? On en était à une cartographie de... Il y a un fonctionnaire impérial qui est tué parce que les Yasuki ne respectent rien. Pourquoi l'Empire est menacé? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah. C'était donc du meuf. Alors, pour résumer, lui il s'inquiétait pour son ami qui est mort en fait, c'est ça? Non, c'est en fait, il cherchait des trucs contre les Yasuki et en fait, il veut quelqu'un qui dise le Yasuki style, Yasuki machin, a dit de tuer. Si jamais vous dites ça, ça y est, il y en a un qui a perdu sa tête, quoi. C'est l'occasion de se venger du chef de la mine. Oui, c'est vrai. D'où le mort dans la ville. Ah, cool. Il est mort dans la ville. Non, c'est surtout de la ville aussi. Il a c'est la ville, la en ville, fait. Hop. Oui. Il est là par hasard, l'Otomo. J'y suis pour rien, moi, vraiment. Je vous promets. Ok. Temps, c'est pourri. Bon. C'est je vais ranger ma petite soie, qui était par terre. Parce que c'est pas le même sujet. Et je vais prendre la feuille de pavot qui était au sol. La poser sur mon genou. En essayant d'attirer l'attention de Otomo. Bah déjà il est très concentré sur les paroles de Kakita Musashi qui lui là il oui, sentait sens. Libéré quoi, il parle. Ouais, je laisse faire le botomiser, j'ai pas des fruits. Bon mais donc Kakita t'es toujours en train de parler, tu sens qu'on est en train de... Mais que t'arrives pas te... Enfin voilà, c'est vraiment tu veux... Ouais. Donc t'as deux solutions. Soit est-ce tu laisses faire, soit tu essaies de rentrer dans ta bulle et... Est-ce qu'on peut s'en apercevoir, nous? Déjà Hidden Tuya, il s'est rendu compte et c'était dur pour lui, quoi. D'accord, ok. Donc nous, on est... Non, c'était un jeu à 46 qu'il fallait faire pour s'en rendre compte de suite et... C'est chaud. Ouais. Avec trois augmentations derrière, il a mis du temps, Hidden Tuya s'en rendre compte et vous, vraiment trop loin. Il va sentir, en fait, donc je vais le faire sans filtre, hein, parce qu'il va savoir ce que je veux dire. Aujourd'hui, voilà, il est mort dans Sindaminozura, mais... Non, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai parlé de ce qui s'est passé dans la truc, parce que je trouve inacceptable, moi, mon personnage, Kokita Musashi, trouve inacceptable qu'on a tenté à la vie d'un... Non, c'est pas ça que je parle, Kokita. Ah, soit t'es en train de dire ce que... Non, moi je parle. Otomo Nobu veut que tu dises... Donc les perles, tout ça, tout déballé. Soit tu te concentres et tu... Soit tu te concentres sur « il faut que je reprenne le contrôle de moi ». Mais sinon, c'est pas toi qui choisis ce dont tu parles. D'accord, ok. Voilà, ce que tu veux dire n'a absolument aucune valeur. Ok. Vu que j'avais déjà commencé, je pense que la lobotomie va très bien se passer. Donc tu laisses faire. Oui. D'accord. En fait, j'y trouve mon intérêt aussi, on est bien d'accord. Hein, non, c'est pas voilà. Une question d'intérêt. Toi, tu sais juste qu'on est en train... S'il le faut, il est en train de... Tu peux raconter les clans, les secrets du clan crabe, du clan gru. Ouais, tu sais pas ce que tu dis, t'es en train de déballer tout ce que lui veut te faire dire. Je le voyais pas à ce point, d'accord, ok. Non, toi, tu sens que tu parles, mais tu contrôles pas le sujet. S'il a envie que tu parles comment s'est passée ton enfance, ou quels sont les crimes que t'as fait, tu vas le dire. Jusqu'à quel âge vous avez... Il sent qu'il a une attaque sur lui. T'es en train de dire...
et de dire tout ce qu'il veut que lui il veut que tu dises, tu le diras. Enfin, tu répondras sincèrement à toutes les questions qu'il te pose. Sans trop être, avoir le contrôle de ce que tu dis. Et enfin, sans être conscient. Rendre compte. Voilà, c'est surtout. C'est très belle. Pour moi, c'est un représentant de l'empereur, donc je ne résiste pas à sa lobotomie. Je dis tout ce que j'ai à dire. Sachant que si donc il fait des trucs contre ton clan, t'entraînes à trahir ton clan. Je suis très mauvais, mais ça fait 4 fois que tu me donnes la possibilité de résister, je l'ai compris. Ouais. Mais okay. Après, le perso est loyal envers l'empereur. Et d'accord. De ma compréhension, il est au-dessus de mon clan. Et la mission est au-dessus de mon clan. Donc, je trouve pas ça déconnant. Mais tu corriges-moi si la manière de penser est mauvaise. Une question de... La mission est plus importante que mon clan. Oui, c'est là que moi, je ne sais pas si je peux intervenir dans la mission. Ben non, parce qu'on a pas... Non, parce que tu t'en aperçois pas, c'est ça dans le la problème. Réflexion. Parce que moi, la dernière fois, à la fin, j'ai eu une discussion avec Soshi, à la fin, et j'en ai peut-être un peu trop dit. Et justement parce que je pensais que la mission était au-dessus, arrêtez. Je me suis dit, s'il faut vraiment que je parle, je peux faire me zigouiller. À l'inverse. Je ferme ma gueule parce que c'est au-dessus. Donc pour même le même si raisonnement. Bon, mais l'automon n'est pas l'empereur, hein. Enfin, moi, c'est l'armée impériale, c'est lié à l'empereur pour moi. Oui, oui. Enfin, lui, c'est... Pardon. Pardon, excuse-moi. Automon Nobu et le représentant d'empereur, c'est l'empereur. D'accord. Je veux dire, moi, pour la même raison que toi, Magus. On n'a pas entendu la fin, je crois qu'il va falloir redémarrer. Je disais, moi, Magus, pour la même raison que toi. Ouais. J'ai fait l'inverse. De ce que tu veux faire maintenant. Non, mais après, les deux se défendent. En plus, là, vraiment, Tomonobu, c'est l'envoyé de l'empereur. Donc, si quelqu'un est le représentant de l'empereur, ici, c'est lui. C'est ça. Puis, inconsciemment, je résisterai pas, et inconsciemment, je résisterai pas. Non, mais t'es conscient que tu risques, tu peux parler, c'est ça, je veux dire. Que je peux parler de secret de clan. Non. Tu peux aussi parler du. Non, c'est ça y est, c'était décidé, Chris. On lui fout la paix. Oui. Non, Chris, c'est entre Magus et moi. Voilà. Et Idée aussi. Lobotomie. Et Idée. Bah, Idée aussi. Oui, Idée, il peut réagir. Si. Oui. Donc, je commence à parler des éléments. Des éléments avec c'est pas toi qui choisis. Magus, toujours pas, c'est toujours pas toi qui me dis de quoi tu parles. Voilà. Mais non, mais je dis juste à quel moment je me suis arrêté, comme ça tu peux enchaîner. La dernière fois que t'as parlé de. Des camiers, des éléments. C'est les derniers mots que j'ai dit. Excuse-moi, Xavier, j'ai compris l'image. Pardon. Nous, on n'est pas lobotomisés. On l'entend parler. On se dit quand même qu'il est en train de déballer plein de choses. Quand il commence, vous voyez qu'il commence à déballer plein de choses. Ouais. Là, vous le ressentez. Est-ce qu'il déballe des choses dangereuses ou est-ce qu'il... En ce sens que moi, par exemple, si je l'arrête, si je l'interromps, s'il commence à parler « Ouais, c'était vraiment très grave, Soshi, etc. », je peux, par exemple, embrayer et dire « À ce sujet-là, je trouve honteux qu'il ait été tué à ce... » Là, en fait, c'était à partir du moment où il a dit que l'Empire était en danger... C'est à partir de là qu'il a commencé à dévier sur la mine. C'était sans importance, la mine. Le problème, c'est les ordres cornus, c'est les perles, c'est la cité de la nuit, c'est tout ça. Il est parti sur la cité de la nuit. Vous sentez qu'il parle là-dessus, quoi. Qu'il va venir dessus. Ah oui, c'est clair. Il n'y est pas encore. C'est effectivement, là, vous voyez qu'il a bifurqué, qu'il est en train de parler de trucs, il parle de ça. Ah ouais, c'est tout. Hein. Eh ben, tiens, j'étais pas au courant. Effectivement, moi je vais intervenir parce que là j'ai peur qu'il aille sur un truc dangereux. Et je veux dire, et effectivement, est-ce que quelqu'un a dit qui avait tué Soshi-sama? Fais-moi un petit jet de courtisan fabuleux, quoi. Et là t'as vingtaine. Putain, oui. Et mon dernier point. Les bonhommes. 37. C'est pas mal. Il y a Sumata. Le saurons-nous un jour. Mais que sont devenus ces deux Ronin?
ont-ils été interrogés? C'est quand même... Asumata, c'est qui? Pardon. C'est le temple des quatre... C'est le... L'abbé des quatre temples. Une, voilà, le grand abbé de tous les temples de Rokugan. Oui, pardon. De quoi? En gros, c'est le pape de Rokugan, quoi. Oui, oui, voilà. Hein? Ouais. Comment? Quoi? Ah, quand même. Ouais, oui, c'est le grand abbé de tous les temples. D'accord, je ne l'interromps pas, alors. Je le laisse finir. Et après, je dis, mais que sont devenus ces deux Ronin? Pourtant, il a le statut de zéro, hein, je tiens à te dire. Son statut, c'est zéro. Il est largement dessous de toi. Où sont ces babouches que je les lèche? Non, non, je le laisse finir. Je l'interromps pas. Simplement, tu le laisses finir, ouais. Je l'interromps pas. Et après, je dis, mais a-t-on interrogé ces deux Ronin? C'était de vaillants guerriers. Ils se battaient parfaitement. Que sont-ils devenus? Vous pouvez faire un jet de courtisan, tous. À part Kakita qui est dans son monde à lui, quoi. Oh, putain, j'avais une spécialisation contre ça, elle m'a même pas servi. Bah, t'as décidé de le laisser couler, donc. Bah, t'es tombé sur non, un. Non, mais aussi. C'est pour reprendre mes esprits. C'est pour reprendre mes esprits. T'as fait ça pour... Non, t'as décidé de laisser couler, tu laisses couler pour l'instant. Oui, c'est laissé le pour l'instant. Tu vois, Idée en Touya. Non, il faut faire du 30 plus, je suis désolé pour les autres. Non, moi je suis habitué. C'est que. Comment il s'appelle ? Izawa Tatsuhiko a fait une misérable tentative pour essayer de libérer Kakita Musashi de l'influence de Tomonobu. Qui était voué à l'échec. Et que Sumata rebondisse sur les paroles de d'Izawa, ben en fait ça a renforcé l'action de l'Izawa. Et ça a un peu distrait Otomo Nobu. Un escrimeur tel Soshi Naoshige n'aurait jamais. Pardon, Soshi Naoshige-san. Sama, pardon, c'est un abbé. Soshi Naoshige-sama. N'aurait pas été oxy par des vulgaires malandrèmes. Cette ville ne respecte rien. Et là, je prends la feuille de pavot que j'avais sur ma. Sur mon genou, avec mon éventail, c'est d'attirer l'attention de Tomo. Alors tu me... Petit jet d'étiquette, hein. Pas quand je dis petit, c'est toujours énorme. Ouais, petit jet à 50, en dessous de 50, n'en parlez pas. Non, allez, il va être sympa, 40, ça part. Mais, imaginez que vous faites un duel, je vous regarde à chaque fois. Oui, oui. Ah mais non, maintenant, vous faites pareil. Pareil. Et on est la bouche, on bave. On avait dit courti... Non, étiquette. Moi, je tiens à dire que quand je fais des duels... On est toujours sous l'effet de la magie. Oui. Ouais. Bah, oui. Putain, mais quelle puissance. Et vas-y, montre-nous. Oh. Quand même, hein. Donc suite aux paroles de Sumata, vous voyez Otomo Nobu qui commence à s'emballer. Ouais, cette ville est une plaie purulente pour Rokugan. Et il voit ton signe, il se calme, il reprend sa contenance et il te fait signe. Vas-y. Vous avez entièrement raison, Otomo-sama. Soshi-sama était parti enquêter dans les montagnes, mais il avait découvert une sordide histoire. Les seigneurs de la mine avaient été oxy par leur premier lieutenant, qui lui avait engagé des ronins qui maltraitaient des états. Tout ceci a causé la perte de Shoshisama, car en revenant dans la ville, il en avait trop découvert. Il avait tout porté sur ses épaules. Nous écartons de cette responsabilité. Et vous devriez chercher du côté du possesseur de cette mine, quelqu'un de haut placé. Je ne me permettrai pas de vous le dire si je ne ressentais pas votre colère aussi ardente.
le conseiller de la ville n'a aucune âme. Vous l'avez vu avec une grande émotion à la cérémonie, mais ce n'est rien du tout. Il joue la comédie. Son cœur est de pierre. Je l'ai croisé et je l'ai vu tenir des propos sans aucune arrière, sans les ressentir. Il est normal pour un courtisan de donner un peu de soi, mais lui ne donnait rien. Si vous cherchez un ennemi à combattre, c'est lui. Creusez, vous trouverez. Otomo-sama. Il y a Otomo Nobu qui arrête son visage flou et son regard dans le vide. Là, il te regarde droit dans les yeux. Mm. Soshi Naoshige-san m'a bien dit que Kaiyu Shida avait tenté de l'assassiner. Et il m'a dit tout le secours que vous lui avez apporté. Est-ce que Yasuki Bayuri avait donné cet ordre? J'en ai aucune idée, Otomo-sama. Et je baisse les yeux, honteux. Tu sens que tu tenais la vie de Yasuki Bayuri entre tes lèvres? Ouais. Je suivrai vos conseils. Et mon attention va se concentrer sur ce conseiller. Il est temps de remettre au pas tous ces samouraïs qui ne respectent rien. Cette ville est une honte. Et ses conseillers des villes profiteurs. Je prends la petite feuille de pavot et je la place près de mon cœur. Je ne vous oublierai pas vos paroles dans le même geste. Et j'y penserai tous les jours. Il est bon. La mort de Soshi Naoshige-san ne sera pas vaine. Aïe. Là. Bah c'est bon, moi je dis rien, c'est bon, tout est fait. C'est trop bien ce que t'as fait. Il y a Sunata qui s'avance vers vous. Ah putain, je parle dans le vide, pardon. Ah pardon, oui. Non, c'est moi, j'avais coupé le micro, pardon. Non, c'est moi. Je voulais montrer C'était très calme. Une approbation fervente. Ah, ce que disait Otomo Nobu Sama. Je n'en doutais pas. Voilà. Non, mais Et donc Sumata s'approche de vous, vous salue, et vous fait un geste de la main, il vous montre la porte. Très jolie comme porte d'ailleurs. Eh bien, nous allons quitter les lieux très poliment. À reculons, à quatre pattes à reculons, c'est ça? Voilà. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'es devant le représentant d'Empereur, quoi, l'Empereur. Oui. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas m'empêcher de laisser, dans le dernier regard que j'ai vers Otomo Nobusama, mes yeux se décaler un petit peu sur la droite. Au lieu de regarder les pieds d'Otomo Nobu, tu regardes ceux de Kujaki Izaki. Voilà. Mais voilà. Bon, je regarde les pieds de la belle demoiselle qui est derrière. Ouais, bon, sur elle, tu peux peut-être lever le regard. Bon, ça pourrait être mal interprété avec tout ce que j'ai été lobotomisé ce soir. Les pieds, pour l'instant, ça suffit. Et sinon, Didier, de joueur à joueur, c'était pas l'histoire du pavot, c'est une symbolique. Ouais, oui. J'ai pas compris. Oui, en fait, okay, je sais pas si Xavier connaît, mais la famille Soshi, dans le clan Bayushi, c'est ceux qui s'occupent des drogues artisanales, qui sont les apothicaires, et donc c'est la fleur pourrait, entre guillemets, les représenter. Ah oui, d'accord.
Et ah, pareil que donc le chrysanthème, bon, c'est le sépulcre qui est mort. En fait, c'est pas par rapport à la résonance. Il y avait les 5 coquelicots de la résonance. Oui, mais ça, j'avais compris. J'avais compris. Et l'herbe sauvage grise, c'est les moines en fait. C'est quoi? Les moines. Non, pas les ronins. Les moines, parce que c'est le symbole de Sinsei, c'est un moineau un peu gris en fait. Tu vois en dessous de la baie. Donc c'était par rapport à ceux qui avaient la résonance. Et le pavot, c'est pour moi ce qui représentait le plus. Tu vois la symbolique. Donc ça faisait un message de ceux qui ont la résonance en disant il est mort, ils sont morts, mais on va continuer. Et comme il parlait pas du tout de ça, le mec, j'ai dit bon, j'ai tout rangé quoi. Non, mais moi, j'avais pas le pavot, c'est pour ça. Je jette un dernier regard sur l'abbé, discrètement. Merci, l'abbé. Il nous a sauvé la mise. Hein. De rien. Il te salue en souriant. Oui. Et sauvé par le pape. C'est ça. Voilà. Il y a pire. Hein. Oui. Il n'y a pas mieux. Et vous rentrez chez vous, où il y a un plat de nouilles qui vous attend. Du coup, j'ai mal à la tête. Du coup, sur le chemin, vu que... Enfin, oui, on a vu que l'abbé nous avait sauvé la mise. Je sais pas, c'est uniquement ceux qui avaient fait beaucoup en courtisan. Moi, j'ai rien dit. Non, il fallait faire 30 et plus. Non, il fallait faire 30 et plus. Il n'y a que Idée qui l'a vu. Enfin, vous voyez, Idée, apparemment, ou alors j'ai... C'est le moment de relancer le PC. Ça commence à couper. Hein. C'est le moment de relancer le PC. 23h approche. Non, on l'a compris que le moine avait était intervenu ou pas du coup. Non, vous avez pas compris l'intervention du moine. Ah bon, du coup Izawa il a pas pu faire le signe alors. Le signe. Non, mais le Izawa peut regarder discrètement. Non, mais après ça peut être le fait que Tsumata vous avait dit de partir et. Oui, voilà. Ouais. Avant que Otomo s'emporte trop quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Moi j'ai senti quand même que son intervention avait été. Je commençais à m'enliser quoi. Oui, mais son intervention, justement, son intervention, tu ne l'as pas comprise toi. Il y a deux interventions. Il y a l'intervention où il répond à quand Izawa coupe la parole à Otomo. Voilà. Kakita, pas Otomo quand même. Oui, enfin, Kakita, ouais. Enfin, c'est pareil. C'est pareil. Des fois, c'est pas pareil. Et la seconde intervention, c'est là quand il y a Otomo qui partait, cette ville est un furoncle sur Rokugan. Yoshimata, il a dit, bon, partez, c'est le moment, quoi. Oui, bon, il veut dire des conneries. Ouais, sinon, je sais pas, pour les deux crabes, ça risquait d'être dur, quoi. Oui. Mais allez, vas-y, ils sont résistants, les crabes, c'est bon, ils peuvent encaisser. C'est vrai. Non. Je suis pas d'ici, moi. C'était pas Yazuki, tu les connais pas, puis c'est pas au une général, ville. C'était pas ma ville. C'est pas une famille originelle, c'est pas des vrais crabes. Non, si vous avez des remarques à nous faire, voyez avec notre responsable, le sergent Ida Honda-san, qui connaît très très bien la ville, et il se fera un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, il connaissait très bien le mec qui est mort là. Alors, faut savoir quand même que je suis pas originaire d'ici, moi. Quand même. Mais tu connais bien les tavernes et tout, quand même. Ça veut quand même dire que Otomo Sama, qui est la voix de l'empereur, n'est pas au courant de la mission secrète. Et je sais pas si on l'a vu ça. Personne l'a vu, il n'y a que Idée qui a vu tout ça en fait. Nous on n'a rien vu, j'ai l'impression. Si Idée nous en fait part, ouais. Bah, Idée l'a Xavier, confirme-nous qu'il n'y a que Idée qui l'a vu ça. Oui. D'accord. Donc moi j'ai juste vu que tu partais en vrille et que tu avais tout raconté. Que c'était pas une bonne idée. Mais c'est un mec sympa ce mec, Antoine, il en veut au Yazuki, on a de très beaucoup de points communs. Très beaucoup. J'adore le faire. Alors, c'est clair que quand on est dans ce genre de situation, il faut pas parler le moins possible. J'ai quasiment rien dit, arrêtez. Tu sais, quand on parle de perles et d'harmonie. J'ai pas dit perles là. Ah bon? Bon. Il s'en aperçoit pas rétrospectivement. Est-ce que les nouilles elles sentent bon? Bah t'as coupé avant quoi, quand t'as senti qu'il partait en live, t'as coupé avant. Donc t'as évité Kakita Musashi de parler de choses. Ouais. Tu l'as empêché de parler de tout ça, mais tu sentais qu'il était bien parti quoi. Oh, tu sentais qu'il avait des attentions quand même. Oui, naturellement. Ça se voyait à peine. Hein. Bon, il a pas eu trop à forcer Otomo Nobu. Il a parlé des orgues, mais c'est tout. Mais j'ai pas encore posé la question, mais si, mais je dois vous le dire quand même.
Non, je sens que je veux pas user que votre là, que votre gorge souffre à me poser cette question. Je vais donc vous répondre avant. C'est ça. Bon, les noms, mais vous rentrez tranquillement à la maison. Il aurait continué. T'aurais presque dit que y avait un Ida qui était un Mao Tsukai. Mais... Non, je pense que Mao Tsukai, je serais pas allé jusqu'à. Ah, quoi, non, non, j'aurais dit. Pardon, c'est pas débat. T'aurais pas parlé d'Otomo de la Mao. Il... Non, t'aurais parlé à l'Otomo, t'aurais parlé des races qui n'existent pas. Oui, ça c'est possible. Oui, non, mais comme au début, il cherchait des trucs contre la ville, le fait qu'il y ait un Ida qui soit Mao Tsukai, ça aide. Oui. Bon, bref. C'est savoir si vous parlez entre vous ou si vous rentrez chez vous et que vous dormez. Ben, alors, on peut pas parler entre nous. On peut pas parler entre nous parce qu'on a rien vu. Voilà, c'est ça. Donc les pattes. Alors, c'est pas parce que vous avez rien vu, vous pouvez pas vous interroger. Ouais. Ben, c'est la question que vous aviez. Il y a des choses qui peuvent vous avoir attiré les vers du nez. Donc, vous avez pas compris le fait qu'Otomo Nobu n'était pas au courant des perles. Ok, ça vous savez pas. Donc voilà, par le. Il n'y a que Ide et Tuya qui sait ça. Oui, mais quand même, je ne sais pas si vous m'entendez ce coup-ci. Oui. Quand même, moi je partais en m'interrogeant sur est-ce que c'est obligé qu'il va nous parler de ça. Et il ressort, au final, on ne nous en a pas parlé. Oui. Moi je pars du principe qu'il n'était pas au jus, quoi. Oui. Voilà. Après, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Hein, ça, c'est sûr. Par contre, moi je pars du principe. Enfin, Ou alors, il était au jus et il voulait juste savoir si vous étiez au jus et maintenant il sait que vous êtes au jus. Voilà aussi. C'est possible. Mais par contre, si on se refait convoquer, c'est qu'il était au jus. Par contre, moi, ce qui m'étonne, déjà, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait aucun Naimin présent autour de nous, il n'y avait que nous. Et les trois. Je l'ai remarqué aussi, d'abord. C'est assez étonnant, parce que d'habitude, ça grouille de partout. C'est pas étonnant, Idarda. Maintenant, si le sujet qui allait être... Voilà, vous avez tout dit, Idarda. Mais... Donc ça veut, c'est le sujet qui pouvait l'intéresser. Vous n'avez pas compris ce que vient de dire Ide-san, Ida Honda. Pourquoi vous me coupez alors que je suis en train de parler, Kakita-san, là, s'il vous plaît, je peux finir ma réflexion. Comme Ide vous a coupé, nous ne sommes pas tout seuls. C'est peut-être pas un sujet qui intéresse les autres personnes autour de la table. Non, mais je. Mais bien sûr que si, on est tout seul. Je suppose que quand vous avez ça, c'est vous êtes tout seul. Hein. Vous êtes pas au milieu des nouilles, c'est dans la rue, c'est. Non, on est sur le chemin. C'est sur le chemin, c'est quand vous avez ce genre c'est de discussion, c'est pas en mangeant les nouilles avec les serviteurs et Kenro. Oui. Je suis pas un maître vicieux au point de penser que vous allez parler de ça devant Aya et Ogai. On en parle dans la rue avec des gens dans la rue quand même. Ça, c'est encore pire pour moi. On n'est pas tout seul dans la ville. Bon, donc, vous vous êtes trouvé un endroit tranquille. Voilà. Vous avez viré Ogai et Aya. Vous avez viré Kenro, ça a été plus dur, mais vous y êtes arrivé. À coup de bâton. Donc moi ce que je disais c'est... Non mais comment je vais savoir si vous avez aimé les pâtes? Oh putain que chiant. On te le dira demain. On verra un cerf-volant. Mais ma curiosité, je sais pas si je vais attendre jusqu'à demain. Vous pouvez déjà goûter une ou deux pour me dire? Oui. Non. Oui, on va en prendre une ou deux, voilà. Ah. Et est-ce qu'elles sont par exemple, si par exemple on a des maux de ventre dans la nuit, vous le saurez avant demain matin. Et vous saurez qu'on n'a pas aimé. Mais personne n'a jamais de maux de ventre quand je prépare des nouilles. Non, c'était des maux de tête, pardon. Mais personne n'a de mots de tête quand je prépare des nouilles. Non, jamais. La dernière fois, on était lourd d'algues. Je suis le meilleur cuisinier de nouilles. Les pâtes à l'ingrédient secret. Bah, c'est putain, ça. J'y pensais en plus. Bah oui. C'est pas une oie. Bon, bref, vous arrivez à le foutre dehors et vous vous retrouvez entre vous. Voilà. Je vais en profiter pour aller chercher un yaourt. Ok. Donc je disais, par rapport à ça... Moi, ce qui... Ok, donc il n'y avait personne, donc il devait y avoir un sujet... Oui. Voilà. Mais il n'y a eu aucun sujet qui a été abordé, visiblement. Donc soit, effectivement, il est courant et il voulait voir ce qu'on savait, mais il aurait pu en parler, il n'en a pas fait. Bon. Vous voulez faire des suppositions ou vous voulez aller sans... Mais non, par contre, moi, ce que je voudrais savoir, c'est l'intervention de Sumata... Qui a fait que ça a empêché Kakita-san toujours pas. D'aller trop ça, tu n'étais pas au courant. Toujours pas, hein. Tu peux le dire 50 fois, mais tu l'es toujours pas. Hein. Bah, t'as dit que ce qu'on ne savait pas, c'est qu'Otomo, on ne savait pas s'il était au courant ou pas. Tout le reste, t'as dit qu'on savait. Donc, c'est pour ça. T'as pas noté que c'est l'intervention de Sumata qui a aidé Kakita. La seule intervention de Sumata que t'as noté, c'est qu'il vous a dit de partir avant quand Otomo commençait à s'emballer sur les crabes.
D'accord, c'est la seconde intervention que t'as notée. La première, tu l'as pas notée. On n'a pas noté l'intervention qui, la première, qui non. quand il parle après Isawa. Non. Qui rebondit avec Isawa. Non. C'est ça. D'accord. Ils sont forts. Du coup, non. J'ai rien à dire. Là. Non. Alors par contre, je suis pas d'accord avec toi sur le fait de dire qu'il n'y a aucun sujet sensible qui a été abordé. On est quand même sur Otomo Sama-sama qui cherche de bonnes raisons de s'en prendre à l'évier. Je trouve quand même que c'est une bonne raison pour ne pas que des oreilles sensibles puissent être au courant. Clairement, à la question, est-ce que Yasuki oui. a donné l'ordre a donné l'ordre. Si Hide Antuya répond oui, l'autre, il est mort. Y a une tête qui vole. Oui, je sais. Bah, bon, putain, mais c'est pas un sujet important, d'accord. C'est pas un sujet, putain, si c'est bon, pas bref, excusez-moi, je vais pas intervenir dans vos discussions. Bah, pour moi, c'est pas un sujet sensible que le fait que Naimin ou que machin passe à côté et entende ça. Bah si, c'est des trucs de tous les jours. C'est des trucs de tous les jours. Bon, pas chez moi, mais ok. Pourquoi pas, hein. En gros, c'est, ils discutent. Est-ce que le chef de la famille Ida est coupable et est-ce que je dois le condamner à mort? Est-ce qu'il va faire ça devant tous les ennemis de la Terre? Enfin, tu déclenches une guerre si les mecs le savent avant. Hein. Surtout qu'ils l'écoutent. Là, c'est tu vas te faire couper la tête par le Yasuki en question. Voilà, donc sinon, c'est pas le. Les conseillers, ils ont un statut super important. Hein. Oui, hein. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais. Ça déstabilise quand même, ça déstabilise. De quoi? Du crabe. Ils sont pas au niveau d'Otomo-sama. Mais c'est justement parce qu'Otomo-sama est au-dessus d'eux qu'il peut discuter de leur avenir. Mais ouais, y a, à part Otomo-sama, il n'y a personne. Il n'y a que le chef du clan Crabe et le chef de la famille Yasuki qui peuvent décider ça. Hein. Au-dessus, il n'y a personne. Oui, ça, je suis d'accord. Mais je veux dire, le Naimin, il va pas. Enfin, les Aimin, si. A priori, les Aimin qui sont à côté de lui, qui sont dans sa troupe, dans sa cohorte, ce sont des Aimin qu'il a l'habitude d'avoir avec lui tout le temps. Ce n'est pas les Aimin qui lui ont été donnés par le Yasuki. Ouais. Bon, d'accord, excuse-moi. C'est du pouvoir. Tu penses ce que tu veux, ok, y'a pas de souci. Non, c'est tout, je vous posais la question. Par rapport aux Aimin, c'est des Aimin. Tu sais que les tronçonneuses mentales, ça existe partout, donc tu prends pas le risque de mettre une information dans le cerveau d'un Aimin. Bon, bref, on reprend roleplay. Oui. Non, de toute façon, il est pas fait, voilà. J'ai rien dit puisque je sais pas quoi. Ok. Voilà. Donc, on m'a trouvé qu'elle était jolie. Elles sont bonnes, les nouilles? Elles sont très bonnes, hein. Elles ont une saveur un peu spéciale, c'est la fameuse épice. Est-ce que ça ressemble aux épices qu'on avait dans le thé ou dans le vin? Bah, je sais pas, on verra ça demain. Dans le saké. Dans le saké. Va au réveil. Moi j'en mange pas, hein. En tout cas, ça c'est sûr. Mais du coup, Hide-san, j'avais pas pensé que vous le détestiez tant, le chef de la mine. Enfin, vous nous aviez pas dit du bien, mais quand même. Alors. Vous l'avez bien assaisonné. C'est plus compliqué que ça. Il cherchait un coupable. Il cherchait un coupable pour la mort de son ami. Car c'était son ami. Et il fallait lui en désigner un, sinon ça aurait pu mal tourner. Il aurait trouvé un autre. Il avait besoin d'un exutoire. Et il n'était pas concerné par notre affaire. Donc nous pouvons œuvrer de notre côté. De plus. Le coupable désigné est quelqu'un qui le mérite vraiment. Bon, dans tous les cas, il n'est pas sorti d'affaire. Hein. Sa tête ne vole pas maintenant, mais je ne sais pas si elle va pas voler dans 10 jours. Alors, ce n'est pas n'importe qui non plus. Et ça prendra du temps. Pendant c'est que quoi ça prend ce du bruit depuis tout à l'heure. C'est Eduardo qui mange. Donc, il mange en micro. C'est le GM qui mange, on peut rien dire. Donc, ah non, c'est pas moi là. C'est Isawa qui est allé prendre Yo qui mange. Ah, un petit creux. T'es fini depuis longtemps. Ah, mais ça c'est la pression, hein, c'est la pression automo. Ça redescend. Bah, reprenez le. En attendant. Donc, il voulait un coupable, et pendant qu'il cherche son coupable, et que je disais un, on a les mains libres pour ouvrir notre côté. Il descend, vous lui avez sauvé la vie. Non. Ah, Yasuki-sama. Non. Si nous n'avons pas d'autres sujets, je vais me retirer, me reposer. J'ai un peu mal à la tête. Ouais. Oui.
Hide-san, puis-je... Kakita-san, vous avez été parfait ce soir. Dormez en paix. J'avais dit que les pattes donnaient mal à la tête. On n'écoute pas... Isawa-san. J'ai failli faire une intervention qui était à l'inverse de la vôtre, mais si vous le voyez comme ça, je le vois comme ça moi aussi. Ah merde, pardon. Dites-moi en plus. Bon ? Quelle intervention ? J'avais l'intention de faire remarquer à Kakita-san qu'il avait été un peu prolixe ce soir. Oui. Un peu trop. Mais c'est... Et... La faute me revient. J'ai profité de l'attaque d'Otomo-sama pour le sonder. Pendant qu'il était concentré sur Kakita-san, j'ai sondé la profondeur de son âme. Ah, c'était donc une manœuvre. Moi, je plisse un peu les yeux avec l'air de celui qui n'a pas bien compris. Il cherche ce qu'il a raté. Comme tu es Rokugane, si tu plisses les yeux, tu vois plus rien. Hein. Je te le dis tout de suite. Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Oh, ça c'est raciste. Je cherche là où j'ai pas compris un truc. En fait, il y en a un qui bouffe le micro. Ah oui. C'est l'émotion. Bon. La famille impériale Otomo a une école courtisan qui est faite pour créer la sédition. Oui. Par la frayeur de perdre sa lignée, de perdre ses titres. D'être calé. Et il a attaqué Kakita parce que la famille Gru est celle qui est la plus proche des grandes coutumes. Mais j'étais persuadé qu'il ne leur voulait pas. Il voulait juste comprendre ce qui s'était passé et, à travers les mots, ressentir nos émotions par rapport à son ami. Et moi, j'ai senti que c'était le seul moment où il baisserait sa garde par rapport à moi. C'est une manœuvre risquée, mais une manœuvre réussie, donc... Audacieuse. Réussie si nous passons la nuit, mais tant que personne ne frappe à la porte, tout va bien. Ouais. C'était... C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est comme un duel. C'est qui mange le micro, là. C'est comme un duel. Je l'ai laissé attaquer mon katana pour attaquer mon Okizashi. une technique dragon, quelque part. Ah oui, d'ailleurs, merde, j'ai oublié de récupérer mon Daisho. Et comme l'a remarqué... Bah c'est bon, il serait sans Tetsubo. Oui, c'est ça. C'est bon. Mais comme l'a remarqué Ida Honda-san, il n'y avait pas d'émine en rentrant. Ça voulait dire qu'il ne voulait pas que nos conversations soient entendues. Tout à fait. Bah, ce qui a aussi laissé une marge de manœuvre. Mais j'étais persuadé qu'il était au courant de la perle, ce qui n'est pas le cas. Donc ça vient de quelqu'un d'autre, voire au-dessus de lui. Lui, en fait, la famille impériale l'a envoyé pour résoudre des problèmes dans la ville. Peut-être créer une diversion pour qu'une autre membre de la famille impériale puisse faire son enquête. Oui, c'est possible. Mmh. Ce que fait la main droite, la main gauche ne le sait pas. Après, c'est ce que nous avons ressenti. Alors, soit il est très bon, etc., etc., quoi. Tout peut être fin. Quand je vous parle là, t'es quand même assez sûr de ta technique d'école idée. Quand même. Oui, voilà, je dis voilà, c'est quand même. T'es assez confiant sur ton analyse, voilà. Enfin sur ta perception des pensées de l'Otomo. Voilà. Sumata-sama était vraiment a aussi été d'une aide, comment dire, capitale. Hein. Qui ça ? J'aurais jamais pu m'en sortir sans lui. Qui ça ? Sumata. Le pape. Tu l'as pas senti ? Sumata. Isawa, t'as été compétent, hein. Oui, mais bon... Sumata, t'as pas aidé à ce moment-là, hein. Il t'a pas aidé, là. On est sûr, tu l'as pas vu. Qui ça, qui ça, Isawa-san ? Bah, Sumata... Non, il a pas dit ça. Ah, voilà. Il a pas dit. Il y a que Hide qui sait ce qui s'est passé. Ah, d'accord, pardon. Putain, ça fait... C'est pour ça que je peux rien dire, moi, depuis tout à l'heure. Je vois pas de qui vous parlez. Oui. En fait, il t'a aidé quand il a dit cassez-vous. Voilà, c'est le seul moment qu'on a vu qu'il nous a aidé. Il aide tout le monde, je pense. Il a aussi aidé son seigneur pour pas qu'il perde la face. Aussi. Bon, la prochaine invitation, on n'y va pas. Bon, allez au lit sans manger. Ouais. Moi, je vais goûter les nouilles. Moi, je vais manger les nouilles. Moi, je mange les nouilles.
Voilà. Attends, la dernière fois qu'on a mangé des nous, je me souviens qu'Akita-san il a eu la tête qui a... Eh oui, le torse coupé en deux. Il a été décapité. Donc il y a Izawa Tatsuhiko qui ne mange pas les pâtes et le Kakita, je sais pas s'il en a mangé. Il a goûté. Oui, moi j'en ai mangé. Il y a que le phénix qui ne mange pas les pâtes. L'enfant, c'est le soigneur. La dernière fois que j'en ai mangé, je suis mort dans un duel en pleine nuit quand même. Hein. C'est vrai. Voilà. Du coup, t'en remanges ? Oui, parce que je sais que le frustrer, c'est pas une bonne idée non plus. Hein. Je vais rêver de cerf-volant sinon. Tu veux dire que t'as peur d'un moine ? Tu peux le tenter. Tu peux lui dire. Bah quoi ? Tu peux le dire à Kakita pour tes. Vas-y, dis-le. Bah tu l'as dit, t'as dit frustré. Je dors. Bon. Et la nuit se passe bien. Vous vous réveillez assez tard parce que la soirée a été quand même assez intense. C'est clair. Elle vous a assez épuisé nerveusement. Ah bon. Bah si on s'est rendu compte de rien, bon. C'est ça. Moi je me suis presque endormi. Non mais il y a quand même l'attention, surtout pas faire une bourde. Oui c'est vrai. Ne pas péter. Tu restes concentré pour. Non, il faut que je reste dans cette position. Est-ce que ma position elle est bien? Comment sont les autres? En fait, t'es quand même Je commence à avoir une crampe. J'espère que je vais pas froisser ma manche. Ouais. J'ai envie d'éternuer. Ça me gratte. Voilà. Je vais essayer de me lever un petit peu plus tôt demain, le lendemain matin. Si c'est faisable. Oui, après, vous êtes des samouraïs aussi. Et je vais laisser dormir mes compagnons et aller marcher un peu dans la ville. Bah tu t'es levé matin, bon après quand même que le soleil soit levé hein. Oui. Et alors que t'allais sortir, il y a quelqu'un qui allait frapper, enfin qui allait se présenter à votre demeure. Donc il y a une silhouette derrière la porte, tu sens l'ombre qui arrive sous la porte. La personne qui fait du bruit sur le plancher avec ses pieds pour signaler qu'elle est là. Alors, je sais plus quelle est la bonne gestion d'étiquette, s'il faut dire entrer ou s'il faut aller ouvrir la porte, je sais plus, mais je fais la bonne. Non, tu envoies Aymin. Ah, ils sont déjà là, les Aymin, pardon. Non, ils sont pas arrivés là, ils sont pas arrivés. T'es tout seul comme tu t'es levé matin. Julien-san. Bah, après, t'es sûr que c'est pas Kenru parce que Kenru il aurait ouvert tout seul quoi. C'est oui, pas faux. Allez. Je parie un bout que c'est Sumata. Bon, je vais donc. Je vais ouvrir la porte. Je vais ouvrir la porte. Et tu vois oiseau fulgurant. T'as perdu un bout. J'avais trouvé le moine. C'est pas un moine, hein. Il est dans quel état? Il est en parfait état. Il ne voit pas de blessure. Voilà, il doit être des... Il a eu, il y a des traces. Il n'est pas blessé. Pardon? Est-ce qu'il est touché psychologiquement? Quand tu as dit à quel état, je pensais que ça voulait dire est-ce qu'il est blessé. Les deux aussi, hein. Enfin les deux mon capitaine. Hein. Ok, bon, oui, il est, tu sens quand même qu'il est affecté. Non, tu me fais un jet d'enquête pour ça. Il est vendu. Merde, putain, je l'ai mis où? Ah oui, merde, j'ai perdu mes trucs. Dans tous donc les il cas, est pas blessé. Oiseau fulgurant-san, allez-y, entrez. Hein. Vous voulez un peu de thé? Attends, je cherche le truc, hein, je vais te le faire. Hein. Putain, c'est où enquête? Ah, c'est là. Voilà. Non, il n'est pas affecté. Non, voilà. Il est neutre. Oiseau fulgurant-san, bon, après... Enfin, je vous retrouve. Je vous ai cherché à Sunde Musemura. Ah. Eh bien, je m'apprêtais à marcher quelque peu. Voulez-vous m'accompagner? Je m'apprêtais à aller chercher... Aller profiter de l'air de Sinda Minuzora en prenant quelques petits bonbons pour l'escadron Coquelicot. Vous souhaitez-vous me joindre à vous? Ah, acceptez-vous de me joindre à vous? Ah, bon, putain, je vais y arriver. Tu viens? Accompagnez-vous. Tu viens, merde. Parce que pour moi, ils dorment derrière et ça se fait pas d'accueillir quelqu'un alors qu'ils dorment. Voilà. C'est un ronin, donc, du garde coup. Qu'est-ce que t'en penses? Alors si c'est pas faisable, tu me dis, hein, Xavier. Non, c'est absolument faisable. Tu dis rien de contrevenant. Vous allez chercher des bonbons, vous revenez, quoi. C'est ça laisse le temps aux autres de se... Comme vous nous aviez averti,
que le danger volerait au-dessus de nos têtes depuis ce qui nous est arrivé au village de Pilier de Pierre. Entrez. Il était déjà entré, en fait, il voulait pas sortir. Quoi. De quoi ? Il était déjà entré, mais il voulait pas sortir. Ah, d'accord, ok. Non, mais le soleil tape fort ce matin. Entrez. Et j'aimerais parler à vous tous. Eh bien. Mais si je suis venu trop tôt, je peux repasser. Ils sont en train de terminer leur méditation. je pense qu'ils auront bientôt terminé. C'est un exercice que j'avais notamment donné, vous aviez pu si le voir. Si vous le permettez, je vais attendre sur votre perron. Eh bien, allez-y, je vais préparer un peu de thé en attendant. Ben, il sort et il se met en posture de méditation dehors après avoir fermé la porte. Discrètement, mais je vais faire du bruit en fait. Ouais. Je vais préparer le thé et je vais malencontreusement faire tomber une la petite théière, là ça va faire du bruit. Incompétent. Hein. Quoi ? Incompétent. Et je dis à voix haute, alors voyons, combien me faut-il de tasses ? Il me faut donc 7 tasses. 1, 2, 3, c'est bon, j'ai assez de tasses pour 7 personnes. Donc voilà. Et il commence à y avoir du boucan au niveau de la porte. Et là, putain, mais bougez-vous, merde. Quand t'as dit 7 personnes, hop, le panneau s'est ouvert. Hop. Là, il y a le panneau de la porte de votre maison qui s'est ouverte. Kenrou. Donc, effectivement, tu vois Kenrou. Bon, je vais mettre une 8ème tasse. Et tu vois un katana au niveau du cou de Kenrou. Ah, il s'embêtant. Est-ce que c'est un katana d'oiseau fulgurant ? C'est le katana que tient un oiseau fulgurant qu'il a dégainé quand Kenrou est arrivé, qu'il a ouvert la porte, qu'il est rentré. Kenrou, quel plaisir de vous revoir. Il faut vraiment que vous toquiez, à la porte. Hein. Oh. Attendez dehors. Vos nouvelles statues sont très vives. Oui, mais je ne suis bonjour, pas prêt. Attendez dehors. Je suis Kenrou. Très beau sabre que vous avez là. Donc il y a oiseau fulgurant qui te jette un regard, lui laisse a priori que tout va bien et il rengaine son sabre. Nous on se lève. Enfin moi je avec tout ce potin. Comment étaient les douilles ? Très bien. Parfait, très bien. J'ai extrêmement bien dormi. Mais restez dehors pour l'instant. Je dresse la table. Allez chercher les chocolatines. J'y vais. Bon, on est tranquille pour une journée à peu près. Sans déconner, il est capable d'en avoir, il va te les livrer à coups de cerf-volant. Ouais. Bah non, on est au sud. Bah oui, c'est des pains au chocolat. On est au sud. Et alors, allez crever en enfer, et vous ? C'est chocolatine partout. Bon, je prépare donc, je fais chauffer l'eau et... Dès que mes compagnons vont sortir, je leur poser innocemment la question si la méditation s'est bien passée. Oiseau fulgurant est à l'entrée, il souhaite s'entretenir avec nous. Et Kenrou est passé, mais ça, je pense que vous l'aviez entendu. Qui ? Bon, Oiseau fulgurant, bonjour. Que se passe-t-il donc ? Je vous la porte. Vous lui faites signe de rentrer, c'est ça ? Oui. Parce que pour ça, il est dehors. Ouais. Non. Non, ok. Enfin, moi non. Bah, toi, lui non, mais les autres oui. Ah oui, les autres oui, donc... 4 oui. D'accord, donc il y a Isawa Tatsuhiko qui va chercher l'oiseau fulgurant. Bon. Alors, et où est donc votre ami... Comment ça... il est mort ce matin. Hein, l'âme éclair. L'âme éclair. Votre ami Shoshi. Bref. Nous avons appris, bref, que venez-vous faire ici ? Excusez-nous, je suis pas du matin. Méditation. Tu t'excuses. Mon disciple. Oui. Est maintenant devenu suffisamment maître pour pouvoir parcourir la route seul.
et le devoir qui m'incombe ne doit pas peser sur ses épaules. D'accord. Quel est votre devoir ? Mon maître a été assassiné. D'accord. Et je ne crois absolument pas à cette histoire de brigand qui l'aurait tailladé. Assurez-vous, vous n'êtes pas le seul. J'espérais vous revoir pour savoir ce que vous aviez vu, ce que vous aviez appris. La dernière fois que j'ai vu mon maître, c'était au pied du palais de l'émissaire Otomo. Et il est rentré dans le palais. Ne l'avez-vous pas attendu ? Il était convenu que j'aille le rechercher, que je vienne le rechercher le lendemain matin. Il n'avait aucune raison de sortir dans la nuit, batifolé dans les rues de Sunde Musemura. Intéressant ça. Rappelez-moi ce que vous venez de dire. Il était rentré dans quel bâtiment ? Le palais du gouverneur. Pardon, le palais de l'émissaire. Otomo. Ah, l'Otomo, oui, voilà, c'est ça, de l'Otomo. Mmh. Mmh. Oui ? Oui ? Ah, ça change beaucoup de choses. Il a été mort. Allez-y. Il a été retrouvé mort ou il a disparu ? Il a été retrouvé mort dans une ruelle près de. Allez. Hop, excusez-moi. Le quartier du plaisir du sud. Il faudrait le plan de la ville. Hop, le quartier des épines, ou je sais plus comment ça s'appelle. Hop, je change. Même si cela semble évident, nous sommes bien d'accord que il est impossible qu'il n'ait plus se défendre face à quelques malandrins. Oh, c'est compliqué. Ça peut arriver, hein. Non, c'était un bouchi. Oui. Justement. Attention. Manque un peu de puissance. Attention, choisis bien vos mots. Alors, du coup. Alors du coup, ah oui, le palais c'est au sud, c'est ça ? Le quartier noble. Là où il y a l'automo, c'est quartier noble. L'automo il est là. C'est le cas. Ouais. Il est là, oui. Et lui il a été trouvé dans le quartier des franges. C'est là, non ? C'est le quartier des plaisirs. Ah il est là, pardon, il est là, excusez-moi. Ah c'est bon, c'est par là. Ah c'est côté des quartier des franges ? Plein sud-ouest ? Ouais. Ah c'est quand même pas côté. Ah oui, non, c'est clair. Hein. Là il y a le quartier noble. Ouais. Est-ce que... Il avait donné consigne qu'il attend qu'il le retrouve ailleurs, donc il devait pas sortir. Il n'était pas prévu qu'il sorte. Il devait le retrouver au pied du palais de l'émissaire. Je vais être un peu brutal, mais il lui est arrivé sans doute de faire des choses sans vous impliquer. Est-ce que c'était déjà arrivé ? Mon maître était une personne qui ne pouvait compter sur peu de monde. La relation avec sa famille était tendue. Mmh. Et sa place au sein de l'administration impériale lui a tiré pas mal de rivalités. Mmh. Et lorsque nous convenons une chose, lorsque nous convenions une chose, lui et moi, nous nous y tenions. Hmm. Il se servait en danger, si j'ai bien compris, que ce soit de par son travail et toutes les pressions qu'il pouvait subir, et encore plus récemment, suite à notre entrevue. Sa vie a toujours été périlleuse, et après ce que vous nous avez dit, davantage. C'est là que je veux venir. Vous ne pensez pas qu'il avait... Je ne vais pas dire ou un journal ou un truc, mais qu'il n'avait pas laissé une sécurité, quelque chose, pour informer ou pour faire savoir ce qu'il avait pu découvrir pour la cas où il arriverait malheur, puisqu'il vivait dans l'espèce de danger permanent. Il n'y avait pas un moyen secret, vous ne pensez pas quelqu'un ou quelque endroit où il aurait pu laisser une information. Je veux dire, si je vivais toujours avec l'idée d'une épée au-dessus de ma tête, je ne voudrais pas que tout ce pourquoi je travaille soit perdu. Il y avait bien ces livrets
où il notait ses travaux de cartographe. Mais lors de notre dernière mission, je ne l'ai pas vu beaucoup travailler sur les livrets. Cette mission semblait étrange et différente des précédentes. Donc oui, le quartier des plaisirs, c'est bien ici. Oiseau fulgurant, cette dernière mission, par qui vous avez été, vous avez-t-elle été confiée? Les missions que reçoit Soshin Aoshige Sama lui sont octroyées par le service des cartographes. Mais sur cette dernière, je commence à avoir des doutes. Oiseau fulgurant, pourriez-vous aller juste regarder si Kenru revient? Je commence à avoir un petit peu faim, s'il vous plaît. Juste sur le devant de la porte. Bien, ça m'a. Il sort. Mes amis, une idée vient de me traverser la tête et elle me touche en mon fort intérieur. Je vais énoncer tout haut quelque chose qui va me peiner. Très bien. Personne ne bouge? Okay. Non. On attend. Hein. La raison pour laquelle il n'y avait personne que les trois représentants de l'empereur, c'est peut-être que c'était un piège tendu, comme à Aoshige Trucmu, etc. Pardon, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Noshi Naoshige San. Et que nous avons risqué de parler d'un sujet qui, en fait, que nous parlions à un adversaire. J'ai rien compris. Là, vous faites beaucoup de circonvolutions. Otomo-sama est le représentant de l'empereur et c'est tout. N'allez pas plus, chercher plus loin. Il est responsable de la sécurité de ses hôtes, des personnes qu'il reçoit. Oui. Et la disparition, oui, voudrait dire aussi qu'il a été attaqué dans son enceinte? Non, je vous signale qu'il a été retrouvé dans le palais des plaisirs, donc il est certain qu'il avait autre chose à faire, qu'il l'a mené ailleurs. Il ne devait pas dire forcément tout à son Ronin, ce qui paraît logique. Oui. Il avait certainement une double mission, une couverture de géographe et une autre mission qui ne nous, enfin, dont on devine un peu les tenants et les aboutissants. Je vais vous raconter une anecdote qui vous fera penser à cette affaire. Nous avons été conviés dans une arène suite à un message d'un Kitsuki. Le Kitsuki n'avait pas écrit ce message. J'ai une question justement par rapport à ça. J'ai une question par rapport à ça, Xab. Le quartier des plaisirs, il est tenu par qui? Est-ce que c'est pas Yasuki Tenu par... tu sais pas. Avec ma connaissance... Juliette le saurait, mais toi non. T'as des connaissances de ta père, hein? Bah non. Bah voilà. Voilà. Donc on se retourne vers Juliette quand je pose la question. Bah il est pas là. Il est parti. Enfin, il est pas là. Bah non, il est pas là, il dort pas dans cette maison, lui. Il dort au temple. Il a toujours dormi au temple. Oui, mais d'habitude, il était là à l'aube. Idessan, où voulez-vous en venir? Sur quelle partie trouvez-vous qu'il y a eu une illusion? Je vois mal. Il a peut-être été attiré. Je vais laisser répondre. Je vois mal Otomo le trahir au sein de son palais, vu qu'il avait l'air quand même assez affecté par sa mort. Donc il a dû recevoir un message sur une piste très sérieuse pour la suite, tout de suite maintenant, dans une cave au quartier des plaisirs, et voilà quoi, comme qui s'est passé avec la reine. Pour m'assurer. Oui, oui. Pour m'assurer. Après, alors, oiseau fulgurant, ça m'étonne quand même qu'il ne soit pas suicidé. Hein. Parce que un samouraï dont le maître meurt, déjà, il passe Ronin. Mais là, il peut plus. Et son maître est mort. C'est un Ronin. Donc,
Oui, enfin, ça reste à sa mort d'origine. Ça reste à sa mort d'origine. Il aurait pu se suicider parce que son maître était mort. Bien. Non, mais je m'en vais rassurer. Et son disciple, il est où, là? Il a peut-être envie de venger son maître, puis de se suicider. Oui, ça serait très honorable, par contre. Voilà. Parce que s'il suicide et après il venge son maître, ça va être compliqué. Oui, ouais. Non, là, peut-être pas. Ah, il va le chasser dans l'autre monde, mais... Je lui ai demandé de revenir. Avant qu'il arrive, il est en résonance. Ça serait bien de le garder avec nous. Oui. S'il n'a pas de mission, on le prendra sous notre aile. Encore que visiblement, je me charge d'en parler avec lui. Les ogres cornus font résonance avec eux et ça leur suffit. Ils ont besoin d'une personne pour avoir toute la résonance. C'est peut-être une personne isolée qu'elle préfère. Bien. Ouais. Je rouvre la porte. Oh, il n'est pas là, quel dommage. Si, il est en train de discuter avec Kenru. Ah, mais ça y est, vous êtes oiseau fulgurant. Tous vos exploits sont venus jusqu'à mes oreilles. Et les ennemis ne parlent de vous. Vous êtes un vrai héros. Il paraît que vous avez une escrime experte. Bon, en fait, il y a Kenru qui est en train de bassiner oiseau fulgurant. Bah, je l'ai fait rentrer. Ah, j'ai des sucreries. Et il rentre. Ah. Kenru, allez donc chercher les chocolatines. J'ai les sucreries que vous avez demandé. Voyons. Pas le choco. Est-ce qu'il nous a trouvé des chocolatines? Là, il vous a trouvé des sucreries, parce que les chocolatines, ça n'existe pas. Ah, mauvais. Bon, on fait avec. On va manger les sucreries. Bien, allons-y. Excusez, je vous sers un peu de thé. Et il n'y a que 7 tasses. Enfin, je sais pas si on arrive à s'en débarrasser, hein, tu me dis. Bah si, vous faites pas ça de façon très... cérémonielle. Non, parce que, enfin, très appuyé. Ostensible. Ouais. Oui, il se sent pas en trop, hein. Il faut être un peu grossier, sinon ça va pas. Kenru-san, ce que Kakita veut dire, c'est... Pourriez-vous nous laisser tranquilles? Merci. Juste aujourd'hui, nous sortons d'un deuil éprouvant et nous allons en discuter avec Oiseau Fulgurant justement et je ne veux pas vous infliger ça. Ouais, mais je ne sais toujours pas comment vous avez trouvé mes pattes. Je vous ai répondu quand vous êtes arrivé en vous disant qu'elles avaient été très bonnes et que j'avais extrêmement bien dormi. Ah, c'est vrai. Et alors l'épice, vous la trouvez comment? Elle était bien assaisonnée. Bon. Je vais chercher de quoi vous en faire pour ce midi alors. Je reviens. Merci. Très bien, non. Très bien. Demain midi. Au moins il sort. On peut encore passer. On peut encore escalader de l'arrière de la maison. Kakita-san, soyez direct. Je me dis des fois que je suis trop compétissant. Soyez direct. Non, mais voilà, la directitude dans le Bushido, c'est bon, je vais m'y employer, mais bon. Avant qu'il revienne, oiseau fulgurant, votre maître a été retrouvé dans une rue, c'est ça? Que lui est-il arrivé? Enfin, ce qu'on vous a dit, est-ce que vous l'avez vu? Ah, je ne l'ai pas vu, non. J'ai appris que ce que les gens disent est qu'il a été trouvé dans la rue, mort. De plusieurs coups de la main. Et vous, Isawa-san, vous n'avez pas vu le corps? Disons que j'ai vu le corps, mais il était revêtu des habits de cérémonie, du linceul pour la crémation. Mais c'était bien lui, je l'ai reconnu. Hélas. J'ai eu l'honneur de participer à sa crémation et mener le rituel. Son âme est partie vers Nigendo, non je sais pas. Ouais, c'est vous le théologue, hein. On dira oui. Hein. Oui. oui. Vers le monde de l'attente. Le monde de l'attente, c'est ça. Oui. Meido. Voilà. Il est peut-être parti chez les anciens. Chez mon copain Meido. Xavier, je t'envoie un MP.
Ah, Tsushin Naoshige-sama était un grand samouraï. Oui. Mais ça demande un G, hein. Oui, pareil. Je te le fais. Je suis. J'ai une question, aussi. La pose pas, la pose pas. Non, mais après, c'est... Est-ce que il faudra le faire sur le... Tu penses, ouais. Non, il a pas bougé. Pour ressentir la... Pour ressentir s'il a la perle... Enfin, s'il a le... S'il est en harmonie avec la terre, il faut faire ses méditations pendant une heure, ou c'est... On peut le faire en se concentrant maintenant. Ah, ça prend du temps, c'est un peu de méditation, mais peut-être pas une heure. Non, mais nous allons partager le thé. On va partager le thé. Tu vois pas que je partage le thé? Donc si je peux, je fais. Bah, il faut que tu te mettes en posture de méditation. Bah voilà, dès que le thé commence à être mis en place. Mais je vais faire une cérémonie du thé, en fait. Donc en gros, tu ne vas pas participer à la cérémonie du thé, tu vas méditer de ton côté. Alors pour moi, la cérémonie du thé permet aussi de se méditer. De méditer. Non, ça permet pas de méditer. Ok, je pensais que ça pouvait se cumuler. Excuse-moi. Tu fais pas les deux, sinon tu gagnes 2 points de vie. Non, c'était pour moi dans les faits, ça pouvait être un type de cérémonie. Okay. Donc je médite, moi. Oiseau figurant, vous ne savez pas tout à fait de qui émane la mission, mais est-ce qu'au fur et à mesure de votre trajet, de vos pérégrinations, est-ce qu'il vous a expliqué un petit peu votre maître, sa teneur? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce que vous avez compris déjà de la mission? Il voulait rentrer dans les mines du village de Pierre. D'accord, mais il vous a pas dit pourquoi? Non. Non, ok. En fait, il cherchait la même chose que nous. Oui, je pense. C'était clair. Vous avez pensé quoi de ces créatures qui nous ont... C'est effrayant. On est bien d'accord. Ça avait l'air assez inoffensif. Je ne sais pas, quelque chose d'oscillé, c'est sûrement dangereux. Peut-être. C'est des créatures qu'on s'attend à voir de côté du mur. Avez-vous senti un changement en vous sur votre perception du monde, des camis, votre renfort intérieur, après être parti de la mine? J'ai des coups d'œil vers Hide et Iruma lorsque je dis ça. Nani ? Oui. J'ai l'impression d'avoir avancé dans mes techniques de méditation. Méditation ? Oui. C'est vide, d'accord. Okay. Tiens. Ne vous sentez-vous pas... Non, en fait, c'est, quand il dit ça, c'est que tu sais, dans la méditation, alors Alain te l'expliquerait certainement mieux. T'as des paliers, des domaines de compréhension. Mm-hmm. Et donc, il a avancé dans ses phases de compréhension de l'univers par la méditation. Ça peut être associé à la Terre, en fait. Ça peut être qu'il a compris la Terre, quoi. D'accord, ok. Ça veut pas dire, tu veux, j'avais peur qu'en fait, il y ait presque un ordre, en fait, que lui, il ait chopé le vide parce qu'on avait eu le vide juste avant. Non, c'est en fait, c'est quand tu médites, c'est en fait de faire comme avec l'univers. Et lui, il vient de comprendre l'élémentaire. Mais il a pas ressenti comme ça, c'est juste lui dans son. Dans sa recherche de transcendance par la méditation, il semble qu'il a progressé dans sa transcendance. Eh bien, oiseau fulgurant, je vous fais assez confiance et. Votre respect du Bushido est à un niveau tel que il ferait palier d'envie la plupart des samouraïs. Un palier de respect, excusez-moi, je dis pas d'envie, de respect. Pardon. La plupart des samouraïs, je vais donc parler franchement. Ce qui est arrivé à votre maître était inacceptable et malheureusement ne s'arrêtera pas là. Ce qui tourne autour de cette affaire et quelque chose qui n'aura de cesse de s'en prendre aux gens qui ont atteint un niveau de plénitude comme vous l'avez atteint. Et cela fait beaucoup trop de personnes que nous croisons qui sont importantes pour l'empereur. Nous perdons à cause de cela.
je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir le fin mot de cette affaire et que cela ne reste pas impuni. Mais je pense que nous aurons besoin de votre présence pour mener tout cela à terme. Et si nous arrivons au bout, je serai heureux de vous présenter une de mes filles. Que je n'ai pas encore, mais il faudrait que j'y pense. Je m'avance trop, là. Ah oui, tu vas, okay. Un samouraï ne donne pas sa fille à un roi. Bah en fait, pour moi, c'était pour faire. Alors, c'était dans le sens que je vais essayer de, le faire sortir de son statut de Ronin pour le prendre chez les grues. Enfin, j'arrive pas à tourner la phrase. Alors, moi, je l'avais sorti en disant j'ai samouraï. T'sais. Parce que c'est famille vassale. D'accord. Mais pas ta fille. Pas ta fille, malheureux. Tu recommanderas à ton seigneur de. T'es marié Parce que... Oui. Oui. D'élever le Ronin en samouraï de clan. Ça peut se dire comme ça. D'accord, ok. Oui. Je croyais que c'était forcément par des mariages ou des trucs comme ça. Ok, pardon. Ah non, seigneur peut... Regarde, le Ronin qui a épousé la Yazuki, il a été élevé au rang de... Oui, mais il a épousé quelqu'un. Tu vois, je pensais que c'était pareil. Non. Il a été élevé au rang de samouraï, et une fois qu'il a été élevé au rang de samouraï, il y a eu le mariage. Il était famille impériale. Mais je... Au moment du mariage, il était Sepoun. Hein. D'accord. Je vais donc... Si nous arrivons au terme, je parlerai à mon seigneur afin qu'il puisse vous élever au rang de samouraï Kakita. Oh là là. Ce serait un grand honneur. Mais... il se peut que ma vie ne soit pas assez longue pour arriver à un tel moment. C'est un refus poli ou c'est ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'il va se venger le mec, il va se suicider après. C'est possible. Ouais. Mais c'est un refus quand même. Oui, c'est normal, Kakita, c'est pas terrible. Hein. Toi, je vais te découvrir. Je suis persuadé qu'il y a un être corrompu dans le palais, et je n'aurai de cesse de le trouver. Ah oui, d'accord. Il a la même vision que moi, hein. Je dis ça, je dis rien. Eh bien, je regarde mes compagnons et je vais parler lentement, de manière à pouvoir être interrompu. Je pense donc que durant cette enquête... Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est le palais de Otomo-sama. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ce palais, c'est comme le palais de... Non, je ne peux pas dire ça non plus. Il ne peut pas y avoir quelqu'un de corrompu dans le palais d'un si haut dignitaire. Nous cherchez dans la ville. Nous savons que les gens qui ont déjà été tués pour ce genre de raison ont été tués par des créatures maléfiques, et pas par des manigances d'êtres humains. Enfin, si, il y avait quand même une manigance d'êtres humains, puisqu'il y avait ce fameux, voilà, dont je ne parlerai pas. Faut pas faire de la peine aux amis. Mais là, non, pas dans ce palais, parce qu'il est sous la coupe de Otomo-sama. Mais... Je reprends ce que disent... Vous êtes bien le premier pour savoir la capacité d'Otomo-sama de lire les pensées, de sonder les reins. Tout à fait. Ah bon? Oui. Le mec il réagit. Ah bon? Mais non. Mais si, rien dit. Mais les 8 heures, c'est l'heure du saké. Tiens, Kakita, vous êtes bien placé. Donc non. Je comprends pas, je suis assis pour toi. L'âme éclair. Non, je sais plus. Oiseau fulgurant et l'âme éclair, c'était l'ancien disciple. Voilà. Ôtez-vous cette idée de votre tête, elle est... Je pense qu'elle est fausse. Nous avons par contre déjà reçu des missives fort bien faites
qui était en fait un piège envers ceux qui malheureusement ont cette connaissance du monde. Il n'y avait pas et il est possible que votre maître ait reçu la même missive. Je doute que mon maître se soit laissé berner par un tel traquenard. C'est vrai que c'est un carton. Je suis persuadé qu'il ne se laisserait pas berner par ce genre de choses. C'est sûr qu'il ne savait pas être un imbécile, lui. Dis-je en regardant. Bah oui. Personne. En particulier, mais tout le monde. On voit qu'il l'avait dans les mains. Vous emmerde. Vous savez, la vie de Soshin Aoshige Sama n'a pas été facile. Beaucoup de gens ont tenté de le faire trébucher, sa famille en particulier. Et il a toujours déjoué tous les pièges. Pourquoi sa famille ? Disons qu'ils avaient une divergence d'opinion. Ce sont les choses qui arrivent. C'est malheureux quand c'est dans la famille, mais... Pour dissiper ces doutes, de manière assez simple, hein. Disons que il n'est pas arrivé là-bas tout seul. Je pense que nous pouvons au moins lui faire honneur de se renseigner un peu sur ce qui s'est passé durant cette nuit. Du moins dans le quartier sud de la ville. Cela permettrait de dissiper les doutes. Qu'en pensez-vous, Samurai-san? En a-t-on fait autant pour la dernière fois? Alors vous nous faites quelque chose la dernière fois pour un membre de la famille impériale? Nous avons poursuivi sa mission, je vous rappelle. J'ai ouvert mon éventail et je l'ai refermé. On devrait peut-être continuer. Bah oui, c'est vrai. Enfin. Ça me gêne. Attendez, je voulais vous avertir du danger que je pressens dans les environs du palais. Je vous ai averti. Pour ma part, je vais mener mon enquête. Attendez, savez-vous si, après cette étape de la mine, vous avez-il parlé d'autres étapes ? Non, c'était juste qu'il voulait remettre son rapport. Il avait bien rendez-vous avec Otomo-sama ? Parce que Otomo-sama ne fait pas partie de la... Il ne m'a pas parlé d'Otomo-sama. Il m'a pas dit qui lui avait confié la mission, ni qui il devait voir. Oui, avait-il une invitation officielle lorsque vous l'avez déposé au palais d'Otomo-sama? Il est oui. Fonctionnaire de l'empereur. Samurai Sama, je vous souhaite une très bonne journée. Et il s'en va. Sauf si vous le retenez ou lui posez des questions. Ça se fait de demander l'honneur d'être celui qui l'assistera, ou c'est quelque chose qu'il doit faire tout seul? Tu peux faire l'honneur qu'il t'assiste, plutôt, c'est mieux. C'est un samouraï, c'est un ronin et toi t'es un samouraï. D'accord, ok. Non, mais c'est comme c'est quand même un ronin, c'est quand même un samouraï qui va suicider. Ok, d'accord, ça va. Ah, pardon, pour ça oui, oui. Ouais, mais là, tu peux en parler quand il aura décidé. Enfin, quand il dira, je vais me suicider, quoi. Enfin, s'il y arrive. Si vous devez vous suicider, prends, je réserve. Après, tu sais, Magus, il veut marier sa fille qu'il a pas encore. Alors bon, on sait qu'il fait des choses à l'avance. Avec un ronin. Il voit très loin. Il ne m'épargne rien. Il me demande de parler des états. Il veut marier sa fille à Ronin. Non, par contre, il ne m'épargne rien, les salauds. Quoi.
Il va marier sa fille qui aura 20 ans. Y a-t-il un endroit où Azos Culturant où on peut vous contacter? Est-ce que vous logez quelque part en ville? Oh, je ne passe pas à avoir un pied à terre fixe. C'est une bonne chose. Un quartier, un endroit quand même? Je ne pense pas rester à un endroit fixe. Nous passons régulièrement au temple des 8 pétales. C'est un très bon lieu de méditation. Je vous le conseille. Enfin, ça s'est vu que c'était un lieu potentiel où on lui laissera un message. Fais un petit jet de ticket pour s'y prendre. Ou d'art de la bataille. Bon, ouais, il a compris la logique. J'ai réussi à méditer ou pas? T'as fait un jet? Bah oui. Ouais, 19. J'ai fait que 19. Mais... Ouais, bah t'as médité, ouais. Non, c'est bien, t'as bien réussi. Je sais pas s'il a la pierre sur lui. La pierre là. C'est des difficultés 50, hein. Ah oui, quand même, ah oui. L'autre fois, c'était pas si dur que ça. Si. C'est Juliette qui... Alors, je te laisse imaginer si en plus on avait pas les... Si on avait les gains des anneaux dans le lancer de dés, hein. Putain, ça serait 75. Bon. Non, la dernière fois, Juliette avait fait 50, et je crois que la dernière fois, il avait fait 40. Comme ça, c'est une énorme. Ah, pour la méditation, c'est pour ça que j'ai ressenti... Oui. Ah oui, d'accord. Bon. Ah d'accord, ok. Je n'ai plus avoir fait un jet énorme comme ça. Mais c'est bien, tu as fait ta méditation du matin, c'est très bien. Bon, mais il s'en va. Adieu. Bon, une enquête, c'est quand même pas inintéressant, je trouve, moi. Bah oui, moi, ça, je trouve ça... Mais enfin, moi, je veux pas faire une enquête pour Oiseau Fulgurant ou pour honorer la mémoire de qui que ce soit. Non, mais savoir où sont les mecs. Mais voilà, moi, je vais essayer de les gauler, parce que je suis pas certain, ce coup-ci, que ce soit des avocornus. Non, moi non plus. Pas du tout. Bah enfin déjà la première fois vous saviez que c'était pas des orgues cornus, hein. Oui voilà. Et mais par contre effectivement il y a le vent noir qui rôde. Et le vent noir ce sont aussi des gens d'influence. Alors même si ça va faire rire certains, comme il s'appelle Ida Fujita, il avait une certaine influence. Et je pense que des gens comme ça dans le quartier des plaisirs, ou ne serait-ce que pour le comme s'appelle la reine là, pour qu'elle reste debout. Que personne ne les fait détruire ou brûler jusqu'en bas. Il y a des gens très importants qui œuvrent en coulisses, quoi. Donc ils ont des appuis. Hein. Non, mais ça permettrait de savoir de qui se méfier. Hein, je suis d'accord. Hein. Ouais. Moi, je dis pas qu'on, je sais pas si on va trouver, mais peut-être une petite enquête. Je sais pas. Après, c'est pas non plus très, comment dirais-je, de bonne aloi de laisser un renin dire qu'il y a des traîtres dans le palais impérial des Otomo. Ah non, mais c'est pas ça le problème, hein. Non, attention, on parle pas de ça. Hein. Izawa-san, il est tout à fait possible qu'il y ait des traîtres dans le palais. Ce n'est pas l'empereur, c'est des gens qui sont infiltrés, c'est différent. Oui, on peut le voir comme ça, mais enfin bon. Mais c'est le cas. C'est un manque de confiance. Non. Pourquoi pensez-vous qu'Otomo-sama nous a reçus sans les Aimin? Ouais, enfin, refaire savoir. Pas bête. Non, franchement. Ça veut dire qu'il n'a même pas confiance en son propre palais. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le sien non plus. On ne peut pas tout anticiper, c'est pas le sien, c'est vrai. Bah si. Bah, c'est toute sa cour. Je me laisse à penser que le gouverneur de la cité et même peut-être personne lui ont octroyé des Aimin et autres. Bien sûr qu'il y a un jeu d'espion qui doit se passer, mais. Mais ça n'est que normal. Oui. Ouais, normal, sauf que là, il y a un représentant de l'empereur, un quatrième impérial qui a été assassiné. Alors, ça, c'est autre chose. Et pour une autre raison. Alors, parce qu'il est. Il faut se poser plusieurs questions. Donc, déjà, ceux qui sont en résonance se font tuer. Oui. Ok. Donc, le fait de garder vivant l'oiseau fulgurant, ça serait une force. Parce que au moment du dernier combat, je pense qu'il va pas forcément se faire tuer. Hein. Alors s'il en laisse tout seul, peut-être que si. S'il en laisse un tout seul dans le palais, peut-être que si. Je suis pas sûr, moi. Je veux dire, il y a un truc à obtenir, et ils l'ont obtenu, c'était Sushi. Ça aurait pu être Oiseau Fulgurant ou je sais pas qui. Maintenant, c'est bon. Ça sert à rien de l'obtenir trois fois. Je suis pas forcément d'accord. Hein. Il n'y a peut-être pas qu'un seul groupe en face. Hein.
peut-être, déjà, mais non, mais il y a aussi autre chose que je voudrais qu'on n'a pas de certitude. On ne sait pas si le fait qu'il n'ait plus la perle de sa symbiose avec la Terre, l'harmonisation avec la Terre. Pardon. Le fait qu'il ait perdu l'harmonisation avec la Terre, c'est pas forcément qu'il a été personne l'a perdu, récupéré. Hein. Bah si, Soshi. Soshi l'a perdu. Est-ce qu'il l'a perdu parce qu'il est mort, ou est-ce qu'il l'a perdu parce qu'on lui a volé? Parce qu'il est possible que quand tu meurs, tu perdes les harmonisations. Et donc du coup, on peut penser qu'il a perdu l'harmonisation, alors qu'en fait, qu'il se l'est fait voler, alors qu'en fait, il est simplement mort, assassiné. Ah, très que... très intéressant, Hidasan. Et sinon, le point suivant. Comment et alors, soit on doit partir pour la perle de l'eau, soit on enquête, parce que soit on peut. On va, du feu. Alors, si on va à l'eau. On continue la mission, mais si on enquête et qu'on trouve le trait dans le palais, ça peut être utile pour la suite aussi. Ouais. Hein, ça, les deux choix se tiennent. Les deux choix se tiennent. Et en plus, si on garde Oiseau Fulgurant avec nous, bon, il porte la poisse à ses maîtres. C'est certes, mais c'est quand même un bon combattant, quoi. Ça tombe bien de pas ses maîtres. Mais poisse si, Kakita, il est quasiment marié avec lui déjà. Enfin, sa fille, je tiens pas. J'ai une pensée avec des bulles où je suis en train de découper le discours de l'Isawa. Ça nous donnera votre déchet à votre famille, ne vous inquiétez pas. Kakita-san, il veut juste récupérer son sensei à côté de lui pour lui apprendre à. Ah oui, ça c'est moche. Rassure-moi, tu l'as vraiment pas dit à voix haute, hein ? On est bien d'accord. Non, je l'ai pas dit. Ouais, comme Isawa, il a pas dû le dire aussi. Non, mais parfois ça sort, t'as beau faire, tu penses et puis ça sort. Magus, rappelle-toi, dans ma campagne, il y en avait un qui s'était marié avec une famille mineure et tout le monde le regardait mal. Oui. Tu te rappelles ? Et toi, tu proposes de marier ta fille à un Ronin, quoi. Je te raconte pas la gueule de ta fille, quoi. Ça va être triste. Comment ? Bah, elle est pas née, donc pour l'instant ça va. Et en plus, donc ça veut dire que quand elle sera en âge d'être mariée, il aura 70 ans. Non, mais ton air, ce mariage ne serait pas fait parce que le Seigneur n'aurait pas accepté. De... Ouais. Il aurait dit Kakita Musashi, demain, vous allez assister à une cérémonie. C'est vous le principal intervenant de la cérémonie. Vous voyez le kimono blanc, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous. Oui. Après, ça part d'un bon sentiment. Non mais après, on a pas offert les cadeaux quand même à l'Otomo, je rappelle juste ça quand oui, même. Oui, c'est durable. Mais il voulait pas, il nous a pas offert à boire, donc il voulait pas de cadeaux. Ouais. Il nous a pas laissé le temps de placer les formules. Heureusement que quelqu'un nous a fait à manger, parce que sinon on aurait pas mangé de la soirée. Ah mais c'est ça. Il venait vraiment pour nous écraser, il voulait pas faire copain-copain. À pas écraser, faire son métier. Ah oui. Non, franchement, après, il était impliqué parce qu'il perdait contenance. Ça se voyait pas trop, mais il perdait contenance. Donc il était vraiment impliqué dans cette histoire. Mais dans le bon sens du terme. Dans le sens passionné, pas dans le sens rotor. Enfin, c'est mon sentiment, quoi. D'accord. Je le vois pas comme un ennemi, mais il est peut-être entouré par des personnes... Après, rien n'empêche qu'on aille traîner au quartier des plaisirs pour se renseigner, savoir si des gens ont vu l'altercation, des choses comme ça. Oui. Moi, je propose du faire l'utile avec l'agréable, parce que à chaque fois qu'on voit le capitaine Atemori, c'est dans le quartier des plaisirs. On discute. Je ne parle pas forcément de ça, mais c'est à chaque fois là-bas qu'il nous invite et il va nous parler de Yazuki, le pirate là. Le héros, pardon. On a et qui voilà. Et Atemori. Oui. Non, mais c'est Fumaki, le nom de Yazuki. Oui. Il va nous parler de Yazuki, faut mourir. Voilà, c'est et pire. Peut-être qu'on peut essayer par là-bas d'enquêter un petit peu sur en même temps sur ce qui s'est passé. Oui, on peut voir si on arrive à trouver l'endroit où il y a eu l'altercation. Peut-être que j'arriverai à trouver des choses. Tout est possible. Non, c'est vrai, tout à fait. Oui, s'il faut, on va reconnaître un bâtiment, un symbole qu'on a déjà vu ailleurs. Il y aura peut-être un bâtiment qui aura cramé deux jours avant à côté. C'était possible. C'est bizarre, non, parce que c'était fatigué. Je suis pas sûr, Hide-san, que
que toutes les personnes qui sont harmonisées risquent grand-chose. Oui. Je pense qu'à partir du moment où ils ont récupéré ce qu'ils voulaient... et d'ailleurs, ils sont jamais venus nous chercher des crosses. Hein. Par exemple. Oui. Pour... pas tout seul. Pour vous, chaque pas est un laissé-passer pour rentrer. Voilà. Mm. Je veux dire, à chaque fois, les ogres cornus, ils nous ont toujours plus ou moins évités. C'est nous qui leur sommes tombés dessus en leur court-circuitant ou juste avant qu'ils trouvent quelque chose. À chaque fois. Non, mais ça se tient, ça se tient. Ça va être notre faute bientôt. Non. Bravo. Non. Oui, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on partira à la mer, on prendra un pêcheur avec nous et on le gardera jusqu'à la fin. Quoi. Toujours est-il qu'on n'est pas sûr que. Enfin, pour moi, hein, moi je suis pas sûr que Sama se soit fait tuer par. De toute façon, ça va devoir assez simple. Qu'ils aient récupéré la. Alors, il est mort de plusieurs coups de lame, ça peut être un coup de griffe. Hein. Il me semble que Juliette avait indiqué que non, ce n'était pas des. Alors, pour moi, Juliette avait dit que ce n'était pas des coups de lame, mais que c'était des coups de griffe. Hein. Oui, non, sur le Sepoun, ça marche. Sur le Sepoun, ça ressemblait à des coups de griffe, mais en fait, les coups de griffe étaient trop parallèles. En fait, c'était pas des griffes, c'était des genres de poings américains avec des lames. Je sais plus comment ça s'appelle. Oui, ouais. Nécodé. Comme les trucs de Steve Wolverine. Ouais. Nécodé. Voilà, c'était fait avec de telles armes. Mais c'était pas des griffes, des griffes. D'accord. Bon, j'avais compris l'inverse. Je crois. Pareil, c'est pour ça. Je regardais sur le résumé. Je regardais sur le résumé qu'on n'est pas mis. C'est pas grave, de toute façon, il a dit que c'est comme ça. Donc, Juliette, ce qu'il l'a dit, ou qu'il aurait dû dire, c'est que c'était pas. Ça a été déguisé en attaque d'ogres cornus. C'était pas des ogres cornus. C'est des nénés codés. Allez, c'est bien ça, des nénés codés, ouais. C'est des armes de ninja. C'est ça. Elle est où la vieille? Pas oui, non, mais c'est vrai ça. C'est vrai. Elle est où la vieille? Elle est où la vieille? Elle est morte de chagrin. Bon. Donc, on essaie d'avoir un rendez-vous avec le capitaine Atemori. On va aller voir Otomo Osama pour qu'il nous dise où est la vieille. Vous savez où est passée la Ronin? Vas-y, parle. Vas-y, parle. Mais, tu parles du capitaine Mande pour la suite? Ouais. Bah, pour la suite, et pour la suite, et en même temps. Parce que à chaque fois avec lui, on traîne dans le quartier des plaisirs, où en même temps, on peut aussi mener notre enquête. Mais pour faire les deux à la fois, quoi. On fait les deux à la fois, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On lui donne rendez-vous sur place. Il faudrait essayer de retrouver la magie, il doit pas être bien loin, là. Ou vive l'âme, ou je sais plus comment il s'appelle. L'âme éclair. L'âme éclair. Voilà. Pour qu'il nous dise où est la petite vieille. Parce qu'il a pas dû la lâcher. Bah, apparemment, puis, son maître l'a libéré, il était prêt... Et ça aussi. il a peut-être libéré son élève pour pas qu'il se suicide avec lui quand il aura tué le recteur. Ouais. Quelle noblesse, quel bushido quand même. Ah oui non puis je regardais un peu son. Il aurait pu être Kakita. Il faut le rattraper. il faut le rattraper. Allez les amis, courez après. Moi je suis un peu fatigué là ce matin, j'ai pas mangé. Mais il nous reste des pâtes. Ouais. Bon, en plus, je vais rien avoir à midi. À midi, il y aura encore des pâtes. Oui, mais non, c'est pas grave. Ce sera pas là à midi. Non. Bon. Bon, ben, je vais chercher. Minuit ou minuit. Ah ouais. Quand vous voulez, quand c'est ce que... si vous voulez arrêter, on arrête. Ouais, j'ai le chat qui est fatigué. Non, moi, il dort déjà. Hein. Moi, il vient se faire caresser, mine de rien. Genre, ça m'intéresse pas, mais... Bah déjà, on peut aller voir au port, parce que s'il faut, le capitaine Atemori et son bateau sont même pas là. Non, mais on... Effectivement, il faudrait quand même demander où est passée la vieille bonne femme. Elle a peut-être vu des choses. Elle a peut-être été témoin. Pour essayer de la retrouver. Et il faudrait demander à Vive l'âme... L'âme éclair, pardon. Mais tu penses que la vieille dame, elle l'aurait suivie dans les quartiers Coupe-Gorge? Non. Sérieusement? Alors que même le même oiseau fulgurant l'a pas suivie? Non, mais c'était peut-être sa confidente. Peut-être. Peut-être, je m'en rends pas compte. À voir. Ouais. Non, mais ça, je pense que c'est l'idée préconçue des joueurs, comme quoi la servante est obligatoirement une ninja au service de Sophie. Ça, c'est ton service. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Depuis le début. De quoi? Que c'est Pierre, ninja. C'est Pierre. Ah, c'est Pierre qui arrête pas de parler de ça. Oui, je sais. Ah oui. C'est ninja, j'en suis sûr. C'est sûr.
Elle est dans les caves avec les lions, quoi. Ouais. Bon, déjà, on arrête ou on continue ou... Au moins, un peu crevé, les amis. Oh, ouais. Okay. Bon, donc on va arrêter. On va rester là. Je dors bon, vous n'aurez pas beaucoup avancé sur où trouver la carte. Mais il ouais, bon, y avait d'autres choses à faire. On a vu l'autre mot. Presque, on dirait qu'il descend, il fait exprès de ralentir. Ouais, j'ai l'impression qu'il descend, il fait tout pour pas aller sur l'eau, quoi. Non, mais c'est important de savoir qui est l'espion dans le palais. Ah, ouais, c'est de sûr. Pas aller, c'est... De pas aller sur l'eau aussi. C'est vital. C'est vital. Je suis sûr que c'est un élémentaire d'eau qui est là-bas. C'est louche. Bon. Sur allez, ce, la bonne nuit. Voilà. Ok, ok. Non, vous auriez dû dire que c'était la faute de Yasuki Milako et qu'il fallait faire une rafle chez elle pour piquer la carte. Ah, ça aurait été sympathique. Hein. Ah, c'était à double tranchant quand même. Ouais. Oui. Non, ok, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu mords. C'est bizarre, il manque un truc. Ouais, mais c'est pour certains, 9h dimanche alors. Ouais. Un résumé, ouais. À fond. Il manque un truc dans le résumé, dis donc. C'est possible, mais la version, la vraie version, c'est que t'es déguisé en attaque d'ogre cornu et que ça n'est. Oui, non, c'est d'accord, bien. Mais je veux dire, quand je lis le résumé, on arrive, on finit avec Ozue et on reprend, on est en direction vers le mur. Donc il manque. Bah, c'est possible. Ouais, donc, 9h. Rendez-vous à quelle heure? 9h chez 9h. Toi, ta nouvelle adresse, ton ancienne adresse. Ouais, l'ancienne adresse, pour l'instant, on boira le café, les chocos. Et il faut amener à manger ou des trucs comme ça, en fait? Bah, j'ai une question de Sandra. De quoi? Non, j'ai prévu. J'ai le seul truc, ce goût, j'ai demandé, mais j'ai pas eu de retour. J'ai envoyé un mail pour le lundi. Parce que qui vient pas, c'est beaucoup plus flou le lundi. Ouais, effectivement, moi, ça va être dur. Mais normalement, lundi, je suis là, moi, je te l'ai dit. Non, mais je sais bien, mais tu fais partie des seuls, donc je suis sûr à 100% que t'es là. Oui, moi, et, je t'ai dit oui. Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Et là, par contre, pour la bouffe, j'ai rien prévu. Donc, j'ai demandé s'il y en a qui voulaient aller manger avant, ou... mais j'ai pas eu de retour. Ah, ben moi, on s'adapte à ce que tu dis. Si tu veux qu'on ait mangé avant, on a mangé avant. Hein. Mais pour le dimanche, de toute façon, c'est prévu. Non, après, ça dépend de la masse de travail.